Bonjour, bienvenue dans cet épisode 10 de la saison 6 de Game of Thrones en partenariat avec Darty. Je suis très content de vous retrouver. On n'arrête pas de dire saison finale et en fait, en vrai, à la fois premier degré et également un peu méta, vous verrez. On se demande si Game of Thrones, il y aura une suite et je suis ultra sérieux, on est tous sérieux. Fredo, les bonnes affaires est sérieux. Mais d'abord, présentons pour ce dernier baroud d'honneur notre équipe qui sont encore amis, enfin c'est, on ne sait pas encore. À ma gauche, j'ai Lame. Ça va, Lame? Ah, non, oui. Tu es imprégné du personnage. Ça va très bien. Voilà. Dans deux minutes, on va faire un flashback dans lequel tu seras à nouveau Mimolin. Hein. Voilà. Mais après, un indice s'affiche en bas de votre écran. Donc, sinon, Lame, on ne s'est pas vu depuis décembre. La vie est belle? La vie est pas mal du tout, écoute, la vie est pas mal du tout. Et je te rappelle qu'on s'est vu, on n'a pas le droit de le dire, on a fait un podcast ensemble. Voilà, on fait un podcast ensemble, voilà. Voilà, mais on va acheter des NFT, tout ça, c'est cool. Énorme. Enfin, lui, mais pas moi. Non. Et toi, MV, les NFT? J'ai tout acheté. Il n'y a plus d'NFT. J'ai acheté un petit chien tout mignon en pixel art, 8x8, j'ai mis 30 000 balles, je pense que ça les vaut. Et ça va en valoir plus. Ouais, voilà. En tout cas, quand tu vas te faire voler sur crypto.com, eh bien... Ah oui, j'ai vu. Terrible. Voilà, quelle journée. Tu pourras faire une super histoire. Mais sinon, ça va? Ça va, tout va bien. On s'est vu, parce qu'on a fait un Game of Thrones les deux tours ensemble. Tout à fait, voilà. Bien entendu, c'était excellent. Et tu as une forme incroyable aujourd'hui. Tout à fait, je pense que je suis en train de m'élever au rang de pharaon, de l'insomnie. Je dis aux spectateurs, ça fait un an que je travaille avec MV assidûment, je ne t'ai jamais vu avec une telle forme. Je sais pas, incroyable. J'ai l'impression que c'est toi qui vas tuer le pharaon. Oui, c'est moi, j'ai tout prévu. Voilà. C'est vrai que tu as de l'énergie aujourd'hui. Evie. Merci. Ça va? Ben, ça va très bien. Je t'appelle Evie, t'es dans le personnage. Écoute, je suis déjà dans le perso. Non, ça va très bien. Evie, Lydia underscore de score AM. Bien sûr. Voilà, sur Instagram, n'hésitez pas à la follower. Et donc, une petite description de ta veste? Ben écoute, c'est pour aller dans le thème somptueux là, du pharaon, pour rendre hommage au pharaon. Tu vois, elle essaie déjà de négocier la vie. Oui, exactement. Et toi, Daz, t'as du mal à contrer cette situation? Moi, je suis désabusé, moi. Je pense que le jeu est craqué, je pense qu'il y a vraiment des fumiers autour de cette table. Ouf. Et je tiens à vous dire quelque chose, c'est que comme ils sont en danger de mort, moi, il y a un mois, je leur ai écrit en disant « Pensez à des nouveaux personnages, je suis un bon élève, je les ai relancés chaque semaine ». Ils ne m'ont jamais répondu. Si, moi, oui. Si, Lydia, elle a dit vite fait, ouais, je veux bien. Et toi, Lame, hier, elle a dit, ouais, je veux bien. Moi, je suis désolé, je joue mon personnage, donc j'envisage pas de mourir, en fait. C'est le principe. Je ne mourrai jamais. D'accord, donc il refuse. Donc, lui, son perso, il a deux semaines. Le c'est quoi le pauvre vient d'arriver, là. Donc, sans vouloir. Je peux changer à chaque séance. Sans vouloir faire de pub à mon propre stream, sachez que j'ai fait des streams, donc les viewers acharnés savent. J'ai 8 nouvelles fiches de personnages, si toutefois, pour qu'ils choisissent, quand ils seront morts. Donc, il y aura peut-être de la mort aujourd'hui. S'ils sont morts. Je profite pour saluer Alba, qui est à nos côtés, sur un nouveau setup incroyable. Oh là là. Wish, qui nous a parfaitement maquillé, notamment noté les yeux de notre pharaon. Victor Jolivet, que je salue, que je remercie de sa présence ces dernières années, et avec lequel je demande, et où Adrien, vous choisissez Adrien qui s'occupe du son, de baisser légèrement le retour, parce que j'ai l'impression que vous êtes sur place, et il y a, voilà, je m'entends. Également, le sbire Victor Fin est des nôtres. Il bouge des caméras. Il se déplace. Ouais, c'est ça. Il se déplace, il se promène, il est inutile comme d'habitude. C'est la fin également, Victor Fin, c'est la fin des subs garantis. J'ai encore votre liste. Cessez de nous envoyer des photos pour le moment. Okay, on en a. On va vous placer, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, il n'y a plus de subs garantis, même si cette émission-là, elle est avec notre partenaire Darty, que nous remercions. Je tenais à vous dire qu'il y a nos spectateurs. Alors, j'ai eu un mail venant d'une groupe de spectateurs qui habitent à Tahiti. Et il me dit, tu remercies tout le temps les Belges, les Suisses, les gens d'Afrique du Nord. Tu oublies les Dom, Tom et Pom. Je ne savais pas que ça existait. Chers habitants de Tahiti, on pense à vous. On vous aime. Voilà. Je veux bien qu'on aille faire le Game of Thrones live. J'allais dire, moi aussi, je veux bien... Non, mais toi, allez, qui t'a remplacé au petit event. En fait, ils sont encore hier là-bas, non? Ou ils sont déjà demain? Je ne sais pas s'ils nous écoutent à 6h du matin ou à minuit. En tout cas, Tahiti et Darty, on vous envoie des cœurs. Il y a des... Tahiti et Darty à Tahiti. Il y a également... Alors, on a créé un truc, je ne sais pas si vous en avez parlé, des watch parties. Donc, en fait, il y a des gens qui se regroupent pour regarder Game of Thrones ensemble. Donc, il y a une équipe à Paris qui s'appelle les Gorets Indécents. Gore et Indécents. Ah, pas mal. Et il y a à Toulouse une équipe qui s'appelle les Chocopeng. Voilà, qu'on salue. Et si vous voulez créer votre propre watch parties, vous contactez notre Instagram Nurshi de Game of Thrones qui organise tout ça et que je salue. Merci Quentin. C'est quoi le principe? Ils se mettent autour d'une télé et ils regardent. Ouais, c'est-à-dire qu'on a moins de spectateurs,
mais ils sont plus chaleureux. Je préférerais qu'ils se loguent individuellement sur Twitch, si ça les dérange pas. Mais ouais. Non, c'est les flux sur les téléphones. C'est oui, voilà, ils, sur les téléphones. Ils ont une pizza dans le respect des Esparia. Aujourd'hui, j'ai un cadeau somptueux pour les gens qui vont se b. Oui. C'est envoyé par Brajon, s'appelle Cthulhu Dark Art Tarot. Wow. C'est un tarot. Alors là, évidemment, il y a Evie la Witch qui est. Donc il y a des beaux artworks. J'ai envie de les subtiliser. Voilà, bah, je vais te les filmer. Mais voilà, il y a des. Si vous connaissez pas, c'est Abdul Al-Azred qui a écrit le Necronomicon, par exemple. Tiens, je l'ai filé un peu. Ça a l'air trop beau. Et ça, c'est juste des artworks. Il y a des pins aussi à gagner. Voilà. Wow. Et il y a également le véritable tarot. Voilà. Ah, ça, c'est stylé. Le vrai tarot. Attends, que je n'ai pas ouvert. Lydia, tu sais dire le tarot en plus, non? On dit des lames. Ouais, ah, j'essaie de la sortir. Alors, ouais. Tiens, tu vas même l'ouvrir. Oh, il a des. Ah, tu vois, il y a un côté en or qui s'appelle des lames, je crois, le tarot. Je te confie ça, Evie. Oh là là. Voilà. Non, alors, je vais lui confier ça. Je crois que oui. C'est pas une bonne idée. C'est à gagner. Non, mais l'ouvre pas. Et ce sera attiré parmi les gens qui se brouillent sur la chaîne ce soir. Le sac s'enfonce. Ouais. Le sac, c'est clair. Game of Roll, nous jouons au système Aria, qui est édité chez elder-craft.com. Si vous voulez nous rejoindre dans une aventure. Et je tenais aussi à vous annoncer d'ores et déjà, alors, on a parlé du jeu vidéo Aria. Vous avez vu passer des petites photos dans lesquelles notre équipe faisait des voix pour le jeu vidéo Aria, oui. Et ça a été trop le feu, vous êtes enflammés. Ça s'est bien passé, c'était cool, j'étais pas là. Super, c'était très trop bien. Ouais, oui. Ouais, c'était très bien. Et surtout, je... c'est vrai. Bon, j'annonce en world première que le 29 janvier, world dans 10 jours, nous serons ici chez Gozulting pour le lancement du jeu, peut-être du financement participatif ou du jeu, je ne sais pas. En tout cas, on parlera du jeu, il y aura le jeu, il y aura tout le monde, ce sera cool. Je ne sais pas encore les détails où et quand, mais ce sera super chouette. Donc soyez là si vous voulez voir ce qu'est ce jeu vidéo Aria. Ce sera le 29 janvier. Si vous voulez plus d'infos, c'est le compte Twitter @mondedaria avec un S à monde. Probablement sur cette chaîne, s'il faut que j'y réponde. Voilà, je n'osais pas dire parce que... Si, mais c'est cool. Je n'osais pas m'avancer. Profitez bien de cette émission, vous ne verrez pas forcément la suite tout de suite. C'est parti pour la grande aventure. Merci générique. Mick, Evie, Archibald et Mimolin, peut-être les quatre rois de la prophétie, ou peut-être des randoms qui vont mourir à cette séance, remontent le fleuve des eaux sans fin, au cœur de Chaos. Arrivés aux plantations de café du pharaon, ils dénoncent aux autorités Roxas, le grand-père d'Archibald, et l'envoient, lui et Piranha, son complice, dans une prison spéciale où leurs âmes seront sacrifiées. Une fois à la capitale, ils découvrent que Vernabul est ici et à la recherche de Mick, qui d'ailleurs est peut-être plus qu'un simple inventeur. À la grande bibliothèque, Kirin remarque que ses yeux sont d'une couleur à nulle autre pareille. Les aventures se succèdent entre sphinx, crocodiles géants et hommes-chats. Mais ils arriveront enfin au trône du palais du pharaon, où Mimolin cède son esprit à la toute-puissance du pharaon sanglant qui avait tout fait pour revenir et se venger. Le pharaon s'assied sur le trône et ordonne la mort de ses amis en leur laissant une minute d'avance pour s'enfuir. Vont-ils échapper aux gardes d'élite du pharaon sanglant? Vous le saurez dans cet épisode de Game of Thrones. Pas ça. Nous sommes, ça complote. Nous sommes dans le palais du pharaon noir, redevenu le palais du pharaon sanglant. Mimolin, le jeune orphelin, ses yeux sont devenus sombres. Il a été investi à nouveau d'un pouvoir du pharaon sanglant. Et lui-même, de ses propres mots, il a dit « Mais mon plan a super bien marché finalement. » Il monte sur le trône après avoir arraché le cœur de son frère. Et contemplant le sort de ses amis, il a dit cette phrase. Globalement, TLDR, j'ai envie de vous tuer. Pour vous remercier de m'avoir ramené à mon pouvoir, à mon trône, et m'avoir redonné pouvoir, ce qui était un peu mon plan, je vous donne une minute.
aussi pour mon amusement personnel, pour essayer de vous échapper. Voilà. Mais sachez que ça m'arrangerait que vous mouriez, puisque j'ai pas envie non plus d'avoir trop de traces de mes aventures. Et il le dit d'une voix terrifiante, apparaissent devant le pharaon quatre guerriers extrêmement puissants. Azurios, un homme scarabée immense. Modon, un homme crocodile gigantesque. Darty Sanchez, un homme chat vicieux. Et Lazvir, un homme simple. Ils ont tous des lances d'or et des armures d'or. Ils sont immenses et ils sont prêts à vous tuer. Ils vont vous donner quand même une petite minute. Et je vais laisser Alba vous raconter ce que sont ces terribles guerriers pour vous donner une petite idée d'avoir un petit plan à jouer. Un homme crocodile et un homme scarabée, homme de main servile, ce sont de grands guerriers. Un homme chat et un homme juste très fort, pour eux, la chasse à l'homme c'est un loisir et un sport. Égarés dans la vallée infernale, nos héros sont un peu mal. Au service du pharaon, ils veulent votre peau, c'est leur mission. Poursuivis par quatre guerriers, nos héros vont encore suer. Pour une fois que vous faites rien, courez plus vite, bande de crétins. Mais okay. Juste avant que vous agissiez, flashback, et nous revenons au café de Russe quand vous étiez encore amis, et vous êtes en train de trinquer, et vous dites, mais à l'amitié, tout va bien entre nous, quand nous passons de bons moments. Je suis heureux de passer ces moments avec vous, et j'espère évidemment qu'ils dureront toujours. Voilà. Oui. Et vous avez d'ailleurs Maître Likao, une serveuse qui vient et qui vous dit, allez, je vous offre une petite bière, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, profitez bien de ce moment. Vous n'avez jamais été aussi heureux. Et vous faites un petit point sur ce que vous pourriez faire si vous alliez à la recherche de ce pauvre Fredo qui a disparu. Ah oui. Si vous vous renseignez sur ce qu'est que Xanadu, si vous alliez dans la prison des âmes où se trouve ton grand-père, peut-être tu as envie de le sauver, ou Piranha, où tu as peut-être envie de le sauver. Non. Si vous alliez retrouver Vernabule qui est quelque part et qui recherche Mick pour une raison mystérieuse, si vous infiltriez dans ces ruines Nock qui ont certainement des choses de puissance et de pouvoir, ou si Archibald, tu allais faire le business avec le commerce de bière qui se trouve dans le quartier des pêcheurs, ou enfin, si vous vous rendiez finalement au palais du pharaon, et dans ce cas-là, on switcherait directement à la scène de poursuite. Je vous laisse me dire tout de suite, sans plus attendre, ce que vous voulez faire. Bon, je suis chaud pour aller vers le pharaon, non ? Oui, non, pas tout de suite, non. Mais okay. Et il y a le temple de la magie aussi, parce que moi j'ai un démon encore hein, quand même. Toi tu dois aller au palais de la séparation des âmes là. Qui est au temple de la magie du coup. Temple de la magie. Et puis il y a quand même un cas Vernabule, Mick, qui est un peu. Oui, qui me cherche, mais est-ce qu'on veut la confronter immédiatement ? Je suis pas sûr. Hein. Il y a un quartier Knigin très identifié dans D'accord. la ville, mm-hmm. avec des tours de métal et avec des petits échappements de vapeur. Donc c'est un endroit où il y aura Vernabule. Il y a également le temple de la magie, tu peux pas le louper, tout en haut d'une colline. Bah écoutez, moi, je veux bien aller là. Hein. Sauf erreur de ma part, tu es déjà allé, mais on peut y retourner. Ah bon ? Allons-y si tu veux. Bah, oui, mais je ne savais pas encore que c'était l'ancien temple de la dualité. D'accord. Était là. Okay. C'est vrai. Moi, je t'accompagne. Mais après, c'était sûr, hein, il est sur les ruines. Ah oui, il est sur les ruines. Enfin, les ruines, c'est le temple de la dualité. Ouais. Et en plus, la dernière fois, j'ai rencontré la femme chat là, qui nous a donné plein de conseils sur nous. Oui. Qui m'a dit d'y aller de sa part. Donc, Exact. Ah oui. Après, moi, je vous dis, si on retourne au temple du pharaon, je peux reprendre le trône d'une facilité grandement la tâche. Chaque chose en son temps, okay, à la situation des villes. J'essaie de jouer team play, bon, voilà. Alors, vous décidez d'aller au temple de la magie ? Oui, moi, je veux bien y passer rapidement. Oui. Vous remontez, vous quittez le café d'Horus, sans payer, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez ordinaire. Vous avez récupéré quelques lettres. Alors, juste quelque chose, Archibald. Oui. Les lettres de tes différents succès et un succès de tes entreprises, avec lesquelles on fait un petit check à la Guilde des Marchands, elles ont été brûlées. Pourquoi ? Parce qu'ils ils tuent les corbeaux et ils font un petit feu avec les lettres et ils mangent les corbeaux brûlés dessus. Je te laisse voir ce que tu peux faire de cette information, si tu as un plan. Je vois que tu es très soucieux, Archibald. On dirait qu'il voit l'avenir. En tout cas, vous quittez le café, le café d'Horus. Là, vous quittez également les petites rues du quartier des Moustaches. Vous revenez sur l'agora principale où se trouve une ambassade où vous avez visité, où il y avait également les marchands, la guilde des marchands. Vous remontez un escalier de petites marches en albâtre et tout en haut, dans un temple à ciel ouvert mais avec des colonnes, se trouve le temple de la déesse de la magie.
qui également est un, on va dire, un avatar de quelqu'un que vous connaissez, qui est Tamerlan, qui est le dieu de la magie et de la sagesse dans toutes les nations. Donc c'est une sorte de dieu mi-humain, mi-dragon. Grand dragon, en fait. Voilà, qui est tenu par une prêtresse qui s'appelle Seikame et qui dit « Bienvenue, est-ce que vous voulez faire une offrande à la déesse de la magie ?» Déesse de la magie de Chaos. Je suis sûr qu'Evie, avec ses 1000 possessions. Mais oui, mais j'ai très peu de pièces d'or, malheureusement. Ah, c'est forcément pièces d'or ou... Non, n'importe quel cadeau. Tu peux donner de l'eau d'une gourde magique, le fameux don infini, plaisir d'offrir, choix d'offrir. Quel gadget sera offert, quel porte-clés. Oui, oui, je veux bien donner une offrande, mais avant tout, je viens de la part de Valmy. Valmy, d'accord. Qui m'a dit de c'est venir bien. Ici. Et Valmy est une prêtresse, une magicienne versée dans les arts mystiques, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Elle m'a dit de venir de sa part, parce que vous pourriez peut-être m'aider. Il n'y a pas une sorte de safe word. Quel est votre problème ? Vous voulez acquérir de la magie ? Alors non. J'ai entendu dire qu'il y avait un temple ancien dans les ruines. Ce temple a été construit sur un ancien temple, non ? Non. Est-ce que vous auriez un objet, par exemple, ici, qui... Un objet qui ? Un objet que personne ne saurait décrire. Mais en plus, c'est terrible, la dernière fois, il a dit un objet que personne ne peut décrire, dont personne ne sait exactement à quoi il sert. Un objet que nul ne peut décrire, voilà, et personne ne sait à quoi il sert, c'est très sérieux. Cela dit, ça peut intéresser la déesse de la magie. Alors, si on ne sait pas quoi décrire, c'est une énigme ? Un objet que nul ne peut décrire et... D'accord. C'est un objet qui est censé... Et il pourrait vous aider ? Oui, il peut m'aider. Ouais. À faire quoi ? À séparer... Ah ! Vous avez deux âmes en vous ? Oui, c'est ça. Vous l'entendez parler ? Non. Vous êtes sûr d'être deux dans cette tête ? Ah oui. D'accord. Et par contre, si on a une autre personne qui a deux âmes en elle, on peut... et qui s'entend bien parler, par contre, on peut faire quelque chose ou pas ? Bien sûr, c'est le grand mal dont étaient atteints Einstein et Chaos milliers d'années. Oui, tout à fait, oui. Mais donc, ça du coup, bon, ça bah là, on est deux dans ce cas-là. Ouais, voilà, il y en a deux, là, ouais. Dans le... Vous êtes deux ? C'est vraiment... C'est quelque chose du coup, ils sont quatre. Pas arrivé depuis... c'est pas arrivé depuis des années et des années. Enfin, des années, même des centaines d'années, de ma connaissance. C'est pour ça, d'ailleurs, que le temple de la magie... Enfin, en tout cas, le culte du temple de la magie et des nouveaux dieux du pharaon noir a remplacé le temple du culte... le culte du temple de la dualité. Très bien. Il ne reste plus qu'un seul prêtre de la dualité. Okay. Mais il n'est pas ici. Ah, il est ici. Ah, bah c'est dommage, ça. Il s'appelle Enfis. Et je crois qu'il est dans le quartier des pêcheurs. Ok. Alors, comme le mal de deux personnes en une n'existe plus depuis des années et des années, eh bien, quand je dis des années et des années, même quand j'étais né et même mon grand-père n'a vu personne de ça, je crois qu'on n'a plus les rites pour... mais peut-être que le prêtre de la dualité le peut. Vous connaissez l'histoire ou pas ? Oui. Nous avons été maudits. Oui. Et nous avons pu créer une machine, effectivement, qui, par un rituel magique, nous permet de nous séparer. Oui. Ok. Bah, très bien. Donc, on va aller le voir au quartier des pêcheurs, du coup. Pas d'autres questions ? Attendez. Dans mes notes, il y avait un safe word chaos. C'était quoi, cette histoire de safe word chaos ? C'était pour te permettre de choisir si tu devais nous tuer ou pas. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est un mot de puissance qui te permet de tuer des gens. T'es utilisé contre avec la grosse bestiole. C'est vrai. Quelle est la prochaine étape ? Il y a aussi une grande bibliothèque dans le... Oui, allons voir Xanadu à la bibliothèque. C'est aussi le quartier des pêcheurs, du coup. Le quartier des pêcheurs, c'est de l'autre côté. La bibliothèque, c'est sur le versant nord de la colline du peuple. Pas loin, vous pouvez la voir. Et le quartier des pêcheurs, vous pouvez le voir aussi, un contrebas, des petites cahutes de bois qui s'avancent sur le fleuve avec des pontons. Et vous voyez plein aussi de pêcheurs dans des pirogues qui jettent des filets. Enfin, ils sont quand même à forte distance de l'île aux ruines qui se trouve au nord de la ville. Tu veux pas parler de ta magie au sud de la ville. Parle de verre ? De quoi, de quoi ? Bah, au temple de la magie. Bah, pourquoi faire ? Bah, peut-être qu'ils ont des perles à échanger, je sais pas. Quelle est votre prochaine étape ? Ah ouais, peut-être. Oui, mais en fait, on est en flashback. Et alors ? Bah, je peux pas... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, une pirogue ! Bah si, parce qu'on sait que ça nous pend au nez, quand même. Mais non, on sait pas. Bah... Non. Ah non. Bah non, ah non, on sait pas. Ah non. Bah non, on sait pas. Sauf si t'as le don de préscience. Non, c'est encore un truc que t'aurais en plus. Non, tout ce que je pense, c'est que... Si, on sait quand même qu'il y a une lutte entre le pharaon sanglant et Mimolin en ce moment.
Mais Mimolin est plutôt confiant pour. En fait, on commence à s'en douter quand il arrache le cœur de son frère. Là, on se dit ah. Okay. Saïkame dit ouais. Excusez-moi, je croyais que vous alliez me dire, vous allez me donner quelque chose parce que vous avez dit je vais vous donner quelque chose, mais auparavant vrai, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, qu'est-ce que tu vas qui donner? Qui sait si vous êtes généreuse, je pourrais être généreuse aussi. Ah, est-ce que vous aimez l'eau? Est-ce que vous aimez l'eau magique? Non. De l'eau magique, il y a quelle propriété? C'est une eau. C'est une eau qui vient infinie. C'est-à-dire que l'eau coule sans cesse? Oui. Oui. Bah ça peut avoir, ça je garde. Mais non, pardon, mais qu'est-ce qui c'est mes possessions là. Oh là, t'es mal à la taille de l'aventurière. Tu sais, Evie, tout objet dans ton inventaire est un bien qui te retient. Bien sûr. On pas alors, pas de cadeau. Si, j'ai un masque noir. Quel rat! T'as pas été Non, j'ai donné toutes mes pierres! J'ai plus de pierres, forcément! Est-ce qu'on peut faire un don? Un don de soi? En pièces d'or. Mais bien sûr! Est-ce que vous faites des tickets de caisse? Vous voulez que je vous fasse un reçu? Oui. D'accord, mais il sera écrit en kéote. Est-ce que vous pouvez écrire en paquet hot? Ah non, je peux pas. Par contre, je peux signer et vous écrivez dans votre langue, si vous voulez. Oui, voilà. Ah que tu modifies. Alors, pour 4 repas en détail, s'il vous plaît. Vous voulez faire quoi? À la double compta. Je vous donne 2 pièces d'or. 10 pièces d'or. Merci pour ces 10 pièces d'or. C'est beau. Merci pour le masque. Et je vous remercie. C'est un masque Nock. Merci beaucoup. Mais alors, il sert à quoi? J'ai jamais su. Elle fait une passe magique et elle dit « C'est un masque extrêmement précieux qui permet de voir dans le passé quand on le porte. C'est extraordinaire. » Putain. Je vous remercie énormément de ce don. Les masques Nox sont une ressource extrêmement précieuse. Parce que t'as jamais essayé de le porter jusqu'au bout? Non, parce qu'on sait jamais. Je suis déjà multimaudite. Pourquoi est-ce que je vais me rajouter encore une malédiction? Vous savez, c'est un cadeau qui est tellement précieux. Vos pièces d'or, que je vais me permettre de dire quelque chose que je ne vous aurais pas dit si vous n'avez pas fait un cadeau qui était vraiment. J'en ai aussi de masques noirs. Au-delà de nos rêves. T'as un autre masque d'or? Ouais, j'ai un masque d'or dans mon inventaire. D'accord. C'est-à-dire que pour les 10 pièces d'or, par contre, il n'y a pas un truc en plus. Mais ce sera un cadeau groupé, vous allez être content de ce que je vais vous dire. Très bien. Je sais que vous êtes Evie. Ah. Parce que des gens habitaient ici, alors notamment, je n'ai plus son nom, mais le garde qui était sur l'île du paradis, qui t'avait dit qu'il y avait des gens qui voulaient te tuer, en fait, il travaillait ici. Et il disait oui, effectivement, une association très obscure, cabalistique, qui s'appelle le Masdar, nous avait donné des ordres pour tuer une personne qui correspondait tout à fait à votre... Et déjà, j'ai décidé de ne pas vous tuer, parce que vous avez fait un beau cadeau. Et puis, le Masdar, je n'entends plus parler. Mais par contre, je sais quelque chose sur vous. En vous, je sais l'autre personne qui est en vous. Mm-hmm. C'est Ahriman, le roi des démons. Oui. Le dieu du mensonge cosmique. Je sais déjà. Vous savez que... Le dieu du mensonge cosmique. Tout à fait. Mm. Si vous vous séparez d'Ahriman, ayant vécu avec lui, vous pouvez vous unir à lui et devenir la reine du mensonge cosmique. Attends, mais c'est déjà la reine de la nuit cosmique qui détruit des cosmos, là. C'est toujours la reine du mensonge cosmique. Oui. Ça fait de vous, théoriquement, la femme d'un dieu du mal, mais c'est une destinée extraordinaire pour les Patsanamagis. Le côté cosmique du mensonge, ça se traduit comment? Ça veut dire que ce n'est pas simplement je vous mens pour gagner 10 pièces d'or. Oui, respectez quand même. Je mets en place des processus pour que la société se détruise entièrement grâce à mon mensonge. Par exemple, Ahriman s'emploie à incendier des bibliothèques ou à écrire des livres avec des mensonges. C'était lui. Voilà. Okay. Okay. Et du coup, première dame du mal. Mais en se séparant quand même de lui. Non, il vous fera certainement cette proposition. Réfléchissez-y, ça peut toujours être intéressant. Oui, enfin bon. Un de plus, un de moins. C'est quand même pas non plus. Mais si, c'est stylé. Mais t'aurais pu la menace de mourir. J'ai déjà tué des milliards de gens. Et si vous avez d'autres questions, je peux répondre encore à une question dans la mesure de mon savoir. Bon. Bah, concernant notre ami... Imaginez qu'elle a connaissance des secrets à 100%. Concernant notre ami, Oui, j'ai un Mimol 2 en moi. Le prêtre de la dualité pourra vous séparer. Moi, je connais cette information sur Rayman grâce au Masdar. Après, est-ce qu'il est possible qu'avec tout mon cœur et la pureté de mon cœur, j'arrive à maîtriser cette autre âme qui essaie parfois de prendre le contrôle de moi? Je pense que je peux y arriver, franchement. Ça décerne quand même. C'est combien ton intelligence? Alors, mon intelligence, elle est de 40. Elle fait une passe magique et elle dit « Je trouve que votre volonté est plutôt faible si toutefois vous avez une créature puissante en vous. » D'accord. De toute façon, ça s'est déjà passé dans le futur, malheureusement, et c'est inaltérable. C'est-à-dire que
En tout cas, tu vas ordonner la mort de tes amis à un moment. Par contre, est-ce que tu vas pouvoir reprendre contrôle par la suite ? Elle dit, je ne saurais pas trop, je ne saurais pas... En l'état, votre volonté est trop faible. Je ne suis pas quelqu'un qui peut vous entraîner à ça. D'accord. Et il y a un prêtre qui opère la séparation des âmes, etc. Peu importe la force ou le charisme d'une des âmes, le processus peut se passer de manière fluide. Alors, je ne l'ai jamais vu agir, mais les grandes fresques et les écrits anciens racontent que quand il y a deux âmes dans une seule et que le processus se termine, on a les deux individus qui sont de chair et de sang devant nous, séparés. Oui. Ah oui, ok. Donc ça ne changera pas notre mais c'est coup, le cas aussi pour Ahriman. Le roi des dieux va apparaître devant vous. Ah. Enfin, le roi des dieux maléfique. Sinon, tu fusionnes avec et tu deviens. et alors, une dernière chose. Elle vira. Nous cherchons des informations sur Xanadu. Xanadu ? J'ai entendu parler de ce nom et je crois qu'il est lié à Luminis. Peut-être vous en sauriez plus sur. Mais elle va détruire la grande bibliothèque de Chaos. Oh là là, et franchement, vous avez peur de moi parce que j'ai un souverain un peu brutal au réveil, voilà. Vous êtes quand même une destroyeuse de galaxies et de mondes dans le groupe, voilà. Quand on détruit une galaxie dans laquelle on se trouve pas finalement, est-ce qu'un arbre qui tombe si on n'est pas là pour l'écouter, fait-il du bruit ? Donc vous êtes au sommet de la colline du peuple, en face de vous se trouve le palais du pharaon noir qui fait très envie à Mimolin et qui entend des voix lui suggérer d'aller là-bas. Autour de vous, quelques acres de verdure, le désert ensuite mystérieux et mystique. Au sud, cette grande île au milieu du fleuve, du Amandaou, les eaux sans fin. Et au nord, enfin en bas, votre vaisseau avec vos enfants. Voilà. Je suis quand même persuadé que je vais arriver à le maîtriser, le Mimol 2. Ah ouais, parce que franchement. Tu as entendu ce qu'elle t'a dit quand même. Ouais, mais moi je suis jeune et franchement on n'a pas de limite quand on est jeune. Donc j'y crois très fort. Je pense que si je me concentre vraiment et je serre les dents et je crie, je pense que Crier en serrant les dents, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Ouais, c'est impressionnant. Il suffit d'être un super saiyan. Ils font ça tout le temps. Quelle est la prochaine étape ? On passe à la bibliothèque ? Bah ouais, du coup. Vous descendez. Histoire de l'île au milieu, il n'y avait pas le bail avec la tombe de. Si, il faut qu'on cherche la tombe. Ouais. Lumière, tout ça. Non, moi je ne suis pas au bon endroit là. Mais ça, c'est censé être un peu important. Vous redescendez les escaliers aux marches d'Albâtre et vous arrivez devant la grande bibliothèque que vous avez déjà visitée, qui est un grand bâtiment carré, sans fenêtres, mais qui a un plafond percé de grands carrés, à des puits de lumière qui tombent des tables où des gens travaillent et lisent des livres. Les livres sont cachés sous terre dans des petites trappes qui sont accessibles uniquement par des babouins intelligents. Ah oui. Je rappelle que la grande bibliothèque est à côté de l'immense quartier knigien qui est entouré d'un haut mur de métal. Donc, un nouveau babouin du nom de Mycroft, un babouin avec une paire de lunettes, qui vient vous voir et dit « Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que vous voulez consulter un rouleau, un ouvrage ?» Oui, est-ce que vous auriez un livre sur Xanadu ? Un livre sur Xanadu. Alors, par la grâce du pharaon noir, puisse-t-il nous protéger tous pour l'éternité, vous avez le droit en tant qu'étrangère de consulter. Est-ce que vous comprenez la chance que vous avez ? Réponds oui, là. Oui. Très bien. Il va chercher un livre et il dit. Alors, il prend un petit peu de temps. Il y a Kérine qui est à nouveau avec. Oui. Qui vous a retrouvé. Oh, voilà, ça se passe bien. Kérine qui a accroché tout. Ah oui, c'est vrai. Non mais voilà, et puis qui trouve ses beaux yeux des couleurs incroyables. Oui, les yeux, c'est vrai que quand on les regarde, c'est quelque chose. Les yeux d'une couleur à incolore. Donc, ça m'intrigue. Et sont les petits Mouetto, les Mouetto le capybara, ils sont avec nous là ou pas ? Ils sont toujours dans ta poche, c'est le jour où tu seras pharaon, il sera à côté de ton trône. Et finalement... Je montrerai les nouveaux chats, quelle image, ce sont des divinités. Mycroft revient avec un vieux livre et il te le confie. Ah. Prenez-en soin. Bien sûr. C'est normalement qu'un seul exemplaire. Okay. Ce livre s'appelle « Voyage d'un explorateur altabianquin en Chaos ou le mystère de Xanadu » signé Carl Uluberlu. Intéressant. Ah, donc, il va te falloir un jour entier pour le lire. Est-ce que vous voulez vous mettre là, à le lire, à manger tranquillement ? Oui. Oui, bah, on ne peut pas l'emprunter. Hein. De toute façon, il n'y a pas de carte de bibliothèque, j'imagine, pour ces bouquins-là. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser une pièce d'or pour qu'on vienne vous apporter à manger pendant ce jour et cette nuit et que vous puissiez dormir dans un coin ? Ça coûte une fortune. Alors, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de rester à son chevet pendant qu'elle lit le bouquin, non ? Oui. Non on peut, franchement, on,
Mais allons vite fait au palais. Non, mais le palais, on ira tous ensemble, ça va être une fête. La vie est une fête. La France, en fait. La vie, en fait. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant qu'elle va lire pendant un jour En gros, quartier des moustaches, on a Fredo qui a disparu. Sinon, il y a Vernabule, le quartier. On est juste à côté du quartier. Je veux pas qu'on règle Vernabule parce que, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que Vernabule, en n'essayant pas de la trouver, c'est elle qui va nous trouver. La meilleure attaque, c'est la défense. Elle est peut-être occupée en attaque. Mais dans l'histoire, il faudrait peut-être que nous, on agisse par rapport à Vernabule. On pourrait aller dans le quartier de Nigat et essayer de s'introduire chez elle, mais ça doit être truffé de pièges. Enfin, c'est quand même une inventrice de génie, quoi. Donc toi, en fait, t'es le gars qui voit quelqu'un qui le suit et qui s'arrête en lui demandant pourquoi vous me suivez, c'est ça le principe. Bah, même maintenant, je pense que je me retourne et je le gifle et après on parle. Il a changé, lui. Hein. Il y a Fredo les bonnes affaires aussi, il y a ton commerce de bière. Mais oui, moi, le commerce de bière, excusez-moi, mais je n'en ai aucune trace dans mes notes qui sont pourtant... Fredo les bonnes affaires, est-ce que vous aviez un indice? L'indice, c'est qu'il a été perdu au quartier des Moustaches. On est tombé sur son sbire, bah, justement, qui nous disait qu'il voulait se taper des deux petites chattes. C'est tout? Vous n'avez rien d'autre? Aucun autre indice? Non, attends, pour l'interrogation, vous demande le maître de jeu? Ah, alors attends, est-ce mais que si, j'ai noté? Bien sûr que si. Vous l'avez noté, j'en suis sûr. Non. Perdu dans le quartier des si. Vous voulez faire un petit jet d'intelligence pour se souvenir? Franchement, oui. Je peux mettre un masque noir si, et voir mon passé. Quelqu'un était passé à côté de deux chats qui avaient dit un truc, justement. Attends, jet d'intelligence. Jet oui, complètement. Archibald? Il parlait de... Ah. Si, sacrifice. Ils vont le sacrifier. À qui? Ah oui. Hein? À qui? Ils vont sacrifier Fredo les bonnes affaires. Ah, c'est pas une idée espoireuse, on a dû faire. Est-ce que c'est pas plus mal? À sacrifier Bast aux Russes. Bast? C'est pas ça? J'ai noté Bast, sacrifié Bast et Horus. À côté. Oui, voilà, mais Bast et Horus, ça doit être les deux chats en question qui en parlaient. Mister Kiss qui cherche Fredo. Ou Horus qui a fait d'Horus. Si, ils vont le sacrifier à la pyramide des âmes, non? C'est pas ça? C'est Vernabule qui va le sacrifier. Ah, il y a peut-être ça, ouais. Alors. Écoutez, moi, je ne l'ai même pas noté tellement on s'en bat les couilles. Est-ce que quelqu'un veut faire un jet d'intelligence pour chercher et retrouver le Ça va vous prendre la journée. J'ai 80, mais. Ah non, attends, ça me prend la journée. Oui, ça vous prend. Si j'ai le masque noir, j'ai un flashback. On verra. C'est 36, c'est bon. J'aimerais le numéro de série. Est-ce que tu payes une pièce d'or pour la nourriture de la journée? Oui. 68. Bien sûr. Voici une journée tout à fait intéressante dans laquelle Archibald dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? On était là, on est revenu là, il s'est passé ça. On le sacrifie à qui? Je m'en souviens presque, j'ai presque non. Et pendant ce temps, Evie était sur son ouvrage, elle lisait, prenait des notes, mais c'est extraordinaire, voilà, etc. Vous avez déjeuné d'un poulet rôti ensemble, je vous laisse le couper en quatre, quel morceau vous préférez, et d'un peu de lait de chèvre, et vous avez également dormi non loin de, à la Belle Étoile, dans la bibliothèque, c'était très agréable, vous aviez l'habitude de ça. Non, vous avez dormi sur le bateau peut-être. Voilà. Dites-moi, vous préférez dormir où? À la Belle Étoile, c'est bien. À la Belle Étoile, dans la bibliothèque, dans un lieu oui, tout voilà. À fait... Sur le bateau, moi, je suis à la bibliothèque, un coussin, c'est très bien. Voilà, ouais. Kaelis te dit, Mimolin, tu es tellement gentil. Et vous vous retrouvez le lendemain, Evie a terminé en disant, je suis prêt à vous faire un rapport, et Archibald dit, je me souviens de tout. On commence une pièce par quoi d'or, une pièce d'or, on se souvient de tout. On commence par les souvenirs, comme ça, ça sera... Ouais, voilà. Et bien, Archibald se dit, mais... Il voulait sacrifier à la déesse Bast, bien sûr. Voilà, Bast. Mais c'était une déesse, j'aurais dû. Bien sûr. Et Horus, c'était le café Horus. C'est le café Horus. C'était le café Horus. Alors. Ok. Et on y était. Quel dommage. Oui, Bast, c'est les chats, c'est la déesse des chats. Bastet. C'est vrai. Et donc, toi, tu veux dire un petit peu? De quoi? Ce qui s'est passé? Ah bah, ouais. Oui. Tu veux ah la raconter ou tu veux un savoir que tu veux garder pour toi? Ah Non, je vais la garder. Donc, le livre, Evie commence à vous raconter ce qu'il y a dans le livre, tandis que le babouin le reprend. Non, tu vas garder le livre parce qu'il y a une démonstration à la fin. Okay. Donc, Carlo Luberlu parle une rétrospective de son voyage. Alta Bianca, il est parti. Ensuite, il est allé au Barat, vous le savez. Okay. Parce que, et ensuite, Chaos. Il pense que la toute-puissance des Nok se trouve dans un lieu qui s'appelle Tigaline. Est-ce que c'est... Oui, on va en parler, ouais. Ouais. Ses recherches ici ont payé, parce qu'il a fait des recherches ici. Et il a découvert que Tigaline n'est pas une île. Oh. Ce n'est pas... Parce que la traduction... historique n'est pas est fausse parce que la traduction disait que c'était une terre dans l'eau, mais en fait c'est la lumière dans l'obscurité. Ah. Il a trouvé dans les ruines Nok de Einsheim un lieu très beau qu'il a appelé le puits de lumière. Ah, voilà. Ce n'est pas un Tigaline, mais c'est un lieu très beau et très puissant. Et il est où? Il se trouve dans un endroit que seul le Neustan peut dire. Ah. Voilà. Et alors, qu'est-ce que le Neustan? Je ne sais pas. C'est quoi dire Neustan? C'est le bâton qui fait les prophéties. Là. Mais oui! Il a remonté le fleuve des eaux sans fin, donc il est allé plein sud, là où vous n'êtes jamais allé. Et il a trouvé quelque chose de si beau et de si bouleversant et de si incroyable qu'il ne peut pas l'écrire dans ce livre.
mais aussi il a trouvé un poème éloquent, un poème très intéressant sur les dragons à Xanadu. Enfin, qui lit les dragons à Xanadu, un endroit mythique au bout du fleuve. Ce poème serait apparu durant le rêve du premier roi Nok en voyage dans l'oasis d'Ain Shine, mais la page du poème est absente, elle a été déchirée. Et d'ailleurs, tu es d'autant plus désolé que la personne qui l'a déchirée a signé son forfait, c'est Piranha. Oh là là, il faut chercher. Aïe, aïe, aïe. Comme par hasard. C'est un poème, voilà. Et c'est tout. Est-ce que, moi je m'adresse au babouin savant là. Oui. Je dis, monsieur babouin, est-ce que... Mycroft, voyez... s'il vous plaît. Mycroft, pardon. Mm-hmm. Très élégant. Monsieur humain. Non, c'est très élégant, très élégant. Est-ce que, par hasard, vous n'auriez pas des copies des livres que vous avez dans cette bibliothèque ? J'ai précisément dit, au moment où je lui ai donné ce livre, il n'existe qu'une seule copie de ce livre, prenez-en soin. Mais pourquoi ? Oui, non, mais alors, regardez. Mais vous êtes au courant qu'il y a une, voilà, page, qui est page qui est déchirée dans votre livre. Alors, il est surpris, il dit, vous avez déchiré ce livre inestimable. Non, regardez, ça a été signé par quelqu'un. Fais un jet de mentir convaincre. Ah bah... Ah, il va penser que c'est moi ? Bah, peut-être. Bah, elle s'appelle pas Piranha. Je vais vous t'avertir que vous allez t'avoir c'est que de combien ? C'est réussi. Hein. 12 ? 35. 35. Vous m'avez l'air d'être une érudite respectueuse des livres, donc je pense qu'effectivement, c'est ce Piranha, quel qu'il soit. Et Kirin dit, mais bien sûr, Piranha, il était là il y a 15 jours. Eh oui ! Il était ici, on a parlé ensemble, voilà. Parce qu'on s'était fait virer par Exicotum. Et vous l'avez pas vu déchirer la page du livre ? C'est dommage. Bah, je l'ai vu travailler sur des livres, moi je le respectais. Nous, en fait, lui et moi, on s'est mis ici pour rentrer dans les bonnes grâces d'Oxycotton qui est dans les ruines des ruines Nok là, parce qu'il nous a viré parce que nous disons on est des gros boulets. Ah, ils y sont là en ce moment. Oxycotton, vous voyez, regardez, alors il te montre l'île au loin et tu vois des miradors, tu vois aussi des grandes tentes et des gens qui sont en train de piocher dans les endroits. Aïe aïe aïe. Ils cherchent l'endroit où creuser pour trouver le puits de lumière, mais je pense que dans ces livres quelque part il y a l'endroit du puits de lumière. Comment l'atteindre ? Mais je le trouverai. Bah sûrement la page qu'il a arrachée. Mais non, ouais, bah, donc s'il a arraché la page, c'est qu'il est au bon endroit. S'il a arraché la page et qu'il est censé avoir les indications. Mais non, il est en prison, surtout. Il est en prison, je confonds, Donc allons chercher. C'est un poème, voilà. Et sinon, je dois vous dire autre chose. Pas la prison dans les. Piranha est en taule. Bon, c'est bon. À vous de me dire ce que vous voulez faire. Il est 10h du matin. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur diverses choses, la bibliothèque peut vous y répondre. Mais alors, que faites-vous ? On continue la quête de Piranha ou... Bah ouais. Non, parce que sinon, on pourrait peut-être faire le jeu de piste de remonter à d'autres bouquins. Mais oui, pourquoi on fait pas d'autres ? Mais si ça prend un jour par bouquin... Sinon, on peut faire un jeu de piste qui remonte jusqu'à la salle du trône. Je vous rappelle. Non. Mais si on arrive, en fait, si on arrive à la salle du trône... C'est le bouquet final, faut pas... Si on arrive à la salle du trône, les gens auront peur de moi. Vous avez vu le respect que les gens ont pour moi depuis que je suis arrivé dans la ville. Et on reprend le pouvoir. Alors là, non. En fait, je peux envoyer des gens, peut-être dans tout le royaume, pour faire les recherches à notre place. Franchement, je comprends pas à quel point vous refusez un truc qui me paraît aussi évident, avec un gain de temps, et on pourra rester tranquillement, et on pourra jouer avec les mouettos. Faut terminer par le dessert, on peut pas mettre le dessert en plein milieu. Ouais. Fredo Bast, Xanadu, on a des petites choses, mais il y a un poème, il y a la prison, il y a Vernabule, le quartier qui vient. Fredo, les bonnes affaires. Quel est l'intérêt pour nous de secourir Fredo, les bonnes affaires ? J'ai quand même l'impression que c'était un personnage. Oui, c'est vrai que j'ai du mal aussi bonnes affaires, à saisir l'intérêt de ça. Une ordure. C'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, mais qui sait ? Peut-être derrière une bonne action... Peut-être pourrait-il devenir gentil. Mais non, je connais bien ça. Mec, il est calqué sur son modèle réel. Hein, pas que Noadou, elle est avec nous maintenant, c'est ça ? Oui, Noadou, sur le bateau. Ouais, donc bon. Aucun intérêt, ouais, non. Ouais. Et on a Lilou aussi, hein. On a récupéré Lilou. Oui. Alors. Je propose qu'on retrouve Fredo et bonnes affaires, juste pour dire. Chais. Et mais il est à la prison aussi, du coup, non ? Non, il va être sacrifié, il a été kidnappé. Il va être sacrifié à Bast, whatever that means. Voilà. Après, peut-être que ça va créer une monstrueuse divinité. Bast Rimson, certainement. En fait, il est richissime, hein, vous qui êtes un peu du type. Oui, mais l'argent, tu sais, non, ça vient. Moi, l'argent, ça va. Allez, il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'aimerais qu'on continue autour de Piranha. De Piranha, là, non ? On va en prison. On va à la prison. Hein. Mais si, en attendant, Fredo, là, il se fait sacrifier. Tout à fait. Moi, j'aime bien les chats. Bientôt. Bientôt. Bon, un jour passé. On peut passer vite fait à son sacrifice. Mais où allez-vous exactement ? Mais on le déteste, Fredo. Ouais. C'est vrai que... C'est vrai, mais de toute façon, j'ai une suggestion à vous faire. Quand bien même vous voudriez le sauver, que faire ? C'est quoi le plan ? Bah, on va dans le quartier des... Moustaches. Café d'Horus et essayer d'avoir... On va s'embrouiller avec tous les chats de la ville. Les enfants. Qui sont plutôt des gens respectés, des créatures respectées à Chaos.
Tout ça pour le pire des chats, quoi. Non, mais faut aller au café de russe et ouais, repérer les chats roublards, mais les interroger. Les entrechats. Est-ce, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ? Alors, non. Café de russe ou est-ce que vous voulez faire une autre quête ? Moi, je dirais Vernabule ou Piranha. Allez. Moi, je dirais Vernabule ou Piranha, ouais. Vernabule ou Piranha ? Alors, Vernabule, non, parce qu'elle cherche. Bah non, parce que c'est... Non, Vernabule, oui, mais si elle est occupée aux ruines, on peut essayer voilà. De... Il faut qu'on soit proactif avec Vernabule, il faut qu'on soit proactif, parce qu'elle est très puissante. La devancer. C'est un danger. Mais elle cherche Mick, hein, et il ne faut pas qu'elle tombe sur mais en fait, comment tu veux la devancer, puisqu'elle te cherche ? C'est-à-dire qu'en fait... Non, mais si on s'introduit chez elle, peut-être qu'on aura plus d'infos. Le quartier avec Nick est à deux pas. Mais ouais ! Si vous voulez. Plus d'infos sur ses plans, sur ses dessins, peut-être peur, des infos même pour nous, pour les ruines, pour le puits de lumière. Je crois qu'elle laisserait ses infos comme ça. Écoute, hey, on peut. Mais je peux essayer de s'introduire chez elle. J'ai bossé avec elle, je peux peut-être comprendre un petit peu ce qu'elle cache chez elle. On s'introduit chez elle et on pose la petite figurine caméra de vidéo. Ah, ah oui, c'est une bonne idée ça. Oui, mais est-ce que. Attends, on a son et image avec ça ou pas ? Ah, pas, tout, ouais, je crois pas, hein, si. Il faut bien la placer. En fait, elle ne fait pas une sextape. Elle nous fait un rapport. Elle voit, elle écoute. Vas-y, on fait ça, très bien. Elle voit longtemps et elle parle avec mais alors toi, tu rentres pas. La régie, il y a un petit sondage concernant Vernabule, n'hésitez pas à le lancer. Et voilà. Vous sortez de la bibliothèque et non loin, vous voilà, passez quelques maisons et vous arrivez devant le quartier Kikien. Donc imaginez tout un pan du quartier avec un gros mur de 2,50 m, 3 m en métal, avec une seule entrée. Et cette entrée, en plus, elle est gardée par une statue de métal, un golem vivant, tête de chien, qui a une grosse lance. Et il y a des gens qui peuvent rentrer et d'autres pas. Et au moment où vous voulez rentrer... Même à l'étranger, ils sont racistes. C'est incroyable. Exactement. Au moment où vous voulez rentrer, ça, des quartiers expats. Il y a un type qui est un petit peu bossu, qui a des cheveux tirés en arrière blanc, qui a un regard un peu flou, qui s'appelle Lombax. Et il dit, oulala, vous voulez rentrer, vous n'avez pas de médaillon, vous n'êtes pas Knigien, vous ne pouvez pas rentrer, vous allez vous faire tuer par la grosse statue, là. Que les Knigiens peuvent rentrer à Kniga. Et les notables de la ville, peut-être. Et les notables de la ville, mais peut-être... ou les gens qui rendent service à Lombax, on va dire expérimentateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais voilà, j'ai besoin d'un petit service, là. Voyez votre petit guide scarabée, il vous sert à rien. Voilà. Vous avez un petit enfant scarabée. Oui, petit enfant scarabée qui s'appelle... Il s'appelle Nico Quest. Alors, il dit oui, moi. Il dit, bah, je vous le rachète. J'ai besoin du menu fretin. Je vous le rachète ou alors... Comment vous... ça, du menu fretin ? Je fais des expériences. Je fais avancer la science. Ah, oh, non, c'est horrible. Là. Attendez, mais... c'est immonde. C'est un clignien, t'as bossé avec lui. Qu'est-ce qui nous prouve que vous avez quelconque autorité pour nous faire rentrer ? Vous n'avez pas besoin d'autre chose sinon que d'un enfant ? Vous n'avez pas un autre service à nous demander ? En fait, j'ai besoin d'un homme scarabée. C'est tout ? Ça peut être cet enfant ou ça peut être un autre homme scarabée. Vous m'en apportez un et... Sacrifier... On peut pas donner un enfant scarabée. Est-ce que cet enfant scarabée, cet homme scarabée sera traité avec... non, c'est un clignien. Mais il va se faire disséquer. Ouais, c'est un clignien, c'est un clignien. Alors déjà, si, tu vous vois, s'il te plaît. OK, parce que quand on a 11 ans, on vous voit les grands. OK, c'est comme ça qu'on fait chez Kniga. Kniga, le seul lieu, c'est le de la Terre. Calmez-vous, de grâce. Non, mais Mimola, ne t'inquiète pas. Tu vas être excusé tout de suite, Lombax. Ce sont des mœurs d'un autre temps. Alors déjà, tu me revois, petit, sinon, et tu fais une petite gifle. Je l'étrangle. Non. Je lui brise le cou immédiatement. Je lui brise le cou. J'essaie d'intervenir, une clé de bras, quelque chose. Attends, il n'y a pas de problème. Tu lui brises le cou. Je lui brise le cou. Alors, snap, comme un petit bruit d'os de poulet. T'as pas une compétence. Oui, j'ai une compétence pour combien tuer. Quoi qu'il y avait un truc qui réussissait automatiquement, je sais pas si c'est j'ai ça. J'ai une compétence où je peux tuer d'un coup. Et elle est à combien ? Briser le cou à 60%. Donc, petit Mimola étend ses bras pour te briser le cou. Hein. Déjà, j'ai pas 11 ans, j'en ai 16. En un coup, à Lombax. Devant le golem, en plus. Hein. Je m'en fous, je lui briserai le cou. Devant d'autres personnes qui vont et viennent. Oh là là, non, mais faut pas qu'il réussisse. Zéro et... C'était 0 combien ? 0,9. 0,9. Est-ce que tu peux relancer ce dé qui n'est pas un dé 10 ? Ah merde ! Et une chance sur 10 de faire un 100, c'est bon ! Ah, attends, là, c'est pas un dé de 100, ça ? Non, mais il faut qu'il y ait des dizaines. Enfin, qu'il n'y ait pas les dizaines. Oh non. Attention, tu vas te snapper ton cou à toi. C'est combien ? 10. C'est 10. C'est encore des dizaines. C'est quoi ? Je snap mon cou. Ah non, mais tu peux pas lancer ça. Bon, ça revient quand même. C'est une unité. Bon, il fait que je lance quoi ? C'est un 0-1, c'est pas grave. Enfin, je vois pas. T'as fait un 0-1. Ah, j'ai fait un 0-1, bah attends. C'est quoi, quoi qu'il arrive, voilà. Je snap de coup et il fait 3 tours sur les murs. Et là, c'est le 100. Non, c'est 0-5. Tu viens sur lui, tu étends tes bras, effectivement, tu le snaps le coup et il tombe par terre. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement satisfaisant. Attends, en fait, là, on le rattrape. J'ai l'impression qu'une partie de ma vie. Toute ma vie, j'aurais dû faire ça parce qu'en fait. Acting. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Fais-moi un jet de force. Un jet de force, merde, le petit déstabilisateur. Ok, 40.
48. 48. Ah. Alors, tu le récupères et tu, il est étonnamment lourd. Et tu le fais tomber à terre. Non, non, mais moi je l'aide. Mais là, on est tous paniqués. On dit, mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui c'est vous arrive? C'est horrible, mais monsieur. Non, non, mais et on dit à l'aide. C'est le ramener au quartier. Alors, tu dis à l'aide. Et là, là pour passer le truc, Elisa, on l'a dans les une garde Kniggen en uniforme d'or et or, et dit à l'aide, qu'est-ce que vous dites, étrangère? C'est quoi votre problème? Alors, ce monsieur a fait un malaise devant nous. Le professeur Lombax. Regardez, il est tombé raide mort devant nous. J'ai de mentir convaincre. Oh merde. Non, t'as un bonus de 20% étant donné la situation. T'as combien? J'ai 40. Allez, moins de 60. Moins de 60. C'est inratable. Bah, inratable. 0,06. Et dites, donc, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On fait des bruits ce soir. On était en train de lui parler et on lui a demandé quoi? On lui a demandé. À un moment, il a tourné la tête pour aller voir la direction. Il a fait un malaise en tournant la tête. Et puis, il est tombé comme ça. Il a parlé de sacrifice d'enfant et tout d'un coup, il est devenu fou. Il a eu des spasmes. Sacrifice d'enfant? Non, il nous a demandé si on vendait notre petit enfant scarabée. Mais surtout, il faut qu'on l'emmène directement à l'infirmerie, là, dans le classique. Ah oui, écoutez, tout de suite l'emmener, là. Alors, elle fait une passe magique devant la statue de métal. Elle dit, bon, vous pouvez rentrer, aller voir les autorités. Il n'y a aucun problème. Je gère ça. D'accord. Tu voulais ou pas rentrer? Allons-y. Vous me laissez agir, on gagne du temps. On va voir les autorités pour éventuellement. Elle se penche sur le corps, ouais. Vous avancez. Ouais, mais alors le problème, c'est qu'elle va voir qu'il a été. Jackass 2. Et là, il se passe quelque chose de terrifiant. C'est qu'il se relève. Quoi? Il se relève et c'est Poussette. Oh merde, c'est un robot. Et il commence à parler, il est loin. Il commence à parler avec la Elisa. Voilà. Quoi? Mais. Comme t'as un 06, Elisa, en fait, elle est persuadée que vous êtes totalement innocent. Parce qu'il a fait un malaise. On a dit qu'il a fait un malaise. Mais elle dit, mais non, vous avez fait un malaise, monsieur, vous êtes en délusionnage total. On y va. Allez, mais c'est quoi, c'est un robot? C'est quoi ce truc? Vous rentrez. Il a craqué comme un humain. Tout ce que je peux vous dire. C'était biologique en tout cas. Ouais, parce que c'est un androïde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était satisfaisant comme un vrai humain, je peux vous dire. C'est un bishop, voilà. Bon. Vous avancez dans les. Alors, immense. Ça n'a pas tué des gens comme ça, ce n'était pas des villas de métal, c'est des très belles villas de murs blancs, qu'on a un peu comme celle de Vernabule au Barat, recouvertes de lierre avec des colonnes, parfois 3, 4 étages. Vous voyez souvent des gens qui sont plus ou moins des esclaves, qui vont et viennent et font les courses, des gens qui habitent ici. Et effectivement, au centre de cet endroit se trouve l'opulente demeure de Vernabule. Mais juste avant. Vous entendez un petit cri, un cri genre de plainte qui vient d'une villa, qui vient plutôt sur la droite du chemin. Est-ce que vous voulez vous détourner de cette, enfin suivre ce petit cri de plainte, ou est-ce que vous voulez continuer vers la villa de Vernabule? Avant de commencer à empiler les quêtes secondaires, oui. Juste, on a notre camarade là ici présent qui a décidé de tuer quelqu'un de son froid. Et c'est éventuellement on va. Attendez, par miracle, il s'est relevé. Voilà, c'est ça qui est terrifiant, quoi. J'ai repris la maîtrise. Effectivement, mon sang n'a fait qu'un tour, sa tête en a fait deux. Je n'y peux rien. Voilà. Il faut quand même que tu apprennes la mesure. C'est l'adolescence, tu sais, il y a les sentiments, la testostérone, des fois on se laisse aller. Et puis finalement, on a été très très vite dans la résolution de cette quête. Au lieu de palabrer, on aurait négocié 13% de ta société, 2 pièces d'or. Non mais tout adolescent, 33% d'or. Enfin, vous êtes en train de discuter, Lombax revient. Il passe tout. Il dit, on s'est pas parlé. Il est un peu perturbé, il comprend pas trop. Non, jamais vu, monsieur. Non, jamais non. Vu. Et il prend la route de là où il y avait une petite plainte. Et il continue sur la droite. Bon, bah vas-y, on va le retuer. Attends, c'est peut-être une des victimes de. Bah, oui, bien sûr. Bah, tu pourras le snapper le cou. Victime de qui? Bah, ah non, bah, lui, parce que, vu que Lombax, il a l'air d'aimer sacrifier des enfants et compagnie. Par contre, je trouve un truc qui est très cool, c'est que. Moi, je trouve très pratique ce Lombax, parce que moi, tu vois, j'aime bien tripoter des objets, j'aime bien faire du fidgeting. Non, mais faire du fidgeting avec lui, en fait. Et du coup, au lieu d'avoir une stress ball. Avoir un stress humain qui permet de craquer, non, ça me ferait du bien. Ah, si, ça détend. Non, mais si on te balance une crotte de nez ou qu'on te bolosse un peu et que ton réflexe est de tuer des gens, ça pas aller du tout. Oui, hein. Oui, c'est compliqué là. Du coup, je me fais respecter, je pense. Bon, on va voir quand même, c'est quoi le cri plaintif, juste pour savoir. Oui. Allez, on s'approche un peu de. Donc, vous n'allez pas à la maison de Vernabule? Est-ce que Lombax se dirige vraiment c'est pas encore directement vers le cri? Alors, il se dirige en tout cas sur la route. On peut le suivre discrètement pour voir. De toute façon, ce cri plaintif, c'est à proximité relativement immédiate, non? Difficile à dire. Vous voulez suivre le cri plaintif, doux, mais lointain. Vous voulez suivre le cri plaintif, Lombax, Vernabule. Ah oui, du coup. Ressortir. Pourquoi est-ce qu'on suivrait le cri plaintif? Bah, je sais pas, parce qu'on n'aime pas les c'est, gens qui se plaignent. Parce que c'est l'instinct de la quête secondaire, après, mais voilà. Non, en vrai, Osef, c'est vrai. Oui. Ok, ça se trouve, c'est Fredo, les bonnes affaires. Non, mais genre, c'est quelqu'un qui est là, zut, mon pote au feu. Exactement. C'est vrai que ça nous concerne pas directement. Hein, ouais. Non, mais moi, je le voyais pas comme ça. Je voyais ça plutôt comme genre un cri de douleur, un peu. Non. Alors, c'est difficile à dire. Vous l'avez entendu ponctuellement. Est-ce que c'était pote au feu ou pas? C'est l'orteil dans la table basse. Peut-être.
Bon, Vernabule, Vernabule. Vernabule. Moi, je suis. Okay, moi, je suis moi, je vote Vernabule. Alors, attends, donc Vernabule, let's go. Par contre, on fait quoi? On sonne à la porte. Non, non, lui, il faut pas qu'il rentre chez Vernabule. Il faut pas qu'elle le voie. Non, elle est pas là. Elle est pas là. De toute façon, on va respecter. Je sais pas si elle est là ou pas. Les portes sont grandes ouvertes. Grande ouverte. Grande ouverte. La porte de la maison est détection. Vous voyez des jeunes enfants, on va dire 8, 9 ans, qui vont et viennent. Parfois ils portent des provisions, parfois ils portent des parchemins. Voilà. Ah bon, alors moi je. En non, même pas. Non, si, détection, détection des pièges. Je... Attends, mais détecter les trucs, quoi. Perceptionnons. Oui, parce que franchement, on va se faire découper par un laser. Ouais. Ou un... Mais non, c'est pas y a des enfants qui passent. Tu peux utiliser ta magie de la détection de la magie. Tu penses qu'elle aime bien les enfants, les êtres humains. C'est une idée. Ça sera surtout scientifique. On a juste à se faire passer pour des servants. Je voulais juste être sûr qu'il n'y a pas un système d'alarme. Mais il y a des enfants qui rentrent. Bah, c'est quoi le plus simple, Mimolin? Comme c'est des enfants qui rentrent et qui sortent, et quelque part, t'as encore un enfant. Oula, passe devant. Non, non, non. Si, si, passe devant, et nous, on te suit. Non, on va poser des questions à un enfant qui sort. Donc, Evie arrête, Nem-Nem, un enfant qui sort. Nem-Nem, et il dit, excusez-moi, je... Alors, il porte un gros parchemin, et il dit, je dois porter ce parchemin à Oxycotum le plus rapidement possible, sinon je vais me faire gronder, donc... est-ce que vous voulez marcher avec moi sur la route? Il est où, Oxycotum? Il est dans les ruines. D'accord. Et pourquoi tu vas dans la maison de Vernabule et que... Ben, c'est Vernabule qui m'a demandé de porter ce parchemin à Oxycotum. Elle est où? Et elle est où? Ben, je sais pas, elle est peut-être soit dans la maison, soit dans les ruines. Je regarde un petit peu les enfants, savoir si, voir s'ils ont un médaillon, une broche, quelque chose qui pourrait faire signe de... Ils ont tous un pendentif autour du cou, qui est un pendentif dans un métal que tu ne connais... Ah si, dans le métal que tu connais très bien, excuse-moi, parce que tu es un brillant inventeur, qui est en airain des collines, qui est un métal très rare qu'on ne trouve que sur le continent de Phoenix, et tu détermines immédiatement que ce médaillon, ce pendentif, permet d'entrer et de sortir sans avoir de problème avec l'immense statue d'entrée. C'est juste d'accord, le quartier, c'est juste ça. D'accord, ouais, mais rien de spécifique par rapport à la maison. Ouais. Okay. C'est un badge du quartier, mais pas un badge de la maison. A l'air très accueillante, ouverte. Mais je pense que la maison, elle est... il y a pas de soucis. Je tends ma serpillière, là, pour passer. Est-ce qu'il y a des rayons de voilà, il n'y a pas de rayons. Il n'y a pas de rayons. Non, mais justement, garde ta serpillière, fais comme si tu étais en train de serpillérer. En plus, ça me détend, j'aime bien. Il y a des trucs qui me détendent, c'est casser des coups et serpillérer. En serpillant, nous, on le suit. Oui, bon, je les rentre en nettoyant le sol. Donc, vous rentrez... Mais Mick, il ne faut pas qu'il rentre, Mick. Tu vas rentrer ou pas? Tu veux, si, je vais, tu veux pas te déguiser? Oui, déguise-toi d'abord. Déguisé, enfin, oui, oui. Je te passe un masque noir, mais tu mets à moitié. Un hoodie. Je te passe mon masque noir. Un masque noir, très bien. Mais le mets pas parce que tu vas avoir le passé. Mets-le juste à moitié. Alors, mets-le pour voir. Il y avait un masque noir qui voyait dans le passé. Après, je sais pas si. Double masque noir. Parce qu'il y avait aussi des masques qui permettaient de fondre totalement. C'est quoi? Vas-y, mets le masque noir juste qu'on voit ce que ça fait. Je te donne mon masque noir. C'est tout ce que je sais. Moi, je n'ai qu'un masque noir qui permet de voir dans le passé. Ça m'étonnerait qu'il y ait double masque qui voit dans le passé. Tu l'as peut-être noté au début. Bon, je mets ce masque noir. Ça suffit. Tu mets un masque d'or. Vous rentrez dans l'opulente demeure de Vernabule. Non, non, il ne voit rien. D'accord. Donc, d'abord, un immense patio avec des belles peintures. Comment ça s'appelle? Encadré. Vous voyez des plans mystérieux de machines que tu trouves extraordinaires, mais parfois, tu as travaillé sur ces machines et tu dis, pas mal, elle les a améliorées. Ça, c'est mon idée, tu vois, c'est intéressant. Et ensuite, vous avez un atrium, donc un endroit à ciel ouvert avec une petite piscine au milieu. Vous voyez que les enfants ont l'air bien traités. Ils se nourrissent, vous errez un petit peu, il y a des... Mais moi, j'arrête un enfant. Oui, à nouveau un enfant, il s'appelle Arnaud. Arnaud? Arnaud, tout à fait. C'est un très joli prénom. Oui. Bonjour Arnaud. Oui. Je sais que tu t'appelles Arnaud, car je sais tout. Vous êtes un invité de Dame Vernabule? Exactement. Vous voulez à manger? Non, en fait, je vais la chercher. Est-ce qu'on peut peut-être la trouver dans son étui? Alors, il va la voir. Je vous apporte à manger ou je vous la... Non, juste que vous nous disiez tout c'est, et oui, on y va. Voilà. Vous allez juste tout droit, elle est dans son grand atelier. Oh, elle est dans son atelier. Elle est là. Parfait. Merde. Je vous apporte quoi? Est-ce que vous voulez j'ai vachement faim. Un petit, un demi-pamplemousse? Ouais, 4 demi-pamplemousses alors. Donc 2 pamplemousses. Donc 2 pamplemousses, ouais. Ah, c'est Mimolin. Je vous les apporte directement chez Vernabule? Non. Non, vous ici, ici, donne-les-moi ici. J'attends ici 2 secondes. Mais chop, chop. Donc, on attend. Il t'apporte 4 demi-pamplemousses. Et parce que je suis un ami, je donne un demi-pamplemousse. Bah attends, moi, je vais voir. Parce qu'elle est dans son atelier, moi, j'ai une histoire avec Vernabule. Mais c'est vrai. Attends. Non, mais je peux aller. D'ailleurs, le chat a voté pour cette histoire. Ah oui. Donc, vous allez voir Vernabule? Non, moi, j'y vais. Déjà, moi, je mange mon demi-pamplemousse et vous en faites ce que vous voulez. Non, mais nous, on part. Vous repartez, et Vie repart. On t'attend. Et toi, tu fais quoi? On t'attend. Moi, j'ai quand même visité quelques pièces à côté. Ouais. Là où comment dire, se baladent les enfants, quoi. Là où il n'y a pas Vernabule, mais on ne sait jamais, je pourrais peut-être tomber sur quelque chose d'intéressant. Non, mais attention, toi, t'es en mode. C'est bon, j'ai mon masque noir, il ne peut rien m'arriver. Et toi, tu fais quoi? Je reste avec tu cherches Archibald?
Qu'est-ce que je fais? Non, je vais laisser. Attends. À toi, tu t'en vas. Non, je suis avec lui parce qu'ils ont besoin de mine. Il va casser la nuque de quelques enfants. Voilà, moi je suis. Je sais pas quel son ça fait un enfant. Tu penses que c'est non, plus aigu? Arrête. C'est peut-être arrête. Plus aigu, ça peut-être. Non, le pacifiste en moi a envie de mourir. Donc, tu cherches mal. Ah, d'accord. Donc, vous trois, vous cachez. Enfin, vous errez et vous arrivez par une porte, on va dire, une voie inattendue. Sur l'atelier de Dernabule, vous pouvez voir la scène suivante, Archibald qui arrive dans l'atelier. Et donc, il y a un immense atelier avec au sol un grand parquet, des tables à dessin verticales et horizontales, un grand divan sur lequel Dernabule est en train de donner ses idées, elle donne des ordres. Il y a des grands rouleaux, tu vois des choses formidables, des machines, des robots traceurs. Également, il y a une grande baie vitrée qui donne sur une grande partie du fleuve au nord de la cité, et Dernabule, dans une tenue de travail, des grandes lunettes, avec une grande plume, voit Archibald. Elle s'approche de toi. Mm-hmm. Elle va t'embrasser. Est-ce que tu dis oui? Tu te laisses faire ou pas? Ouais, je suis pas farouche. Alors, vous roulez une pelle incroyable, elle te met une main aux fesses. Parfait, ok. Vivons les chansons d'Alba. Hey, comment on se retrouve? Est-ce que tu peux faire un jet et me dire si tu fais moins de 80? Ouais. Quel est son score en perception? 0,7. C'est quoi cette soirée 0,7. Tout ça pour alors, mourir. Elle te dit, si tu veux qu'on s'amuse bien, ma chambre à coucher est là-bas, tu peux m'y attendre. Mick, viens, Mick. Viens, on parle. T'as tiré pour elle, alors, en fait, là? Mais oui, il a tiré pour la personne. Ah, t'as tiré pour elle. Ah, merde. Mais viens, Mick, t'inquiète. Regarde, je n'ai qu'une plume dans la main. Pourquoi elle parle comme si elle travaillait au sentier Ne t'inquiète pas, mon ancien disciple. Bon, j'y vais, mais. Je veux dire. Le couteau multifonction dans la poche. En plus, je retrouve ce brave Archibald avec lequel nous avons tant de points communs sur les étrangers, le mépris des étrangers en général. Je suis ravi de voir qu'il t'apporte le plus beau des cadeaux. Tu me l'offres? Absolument pas. Pourquoi? Mais je ne connais pas cette personne. Tu ne connais pas? Mais non. Mais je vous ai vu traîner ensemble. Mais pas du tout. Mais regardez mes petits enfants, ils ont des yeux partout. Je savais. Mais tu vois, Mick, je le savais. Tu es. On s'est séparés. Et on s'est pas séparés. Tu m'as foutu dans un bateau pour que je devienne esclave. Et le destin t'a ramené à moi. J'ai tellement d'inventions extraordinaires à te dire. Non, mais c'est pas le destin qui nous a ramené à toi. Regarde, c'est nous qui avons décidé. Elle étale un plan. Elle te dit, regarde ça. Mais je sais. Une forteresse volante. Mais bien entendu. T'as toujours été assoiffé de pouvoir. Mais oui, mais tu vas pouvoir. Ça te ronge le cerveau. Il me manque des petites choses. Il me manque ton cerveau génial. On va rajouter des petites choses. On est sur le point de trouver une pierre neuve. Tu sais très bien que j'ai une morale, d'ailleurs, qui te dérange beaucoup. Attends, la forteresse volante, là, elle est construite ou pas? Mais la dernière fois qu'on a... C'est tes amis ou pas, ces Olibrius? Oui, des compagnons de voyage. Vous, là, la personne pas très utile. je crois, vous m'avez parlé, vous voulez tuer des dragons, c'est ça? Les dragons veulent tuer la planète et vous voulez tuer les dragons, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai. Et une forteresse volante, c'est votre solution. On veut pas tuer une forteresse volante, ça protège le monde entier. Mmh. Et puis, si... Vous... Non, mais on est plus pour l'amour entre les peuples, les dragons, on est plus dans l'unification. Attendez, c'est énorme en fait cette forteresse? C'est un vaisseau immense et invincible. Comment qui permet de faire une pluie de feu sur n'importe qui, n'importe quoi. C'est vrai? Ça nous mettra maître du monde. Alors je serai la maîtresse du monde, mais Mick vous le dira, il n'aime pas les armes, mais j'ai pas envie de regarder tous ces enfants dont je prends soin. Mais il y a un modèle, un prototype qui existe de cette. Le prototype, nous allons le créer grâce. Mick, comment ça? Il y a une partie de moi qui n'est pas désintéressée. Tout d'un coup, t'as besoin de moi. Et sans Pierre, vous ne pouvez pas le réaliser. Oui, il s'appelle pas Pierre. Sans Pierre Nock. Non, mais la lumière Nock est presque là. Cette machine. Il est presque là. Il faut qu'on trouve le puits de lumière. Dans le puits de lumière se trouve le temple de la divinité Osef. Mais dans le temple de la divinité Osef, il se trouve une pierre Nock. On a la pierre Nock, on crée la forteresse volante, on tue les dragons, tout le monde a gagné. Et tu comptes devenir immortel comme ton poteau Klemovitch, du coup? Non, pas du tout. Moi, je suis comme toi, Mick. On est très proches, toi et moi. Nous sommes mus par la création de choses extraordinaires. Et quand, tu sais quoi? Moi, je vais créer cette forteresse volante et je m'en lasserai vite. Je passerai à des projets encore plus immenses. Pourquoi pas une forteresse volante qui aille sur la Lune? Tu sais très bien que je suis anti-violence et tu me proposes de bosser sur un truc qui va détruire le monde. Et le défi intellectuel. Mais de toute façon, je vais te dire quelque chose. Je suis hyper copine avec le pharaon noir. Je vais créer la pyramide des âmes, là, qui permet de transformer les âmes en armes. Eh bien, il met totalement à ma botte. Ce pharaon, il m'adore. Si je lui dis, moi, je t'ai vu arriver, j'ai dit que tu arrives.
comme un petit chien qui revient à la niche, tu es revenu vers moi. Mais si tu t'en vas, moi je dis au pharaon, je vais me plaindre, et puis il te retrouvera. Et tu travailleras de gré ou de force, travaille de gré, travaille avec le sourire, le pharaon, travaille avec ton demi-pamplemousse. Le pharaon, on s'en occupe, mais et du coup, c'est le pharaon qui te finance tout, et Klemovic dans cette histoire. Klemovic, je lui ai proposé une petite alliance parce que... Ah oui, je l'ai... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, la lettre. C'est, je pensais que tu étais parti à Mirabilia. Mais Klemovic, on s'en moque. Klemovic, inintéressant. Klemovic, Mirabilia, un pays minuscule. Mais supportable. Du coup, qu'est-ce qui se passe si le pharaon noir n'est plus... t'es dans les petits papiers du pharaon noir. Mais si un jour, on devait changer de pharaon. Il y a quelque chose d'extraordinaire et que Mick n'a pas compris. Oui. C'est que les puissants sont fascinés par la puissance et les armes et la mort. Oui. Et qui sait créer cette puissance et les armes et la mort a un pouvoir sur les puissants de ce monde. Si un autre pharaon qui le remplace, il voudra... Alors, elle te montre une arme qui ressemble, alors je ne vais pas m'étendre en description, mais à un fusil. Et elle te dit, regardez cette arme qui peut terrasser une personne à distance en un seul coup. Comment ça ? Eh bien ça, j'ai armé les gardes du pharaon avec. Ça les rend invincibles grâce à la pyramide des âmes. Une arme de bien-être. Ah, c'est la pyramide des âmes qui vous fabrique ça ? Vous en avez une, mon amour ? Ah oh, oui, j'en prendrai deux même, j'ai deux mains. Non, je vais t'en donner qu'une. D'accord, une seule. Elle te donne un fusil. C'est la pyramide des âmes qui... Ça marche sur combat à distance. Alors, elle te dit... Ah, mais combat à distance, t'es une bite. Mais oui, je suis une brêle. On a sacrifié l'âme d'un agriculteur pour ça. Donc, il n'y a que 4 charges, parce que ce n'était pas une arme très puissante. Tu ne peux tirer que 4 fois, d'accord, mais c'est, on le recharge avec des agriculteurs. Oui, comment ça marche, cette arme, en fait? Ben, c'est bio, un petit peu. Les gens qui sont dans la prison des âmes, des affreux criminels, sont transférés dans un couloir qu'on appelle le couloir de la mort. Et ensuite, ils sont transférés à la pyramide des âmes où leur âme est aspirée grâce à une machine incroyable que je te montrerai. Elle est transformée en petites cellules énergétiques qu'on met dans ces armes. Et comme ça, on a de la puissance à volonté. C'est propre, hein, y a pas de... C'est là la différence entre le génie et la folie, sacrifier des humains maintenant. Mais des humains inutiles, des humains qui ne sont pas de sang pur comme nous, de Kniga. Toi-même, tu n'es pas de sang pur. C'est une mais honte. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de génie en toi et tu aurais dû naître Knigien comme moi. Voilà. Dommage qu'on ne peut pas s'aimer, mais tôt j'ai bien envie de la buter, mais sa forteresse m'intéresse plus que sa vie. De toute façon... Vernabule. Alors, vous allez me chercher cette pierre noque ? À jamais de la vie ! Oxycotome n'y arrive pas. Si vous me cherchez la pierre noque, vous aurez entré dans ma forteresse volante qu'on construira ensemble, et puis autant de fusils que vous voudrez, ou ce que vous voudrez, ou... encore une machine volante ? Est-ce que si on met plus d'agriculteurs dans le bordel, là, oui, ça peut tirer des balles plus grosses ? Non, bah, par exemple, ça peut tirer des balles à volonté. Enfin, si vous mettez 18 agriculteurs ou même des gens avec une force d'âme plus puissante, des guerriers. Je suis une rafale d'agriculteurs. Le mec, il va foutre l'auto des agriculteurs. De toute façon, elle est irraisonnable, je peux rien faire avec elle. Mais non, moi, je te conseille de faire comme si tu étais d'accord. Parce que si tu peux faire un truc, genre, tu te mets à bosser sur la forteresse volante. Et nous, on s'en empare. Et nous, on s'en empare. Ah bah oui. La sabote. Non, la sabote, Mimoulin. C'est une faille. Archibald, j'ai un petit service à te demander. Yes. J'ai donné ce fusil. Tout ce que tu veux, my love. Ah, ça me fait plaisir. Ah oui. Ton affreux grand-père, un affreux Jojo que je déteste. Ouais, je le hais. Oh, ah, très bien. Nous avons tant de points communs. Il s'est accroché. Est-ce qu'on peut pas charger ton fusil avec des grands-pères, par exemple ? Il transporte. Oui, oui. Tout à fait. Alors, tu peux totalement. Si à un moment, tu trouves ton grand-père, tu n'as qu'à l'accuser faussement d'un truc, il se retrouve dans la prison des âmes, il est sacrifié et on a une cellule énergétique en fonction. Mais passons. Mm. Il transporte dans ses cales un archéologue qui s'appelle Piranha, qui devait m'apporter un objet qui s'appelle le Neustan. Ouais. Ah. Et donc. Quoi ? Il veut dire qu'il est en prison ? Ouais. Et donc le Neustan, il est où ? Ah ben j'en ai aucune idée, je pense qu'il est dans le bateau. Mais on a récupéré le bateau. Ah, vous avez récupéré le bateau ? Oui. Bon, attends, juste. Point pirogue, vers la bulle. On a le Neustan. Bah nous, on a aussi. On a. Si, parce que j'ai fait en réplique. Il a fait le bâton pour lequel ça permet de voir les prophéties. Il a fait un bâton. Tu m'apportes le Neustan, ce serait tip top. Je pense qu'il faut qu'on ait. Attends, mais. Non, moi je pense qu'il faut qu'on ait la forteresse de Vernabule, et une fois qu'on a la forteresse de Vernabule, on trahit Vernabule. Parce que le vrai Neustan, il était dans la... Dans le bateau. Non, dans la pyramide des cœurs brisés stellaires. Voilà. Dans le temple. On n'a pas osé prendre comme bateau. Non, puisque Piranha, elle a dit qu'il l'avait. Et pourquoi elle en a besoin, elle? Tu peux lui poser la question, si tu veux. Tu veux pas l'utiliser? Qu'est-ce que tu veux en faire de ce Neus machin, là? Ça m'appelait que ça t'intéresse. J'aime que tu sois curieux. Oui, je suis curieux, bien sûr. Elle te montre un cristal, elle te dit, voilà un cristal de la révélation qui vient des Pleinok. On met le cristal sur le Neustan, on regarde à la lumière de Chaos et apparaîtra, je ne sais pas, une prophétie, un poème, peu importe, mais en tout cas la localisation exacte du puits de lumière sur les ruines Nock, ce qui fait qu'on aura à creuser au bon endroit et on retrouve la pierre Nock. Vous savez ce qu'on dit, point d'interrogation, win. D'accord, très bien. Point d'interrogation, profite.
Bon, vous voulez pas baiser? Bah là, elle a l'air un peu occupée quand même. Oh, elle a tout le temps. Je vais pas lui faire le t'attendre dans la chambre. Hein, t'as, t'as le temps pour une petite, un petit 5 à 7 Un petit 4 à 3 Et j'adore quand on me parle comme ça. Allez, pas de problème. Allez, Et par contre. Il s'éclipse dans la chambre. Ok. C'est le moment où vous volez des trucs. Mais oui. Elle est forte. On a un Neustan, si elle a laissé le cristal en mode vraiment osé dans la pièce, oui. On peut avoir la bien joué. Alors, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, je la chevauche gaillardement. Si tu peux durer. Je... Tout, hein. Oui, mais essaye de durer. Je pense que le bâton qu'on a, c'est pas considéré comme un vrai Neustan. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si, parce qu'on a essayé, il marchait. On a eu une prophétie. Mais on aura peut-être une prophétie remix. Mais allez, let's go. Donc, nous, rodéo, tout ça, tac-tac. Alors, il m'a dit, essaie de durer. On va faire un geste sous ton endurance. Tu as un bonus de 20, parce que c'est pas. T'es pas en train de grimper l'Everest, tu vois. Donne tout. Commence par des préliminaires, c'est ce que disait Monsieur Raoul. Voilà, par des préliminaires. Et il a dit je chevauche, donc... Non, mais je chevauche, mais de manière préliminaire. De manière préliminante. Allez, bon, c'est parti. Pour l'ambiance, yes. Il faut pas qu'il fasse un... Oh là là, le suspense est insoutenable. 83. Sur combien? Sur 50, du coup. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir aller très vite. Là, déjà. Elle est déjà en train de ressortir des draps. C'est comme si elle avait tiré ses quatre agriculteurs. Bah, excusez-moi, je suis plus tout seul. Non, mais tiens-tu là, fais quelque chose. Oui, non, mais t'inquiète. Parce que nous, on allait s'y mettre direct, mais est-ce qu'on aura le temps? Non, elle dit c'est extraordinaire, mais là, je viens de me rappeler que j'ai laissé le cristal, tout ça. Mick, qui est en train de faire des trucs, va peut-être brûler mes plans. Mais non, c'est pas du tout le style de la maison. Tiens, regarde pas. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que vous faites? Bah, nous dès qu'ils sont partis, on tente le coup. Oui, on était déjà. Attends, il a duré quelques secondes, mais c'était. Non, c'est plusieurs minutes, faut pas déconner. Quand même, oui, il a pas assez pas genre ici. Je suis pas mimolin, moi. Des fois, ça m'arrive, je me réveille. Bon, voilà. Je suis auto-souillé et j'ai un mandat comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? En fait, je compense la durée par l'expertise. Dès qu'ils ont quitté la pièce. T'as fait un 83, gars. Alors, qu'est-ce que vous faites rapidement, vous, de votre côté? La pièce, je cours contre la porte pour bloquer la porte. Tu bloques la porte? Cristal sur le Neustan. Je cale la porte à côté. Et je regarde. Il y a une phrase qui dit: Notez bien. Le puits de lumière se trouve dans l'œil droit de la déesse de la magie. Non, ça, on savait pas. L'œil droit de la déesse de la magie. L'œil droit. Alors, on repose tout. Vernabul se lève, commence à pousser la porte, tu fais un jet de force? Un peu. On a déjà vu le truc, hein. Je fais un peu comme si j'étais. Oh, je suis contre la porte. Ah, tu bloques pas la porte? J'entrave un peu l'ouverture de la porte. Attends, t'entraves la porte, donc. Alors, vite, donc ça, nous, on désolidarise le cristal. Oui. Et moi, je le prends, le cristal, genre, je le regarde comme ça. Voilà. Et moi, je cache le. Oh. Cours Florent. Alors, Mick, toi qui as des origines si mystérieuses, est-ce que tu penses que tu pourrais lire la prophétie sans avoir le Neustan? Non, ça me paraît impossible. Enfin, c'est extrêmement puissant magiquement, ça ne peut pas être opéré tout seul. Oui, il faut un outil. Tu penses que je sais quand tu mens ou quand tu mens pas? Je pense surtout que visiblement Archibald est un mauvais coulis. Non, mais c'est pas ça. C'est le décalage horaire. Je t'appelle à la porte. Monsieur de Brisenchoyer, qu'est-ce qui te passait? Le décalage horaire, ça me. Il fait chaud ici, non? Qu'est-ce qu'on fait, Mick? Manger des pompons. Tu travailles avec moi, on est gentil, on se fait des mamours. J'ai besoin d'électrolytes. Ou est-ce que tu t'en vas et j'appelle les gardes du pharaon? Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on peut être tellement civilisé. Pourquoi requérir des choses d'armes? Civilisé, tu mets des agriculteurs dans un moule pour en faire des fusils, quoi. Des cartouches. En fait, c'est des agriculteurs, mais qui, quand même, à un moment donné, ont fauté. Ont bien vécu. Mon petit Mick, elle te caresse la joue. Fauté selon un pharaon psychopathe. Elle te caresse la joue, mon petit Mick. Tu es irremplaçable. Les agriculteurs, n'importe qui peut creuser un trou dans le sol. Très réducteur. J'adore cet homme, j'adore. Chaque fois qu'il parle, on est sur la même longueur d'onde, c'est incroyable. Oui, bien sûr. Mick. Mais on pourrait trouver un entre-deux. Moi, je suis intéressé par toute cette science, bien entendu. Mais si je sais que la finalité, c'est de créer une arme de guerre destruction massive. Écoutez. Où en est ton projet de faire une machine qui irait dans les étoiles, par exemple? Mais ça, non, c'était plus joli. Mais non. Enfin, non les étoiles. Écoutez, my love, est-ce que vous ne croyez pas que pour concilier vos deux esprits brillants, il ne serait pas intéressant de faire une forteresse volante réversible?
C'est-à-dire que ça crache du feu ou ça plante des cultures. Archibald, vous êtes mignon. Elle oui, c'est vrai. Tape sur la joue. Il y a des choses, c'est vrai, des domaines intellectuels qui ne vous appartiennent pas. Vous avez une influence sur votre ami ou pas? Et bien sûr, et c'est pour ça que je vous le dis. Alors, on se voit encore ou pas? Quoi je vous, alors, elle te met deux pièces d'or dans la main. Elle te dit, prenez ces deux pièces d'or, allez au quartier des prostituées et apprenez deux, trois trucs. C'est le nouveau. Moi, je baise, Mimolin. Et amenez votre ami Mimolin, amenez votre ami Mick, et élargissez-lui un petit peu les horizons. Montrez-lui que le côté obscur de la force est intéressant. Pervertissez-le. Je crois qu'il est trop pur. Il a une mauvaise éducation. Non, mais souviens-toi, Vernabule. Bon, j'essaie un peu de l'avoir. Moi, j'ai pas envie de l'enchaîner. Mais je te donne la solution. Il suffit de lui dire que la forteresse volante pourra détruire, mais également construire. C'est pas compliqué, bordel. La forteresse volante pourra détruire, mais aussi construire. Non, mais quand je t'ai rejoint... Écoute, Mick, écoute, c'est intéressant. Non, mais quand je t'ai rejoint, tes projets, c'était voilà, de construire des villes entières ou de faire un navire qui irait vers les étoiles. C'est exact. Et juste parce que tu veux du financement plus vite, tu te mets à foutre des agriculteurs et des randoms dans des machines de torture pour en faire des fusils. Écoute, tu veux détruire le monde je ne veux pas du tout des seigneurs psychopathes. Mais tu donnes accès à des machines de mort. C'est ridicule. Je la piloterai, la machine de mort. Et vous savez, j'adore le Barat. J'adore les. Regarde ces petits enfants comme ils sont mignons, elles tirent la joue. J'adore. Même les agriculteurs que je sacrifie, finalement, je les aime. J'ai pas envie de tuer ces gens. Je ne te tuerai pas ces gens. Et de toute façon, je veux dire quelque chose, mon petit Mick. Que ce soit moi, toi, il y aura d'autres génies qui vont survenir et qui vont créer tôt ou tard cette machine. Autant que ce soit nous. C'est une description parfaite d'un psychopathe. Ce petit jeune homme a également la voix de la raison. On est d'accord que cette forteresse, tu vas la confier au pharaon? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais si le pharaon te dit maintenant, tu me la donnes, qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu lui résistes? J'aurai une forteresse volante. Je ferai pleuvoir le feu sur ses gardes jusqu'à ce qu'il soit mon esclave. La forteresse, c'est uniquement pour toi. Ton grand dessin, ça reste quand même, la conquête de l'espace, enfin le vol. Mais non, elle est là pour l'achievement. Elle veut faire toujours un truc plus. Le but final, la finalité. Je ne sais pas. Tout ça, c'est qu'un. Je m'ennuyais, j'ai créé des machines volantes. Je m'ennuyais, j'ai le projet de créer des choses toujours plus belles, plus grandes, plus ambitieuses. Donc on trouve un entre-deux. Quitte à créer une machine qui vole, pourquoi ne pas lui donner des immenses canons qui font pleuvoir le feu et sur le monde? Moi, je persiste à dire qu'une machine qui sème depuis le ciel, ça permettrait de faire des cultures géniales rapidement. Mais quand j'ai compris que tu faisais des machines de mort, on sait ce qui s'est passé. Tu m'as foutu en esclavage, donc... Tu sais très bien que je préférerais mourir que de faire des machines de mort. Mais donc, il faut qu'on trouve un entre-deux. Mais tu sais quoi? Tu crois en ton ami Archibald, c'est ton meilleur ami. Oui. Je lui ai donné une mission secrète, ok? Et on se revoit demain, on fait un petit point. À midi, je vous ferai un très bon repas. Non, mais il faut que tu lâches du lest. Moi je ne ferai pas des machines de mort. Je vais faire des machines volantes, mais je ne vais pas faire des machines de mort. C'est quoi ma mission secrète? On peut être d'accord. J'ai oublié, moi, quand... L'emmener chez les putes. Après l'orgasme. Ah, c'était ça? C'est ça, la mission. C'est deux pièces d'or. Ouais, ok. Apprentissage, il faut que tu apprennes deux, trois choses. Et aussi, dévergondage. Ouais, mais on ne va pas avoir le temps. On est un peu pressé. Non, mais j'entends tout ça. Allez, ok, let's go. Allez, c'est parti. Vous ressortez... Mick, mais c'est pas une soirée partouze qui va me donner envie de tuer des gens, c'est quand même incroyable. Vous ressortez ne sous-estime pas la puissance de la partouze, par contre. Vous ressortez de la grande maison de Vernabule et vous pouvez sortir de Knackigia ou alors peut-être la quête tertiaire. Alors, chez votre ami Lombax. Voilà, et puis on peut aussi aller au Palais Royal. On n'a pas besoin de Piranha, alors, vous avez lu le truc dans si, le... Si, non, si, si, on Piranha, elle a la page de poèmes qui... Il y a aussi la personne qui se plaignait du pot-au-feu dans la direction de chez le professeur Lombax. Oui, celui qui... On ne veut absolument pas qu'elle y ait accès. Le problème, c'est que les potes du pharaon, donc à n'importe quel moment, elle peut faire libérer Piranha, on lui a donné l'info. Le truc, c'est que si je deviens nouveau pharaon, je peux faire libérer Piranha ou capturer Piranha. Non, mais attends, pas tout de suite... On se complique la tâche. Non, c'est de l'administratif. Non, Piranha, il faudrait lui confisquer son bâton, ou bien pour le garder, pour remplacer l'autre, ou le détruire. De toute façon, il l'a pas, il est en prison. Et récupérer sa note. Il est en prison. Même le poème, ça se trouve, il l'a pas. Même la page déchirée, il l'a pas. Ah oui, lui, il est pas encore pharaon, lol. Et si j'étais pharaon? Bien sûr, tout serait résolu, c'est sûr. Mais voilà, Mick est d'accord avec moi. Allons vite sur la salle du trône, je reprends le pouvoir. Non, attends, pas tout de suite, on a des choses... Je suis pas sûr que vous m'ayez entendu, je répète juste, et je ne dirai plus. Oui. Il y a la possibilité, avant de sortir de Knackigia, d'aller voir le professeur Lombax. Mais peut-être vous n'avez pas envie. Ah oui. Vas-y, on va voir le pot-au-feu, l'immortel, le fameux... Ouais, bah là, il va falloir un peu plus... Il va falloir calmer ses ardeurs, il va falloir être bon sur la conviction. Mais... Bah, bon, allons voir le cri pour savoir d'où ça vient. Alors, vous ne savez plus où est le cri. Par contre, vous suivez la route.
Et si toutefois c'est lié au professeur Lombax, le professeur Lombax dispose d'une grande villa qui est au bout de la route de droite. Cette grande villa est gardée par un haut mur dans les murs. Enfin, vous êtes dans les murs, et là en plus il y a des murs. Il y a une herse à l'entrée. Et il y a probablement un petit bouton comme une sonnette pour activer une cloche pour ouvrir. Vous n'êtes pas sans remarquer quelque chose d'étrange, c'est qu'il y a deux statues sur les deux piliers de pierre qui tiennent la herse. Et ces statues représentent un lion avec une queue de serpent et des ailes de... Une chimère, une chimère. Griffon, non? Ah, c'est une chimère. Une chimère. Ok. Oula, le mec, c'est Full Metal Alchemist, toi, sûrement, non? Il est... Ah oui, c'est ça. Oui, mais c'est un savant fou. C'est ça. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Il se rappelle plus de nous. Non, il se rappelle pas. Il était sonné, en tout cas. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on peut, en fait... À chaque fois, il perd un peu la mémoire quand il meurt. C'est trop drôle. C'est-à-dire qu'on peut lui poser des questions. Je le tue. Non, mais on va pas faire ça. On va juste pas faire ça. On va éviter de le retuer. Donc, en fait, je le tue pas vraiment. Je le rewind de quelques minutes. Non, mais peut-être que comme ma performance avec Vernabu, peut-être que t'as raté ton cassage de nuque. Je sens beaucoup d'insécurité dans les propos de cet homme. Je sens qu'il est, il est très insécure, cet homme. On peut pas être performant tous les jours. Est-ce qu'on entend quelque chose? Alors, vous entendez, Mick comprend qu'il s'agit d'un conduit qui va dans un endroit souterrain. Vous entendez la voix lointaine à travers le conduit du professeur Lombax qui dit oui. Je vous laisse faire, les beaux pas. Ah, c'est l'interphone? Oui, il y a une sorte d'interphone mécanique. Oui, bonjour, professeur Lombax. Oui. Et là, t'entends un cri affreux, genre inhumain. Ah ouais. Faites vite, qu'est-ce que vous voulez? Oui, on a été envoyé par. Comment s'appelait la garde là? Elisa? Elisa, oui. Oui, on a été envoyé par Elisa parce que vous devez faire, par rapport à votre malaise, il faut que vous veniez signer un papier. T'entends un cri affreux et des gargouilles et des bruits de sang. Il dit Je suis occupé. Je gueule. Et ça bloque. Je gueule. On vient vous livrer un enfant, Scarabée! Ah oui! Alors, vas-y, fais un jet de... Non, la voix, ça va être l'endurance, le coffre. Et là, je regarde Nico, quoi, je fais t'inquiète. Endurance, ok. Tout va bien se passer, Nico. 58, j'ai 60. Voilà. 58, alors, l'interphone remarche à nouveau, et il dit, écoutez, ah, merveilleux, j'ai une petite récompense pour vous. Est-ce que vous pouvez revenir dans 2 heures? Parce que là, je suis occupé, j'ai un gros problème. Ah bah on peut peut-être vous aider, c'est quoi le problème? Il a rebloqué le... Bah on vous sonne. Alors, ça ne répond plus. On passe au-dessus de la... Attention, il peut y avoir des petits systèmes de sécurité aussi. Hein. On ressonne encore. Je peux observer les statues, voir s'il y a un mécanisme sur la porte un petit peu. Oui, fais un jet de perception. Ouais, ça sent la chimère mobile, non? Ou articulée ou... Mais non. Non. Oui, à moins que j'ai un bonus, mais... Non. Bah, et moi, je peux essayer, peut-être. Détection de la magie ou perception? Détection de la magie, c'est instantané. Tu l'as fait déjà ou tu l'as fait hier? Si je le fais, je pourrais plus jamais le faire. Après, Lombax, je vous rappelle que c'est un homme immortel qui s'est relevé de mon snappage de cou, quand même. Moi, je pense que je persiste à dire que tu l'as pas fait dans les règles académiques. Vaut mieux tester, parce que... C'est-à-dire que tout le manoir, tu peux lancer sur une zone, non? Un petit peu. Sur tout le manoir? Ah bah je sais pas. Ah ouais, c'est quoi la zone? Non, mais déjà sur le portail et l'allée qui va jusqu'à là. Non, mais je peux le faire qu'une fois pendant la journée. Non, mais on... Bah, c'est pas grave, tu le fais sur... Oui, bah, vas-y. Est-ce que si je le fais une fois sur tout le manoir, je peux savoir exactement où... Bah, s'il y a un objet magique dans le manoir, tu le sauras. Bah, ça te donnera une réponse positive. S'il y a un objet magique sur le portail, ça te donnera une réponse positive. Okay. Sur le portail, alors. Il n'y a pas d'objet magique sur le portail. On voit pas de mécanique sur la chimère. Fin jet de perception. Je suis nul en perception, moi. 40. Combien? 61. Tu ne vois pas de mécanique particulière sur la chimère. Allez, on ouvre la porte. On commence à escalader la herse et on escalade ou là? C'est une serrure. Est-ce que je peux essayer de savoir si je peux bidouiller un peu la serrure pour l'ouvrir? Moi, je peux essayer. En faisant de la perception. Simplement un jet de bricolage ou tout simplement tu peux avoir la clé dans ton magnifique. Non, fonction cachée, outil. Je peux essayer le passe-partout. Tiens, un passe-partout, vas-y. Je t'ai rajouté une rune. Enfin, oui, là. En plus, tu as une rune, oui, sur ton couteau maintenant. Donc, plus 5%. 55%, du coup. Ensuite, il faudra faire autre chose si ça foire. Ça foire, 80. Il n'y a pas de passe-partout sur le. Mais tu peux bricoler la serrure si tu veux. Bricolage. C'est quand même le couteau multifonction avec le moins de fonctions de l'histoire. À chaque fois, Bricoler la serrure, c'est-à-dire. Bricolage. Tu fais un jeu de bricolage. Il faut que tu bricoles un sophistiqué. Non, pas la peine pour ça. Ça, j'ai pas bricolage. Si tu as bricolage en bas à droite de tes compétences. C'est fonction cachée. Alors juste au-dessus, t'as quoi? Créer une machine? J'ai pacifisme et invention géniale. Invention géniale, vas-y. Je le fais sans bonus. Ça simulaire, exactement. Très bien, on va peut-être y arriver. Oui, c'est bon, 30. C'est bon. Mick trafique la serrure et la porte s'ouvre, sans problème. Voilà.
Bon, bah, let's go. Et là, un terrain de mine. Ouais, un champ de mine. J'avance avec ma serpillière qui fait comme ça devant. Vous remontez l'allée et il y a une porte. Donc, il y a un grand manoir opulent. Il est plus sinistre que celui de Vernabule et la porte est fermée. C'est une porte en bois. Bon, bah, coup de latte. Il y a une gargouille en heurtoir. Ah, ah. Pour la démonter. Eh bah, on tape, non? Il est en train tu de frapper. Pas de réponse. Bah, on. Bah, non, mais on ouvre la porte. Clé, Mick, mais non, mais on ouvre la porte. Elle est pas. Elle, si, elle est fermée pas... à clé. Elle est fermée à clé. Fermée. Ou elle est fermée. Je sais pas, pousse-la. Bah, vas-y, on pousse la porte. La gargouille, j'essaie de voir s'il y a un. Mais non, c'est un heurtoir. C'est vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien d'animé. Il y a pas de. Un jet de perception. Ouais, moi, je veux voir si on bouge et il y a quand même un œil. Vous voyez le mal partout. Bon, ça va, on sait jamais, ça peut cracher du feu. Je pense que là, il y a le mal partout quand même. Oui, 31. Ah. Là, c'est un simple heurtoir en bronze. Voilà, ah, donc je toque avec le heurtoir, rien ne se passe. Mm-hmm. Et on donc, ouvre. Je pousse la porte. Tu pousses la porte s'ouvre en grinçant. Tu veux rentrer? Ah. Mimolin. Serpillère. Ça veut dire quoi, la détection. Donc vous rentrez dans la. Ouais, bah, je vais ouais, avec la serpillère en avant. Donc ça vous rentrez dans le manoir du professeur Lombax. Je vais vous demander tous de faire un jet d'intelligence. Ouh là 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 là. Ah, moi c'est bon ça. On va prendre de la confusion ultime. Je sens mal. 45 sur 80, c'est bon. Réussi. 35 sur 80, c'est très réussi. Ah, je sens mal. Intelligence. Ouais. 40. J'ai 40. Draté. 77. Et toi, Evie? Et merde. 40. 46. C'est réussi. C'est bon, pas des dés qui sont plus lisibles. Vous rentrez dans le manoir du professeur Lombax. Vous êtes au rez-de-chaussée. Il y a tout de suite une immense pièce. Et la pièce est décorée de façon extrêmement morbide. Parce que déjà, il y a des trophées, comme des trophées de chasse empaillés, de créatures inconnues qui sont accrochées un peu partout. Mais il y a aussi des sous cloche de verre, des squelettes de petits animaux que vous ne connaissez pas non plus. Il y a aussi des choses plus morbides comme des squelettes d'humains aux os et aux crânes déformés. Et la chose la plus horrible que vous puissiez voir, c'est qu'il y a un homme scarabée qui a été coupé en deux, mais dans le sens de la hauteur, de la longueur du scarabée, on va dire. Et en fait, ses entrailles ont été mises sous verre, et donc c'est quelque chose qui a affiché... Ah, c'est un plan de coupe. C'est un plan de coupe, exactement, à part que le mec est, on va dire, dans l'uformol dedans. C'est particulièrement horrible, mais vous l'avez... Il est avec nous, le petit... Non, justement, j'allais dire, évidemment, qu'on l'a laissé voilà, jouer avec des balles, des baballes dehors. Vous avez vu. Le pire, hein. Sauf le pauvre Mimolin qui n'arrive pas à tenir le choc et qui perd 2 points de vie. Quoi ? Sous le choc terrible de ces créatures immondes. C'est incroyable, il casse des coups et... Evie, fais-moi un jet de connaissance des secrets. Alors. 6 points. Bah alors, Mimolin, on est fragile ? 48. C'est réussi ? 60, ouais. En fait... Alors, on tient pas ? Il se trouve que comme tu as pratiqué les arts maudits... Ah non, 8, pardon. 0,8 ? Ouais, c'est ça. Ah ah. Je sais pas. Alors, je vais te donner plus d'informations. Ouais. Donc, il se trouve que tu as pratiqué les arts maudits et tu as été très intéressé dans les arts les plus sombres qui existent. Et en plus, au fond de toi, classique. Tu as le dieu du mensonge cosmique qui est au fond de toi. Allez, donc, let's go. Cette espèce de conjonction des connaissances fait que tu détermines que ceci est le produit d'une science interdite qui s'appelle la maranga. La maranga. Maranga. Est-ce qu'on a une chanson sur la maranga? c'est maintenant ou jamais. On n'en a pas, ça? D'accord, c'est pas de problème. La maranga. La maranga est un savoir maudit qui a valu au sorcier de Kniga d'être expulsé de l'Académie des mages d'Aria et de fonder une nouvelle colonie. Mais cependant, c'est un art interdit. C'est-à-dire, qui le pratique, normalement, est exécuté immédiatement par les autorités. C'est un art qui aurait été inventé par le dieu du mensonge cosmique, Ahriman. Cet art consiste à prendre 2 créatures vivantes et pendant qu'elles sont vivantes, en faire qu'une seule, par la chirurgie. On peut fonctionner avec 3-4 créatures. Faire le fameux poulet canard, quoi. Ouais. Demi-poulet, demi-canard. Le taux d'échec est de 99%. Mais la légende raconte que peut-être que les hommes scarabées, les hommes chats et les hommes crocodiles viennent de là. Ok. Voilà. La maranga. En tout cas, tu as découvert ça. Papa. Papa. Les chimères. Ok, bah. C'est des chimères.
Donc Lombax, en fait, est un petit hobbyiste du Baranga. Oui, c'est un genre de docteur Mengele, quoi. Bon. Alors, il y a un escalier qui monte, ou il y a peut-être d'autres choses d'intéressantes. J'ai l'impression qu'il est plutôt à la cave, notre Lascar. Il a plutôt l'air d'être. Il est très occupé, en tout cas. Il nous a dit de repasser pendant deux heures, donc là, il est en train de se torturer. Peut-être qu'il a réussi à faire un truc. Je pense qu'on visite d'abord, ou on va directement... Disons que le petit homme scarabée, vu les bruits, je pense que ça va être dur de le sauver. Par contre, on peut peut-être effectivement fouiller le manoir, non ? Faut le ligoter, par contre, parce que visiblement, il résiste au fracassage de nuque. Non mais attends, la question. Tu peux rester si tu veux. Attends, juridiquement parlant là. Tiens, fais un jet d'intelligence. Evie, elle a compris que c'était interdit par la loi ce qu'il était en train de faire, le mec. C'est exactement ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'on peut. Alors c'est combien ? 71, est-ce que c'est réussi en intelligence ? Sur 70. Dommage, tu aurais pu faire une déduction. Donc ça veut dire que là, on sait que le mec fait un truc qui est répréhensible. Mais c'était 11. C'est pour de vrai, ouais. Non, je te jure pour de vrai. Alors. Ah bon. Peux-tu alors, le relancer 7, alors. Ah d'accord. Bon, 71. C'est sûr que t'as vu un 7. Ouais, moi j'ai pas su voir. Attends, peut-être que le chat avait vu à l'écran. C'est que replay. Instant replay. Est-ce que la régie a vu le jet de dés? Parce que franchement, c'est que là, moi, j'ai du mal à avoir les dés là depuis le début de la partie. J'ai pas bien vu. Non, on les voit pas bien. Aïe. D'accord. Je pense que 71. L'arbitrage vidéo du chat a dit que c'est 11. Le chat dit 71. Bon bah c'est 71. Nous ne saurons jamais. Ok. Veux-tu chercher une cave ou voulez-vous fouiller la pièce ou voulez-vous aller à... Là maintenant on fait quoi? On joue les shérifs ou quoi alors? En gros, on gère ça nous-mêmes dans un premier temps ou sinon on va tout de suite reporter aux autorités. Non mais attends, on a ouvert une porte qui n'était même pas verrouillée. On arrive, on rentre direct sur des trucs, Mimolin, le pauvre, il tient pas, il est pas endurant et tout, bon ben voilà, il tombe dans les pommes. Je veux dire, s'il y a que nous qui savons qu'il y a un truc qui se trame ici, c'est que les autres, ils regardent très mal. Il y a la Elisa qui nous a à la bonne là, je crois, c'est ça. La garde Ouais, la garde que t'as convaincue. Mais c'est vrai qu'on peut pas on peut lui dire cash, expliquer mais... comment on sait ça. Si, on dit qu'on a entendu des cris, c'est la vérité. Mais en fait, la question, c'est on n'est pas les seuls à vivre, à passer dans cette rue. Oui, et ce que j'ai peur surtout, c'est que les Klingayot ont l'air d'être un bon peuple de FDP. Peut-être que ça les choque pas qu'il y a un mec qui fasse une petite magie acolyte dans une terre étrangère. Mais moi, même, je sais que ça semble être un peu expat de force, mais du coup, il peut faire des trucs sur des terres qu'il méprise, ils peuvent faire leur truc pépouse, quoi. En fait, ce qui m'intrigue, c'est à quel moment ce qui se passe ici est en lien avec quoi qu'on fasse. Mais on peut faire une belle action. Voilà, let's go. Tu fouilles ? Oui. Vas-y, lance un jet de perception. Perception. Ça va être chelou ce que tu vas trouver. Alors là, je vais bien regarder. C'est un 68. Oui. Mais change de dé. Et moi, j'ai 70. Il faudra changer de dé, Evie. Mais en tout cas, Evie, tu vas découvrir quelque chose. Tu vas même découvrir deux choses. Cependant, alors que vous êtes en train de regarder ici et là, quand même avec prudence, il y a un escalier qui monte et qui tourne comme ça. Et en haut de l'escalier, juste avant qu'il tourne, rugit ou grandit une créature abominable qui n'a pas de nom et qui est un énorme gorille avec une tête de requin. Pratique. Il vous regarde et il grogne et à mon avis, dans ses yeux, il n'y a pas de l'amour. Donc, que faites-vous rapidement parce qu'il va agir, lui. Comment il fait pour respirer, déjà? Mais il a des poumons et des bronchites. C'est ce que tu fais pendant ton tour, tu réfléchis sur comment il respire. Sors ton fusil, toi. Je rigole ou quoi? Je garde mes cartouches. Mais non, mais sans franchement, et deux paysans en pleine tête et c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, vous avez droit à une chose avant qu'il se jette sur l'un de vous et je vais même prendre un D4 pour savoir quelle sera la victime. Je dégaine mon sabre serpillière, bien sûr. D'accord, s'il saute sur toi, tu l'attaques. Ou alors s'il saute sur moi, je lui fais un entière. D'accord. Mick, tu fais quelque chose ? Un gros point du sabre. Si je me bats avec une arme, je suis nul, donc je vais devoir tenter une esquive et un shoryuken, quoi. Je vais essayer de lui mettre un coup. Et moi, je vais essayer avec mon fouet de lui choper la jambe et de le faire tomber des escaliers. Et toi, Archibald ? Bah moi, je me demande comment ça respire. Non, mais du coup, non, mais je. Tu fais un jet d'intelligence ? Je sors mon fusil. Allez. Ah, prêt à tirer ? Franchement. Ouais, mais en combat à distance. 1, 2, 3, 4. Petit paysan entre les deux yeux. C'est un 2, et le gorille va se jeter sur Mick Givray. Est-ce que tu tires sur le gorille ? Tu voulais mettre un shoryuken, toi, c'est ça ? Oui, mais pour l'instant, voilà. Il fait 2m30, il a une taille de requin, et il a deux rangées dedans. Deux rangées seulement. Oui. C'est pas un vrai requin, c'est une roussette. C'est trois alors. Ouais, le problème, c'est que il va se louper, il va me fusiller, ça va être. Le problème, c'est que ouais, il y a un risque sur deux que. Non, il a pas sauté encore. Non, pas encore, mais. Oui, ok, bah vas-y. Franchement, tu lui mets un Jean-Claude entre combat les. Combat à distance. Ouais, mais combat à distance, j'ai 30. Ah, t'as 30. Un raté. Tu veux pas me jeter vers Evie ou vers moi le fusil là, parce qu'on est mieux. Non, moi j'ai 30. Ça ferait deux tours.
J'ai 50 en combat à distance. Non, non, mais je préfère pas te mettre ce genre de... Mais je vais pas te tirer dessus. Je vais tirer sur le gorille. Non, mais tu m'as l'air un peu... Je te sens un peu vénère. Disons que j'ai le fusil et je n'hésiterai pas une seconde à tirer sur ce monstre. Est-ce que tu veux lui envoyer le fusil? J'ai 50... Je tente à 30. Oui, tu peux lui briser la gueule si tu veux. Mais attends, imagine, tu te tires sur toi-même ou sur nous. Non, mais le problème, c'est que s'il donne le fusil. Imagine, il ne tue pas la bestiole et Mick Givray. Bah voilà. En fait, s'il donne le fusil, non, mais attendez, on perd un tour. Attendez, un gorille. Sera pas tiré, un gorille, ok, c'est un animal qui peut être effrayé. Un requin, c'est un animal qui peut être effrayé. Non. Bon, moi, je suis un gorille requin, on me tire dessus, je comprends pas ce qui se passe, je suis effrayé, normal. Il faudra une suite si on s'en sort, vu que c'est le coup de fusil peut rappeler l'autre. Oh 0-9. J'aimerais ramasser les dents. Allez, pour faire des colis. Si c'est possible. Comment s'appelle la balle? Ah ouais, c'est vrai, il faut lui donner un nom. Non, les 4 balles, c'est le même agriculteur, on va lui donner un nom. Ce sera Raku de Lulu. Ah non, on peut pas. Le mec, il veut faire 4 balles, mais en fait, c'est rentable, un paysan. Eh ben oui, c'est ça. Ah, mais ils ont sacrifié qu'un mec pour 4 balles. Je le dis mieux. Quoi? Mais non. Ah, c'est la même. Ah, c'est le même paysan. C'est qui ça, fait 4 balles. Tout à fait. Ouais. Ah, je crois que c'était 4 paysans. Ouais, moi aussi, t'as peut-être tiré qu'un bras de Raku Lulu. Ah, d'accord. Raku Lulu, en tout cas, la balle. Alors, non, c'est pas une balle, c'est un trait de feu, d'énergie puissante. C'est un gueule, qui te rappelle que peut-être des choses que tu as vues dans ton mémoire génétique, mais peu importe, en tout cas, ça part et ça foudroie la créature homme-gorille qu'on va appeler un citron blanc du nom d'un sub. Hein. C'était un citron blanc et il tombe inanimé à terre. Tu as sauvé la vie de Mick Givray. Mais genre, je lui ai explosé la gueule. Ah non, il est mort, mais il est intact. Vie, ah, il est intact. Il faut récupérer des trucs et tout. Bah, si tu veux, tout à fait. Tu peux récupérer un corps de gorille, une fourrure de gorille, des doigts de gorille. Non, mais les ou dents, des, ouais. Non, les dents de requin. Les dents de requin. Avec dents de requin. Ouais, ouais. Joker, là, comme ça. Ah, on fait un petit collier. Lui, il a le bricolage, il peut faire ce que tu veux. Tu peux me faire un collier, mais pas un collier avec une dent. Tu me fais un collier deux dents. C'est juste de l'assemblage. C'est ça. Ouais, let's go. Faire un petit jet de bricolage. Ouais. Allez. Sinon, il casse toutes ses dents. Attends, faut enlever les. Je prends une boucle d'oreille, moi, dans le requin, parce que du coup, j'ai une boucle d'oreille en main, donc je me suis arraché une cloche. Ah. Il m'a fait 0. Alors, j'avoue que j'aurais aimé utiliser mon 1 pour autre chose. Et... Alors, 0, hein. Attends, tu peux faire vraiment n'importe quoi avec ce collier. Est-ce qu'il a des fonctions cachées Ah oui, d'accord. Par exemple, il peut tuer les pharaons. Il y a des trucs à ressort. Tu peux prendre n'importe quelle dent et l'envoyer en mode psh. À une vitesse hallucinante. Et en plus, la dent de requin, ça, c'est assez réel. Et comme il a fait un 0-1, la première dent de requin qui partira tuera net qui tu voudras. Oh là là, mais je deviens un char d'assaut, c'est incroyable. Ok. Voilà. Donc, okay. C'est comme dans CSGO, la première balle, zéro recoil. Vraiment. From Brice Denis to Rambo, quoi. Voilà. Donc, revenons en arrière pendant que... Attends, il a combien de dents? Il a combien de munitions? Parce qu'il y avait quand même... Ouais, un requin, ça a 300 dents. Un requin, ça a 3 rangées de dents. Il y a vraiment beaucoup de dents. Cela dit, Evie regarde d'un regard méprisant ces histoires de scavenge de citron blanc. Et toi, entre-temps, tu as découvert deux choses. Premièrement, tu as trouvé une petite fiole que tu as rapidement identifiée comme étant un puissant somnifère que le professeur doit utiliser certainement de ses expériences. Et tu as découvert aussi, derrière un fauteuil... En fait, qui n'est pas vraiment un fauteuil, un passage secret qui mène vers un endroit qui descend. Bon. Attendez, ah ouais, donc c'est sûr qu'il est. Est-ce qu'on ne tremperait pas une des dents de requin de ce cher Archibald dans le somnifère? Parce que Lombax, il a l'air un peu invincible. Je fais un appel au chat, je vous en supplie. On est dans un 50-50 parfait, comme Denis Brogniard, égalité parfaite entre deux choix. Est-ce que vous pouvez voter encore? Vu ton premier tir, il touche tout le temps, tu peux viser Lombax et vu qu'on ne peut pas le tuer. Non, il ne touche pas tout le temps, il tue. Oui, mais en fait, l'ombax, il meurt pas. C'est un somnifère sous quelle forme? C'est un somnifère liquide. Voilà, on peut tremper la dent dans le somnifère liquide et paf, tu le shootes avec ta dent. Non, mais pourquoi? C'est mon mouchoir, quoi. Pourquoi tu prends pas ta serpillère, ton épée, tu le trempes dedans et tu le plantes? Ouais, mais je sais pas, le mec, il me fait peur, mais attends, c'est relevé de mon cou. Je vais le mettre un peu sur un tissu. Ma serpillère, la serpillère, ça peut être. C'est genre du chloroforme, le truc? Ouais, ma serpillère. Ah, si c'est du chloroforme, on arrive derrière et hop. Ouais. Mais je rappelle quand même que je m'attends à ce que ça réagisse pas de manière humaine, puisqu'il s'est quand même relevé après s'être fait tordre le cou. Par Remy Molin, il n'est pas immunisé contre le sommeil, enfin, c'est pas... Oui, moi, j'aurais bien voulu endormir à distance, discrètement, il fait un peu peur. Mais bien sûr qu'on descend, on descend. Ouais. Vous descendez un escalier, des marches taillées dans la pierre, puis qui deviennent de métal, et vous arrivez dans une pièce entièrement capitonnée de métal. Dans cette pièce, c'est recouvert de sang. Il y a du sang partout. Il y a une table de métal sur laquelle se trouve une créature moitié homme, moitié scarabée, avec des ailes qui ont été attachées. Mais il a très très mal et il est probablement en train de mourir. Penché sur lui se trouve le docteur Lombax en train de travailler. Et dans un coin, alors vous ne le voyez pas trop parce que la scène est absolument horrible, mais dans un coin, Evie, en tout cas, remarque qu'il y a
un livre. Un livre sur un lutrin, un livre mystérieux, magique et puissant. Et ça direct. La part sombre qui est en toi te dit que ce livre est très important. J'aime bien la part sombre, c'est un peu beau soir. Oui. Là, j'ai un problème, c'est qu'il y a deux choix possibles et le chat, il est à 50-50. Il y a 382 votes, quoi. Mais bon. Ils sont très forts pour faire du 50. Attends, mais c'est un sondage Twitch, là ? C'est un sondage, non, c'est un sondage Twitter en plus. Ah, en plus ? Donc, voilà. Donc, il vous voit arriver, il dit. Vous êtes impatient, vous m'avez apporté le petit. Bon, oui. 10 pièces d'or, ça va ? Attends, comment il nous voit ? Il est penché sur le. Ouais, mais il vous voit descendre, vous descendez, vous marchez. Ah, on est face à lui. Ouais. C'est pour ça que je voulais le sniper de loin avec ta dent de requin. Ok, je pensais que la porte était dans son. Je peux vous payer, ou alors si vous voulez, c'est le moment ou jamais, si vous avez rêvé d'être objet d'expérience, je peux vous greffer des yeux de chat aboyé dans la nuit. Oh, c'est pas mal. Ça vous intéresse, petit ? Un truc à la risée. Ça a l'air un peu expérimental. La créature qui est allongée, qui est en train de mourir, qui est un mélange de Cora et de Mowgli, on va l'appeler Cora. Cora est en train de supplier qu'on la tue parce qu'elle a trop mal et elle veut mourir. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez ces 10 pièces d'or contre le petit ? Le petit, il n'est pas là, de toute façon. Oh, on lui dit, on a ramené l'enfant, il est en haut. Rapportez-le, moi. Ouais, immobilisez-le. Le problème, c'est que si je le tue, il ne meurt pas. Alors, je lui dis, docteur Lombax, est-ce que vous-même, vous avez déjà expérimenté sur vous pour avoir des propriétés corporelles spécifiques ? Et il a un regard un peu étrange, il dit bien sûr. D'accord. Un vrai savant expérimenté. Il s'est mis à quel animal qui peut se. C'est pour ça que je sais que tout est parfaitement sûr, je suis l'un des plus grands pratiquants de mon art. Un animal avec un genre une nuque flexible. Mais vous avez quoi alors ? Vous avez des comme part de créatures en vous ? Un lézard qui peut. Je sais que les lézards, lorsqu'on coupe un de leurs membres, ça peut repousser. Écoutez, je ne vais pas vous donner tous mes secrets. Est-ce que vous me donnez votre enfant contre les 10 pièces d'or ? Est-ce que vous voulez être sujet de mes expériences ? Il faudra payer dans ce cas-là. C'est que l'enfant, en fait, il n'a pas voulu descendre parce qu'il a été un peu choqué. Ou sinon, j'appelle la garde et je vous chasse parce que c'est vraiment des intrus. La garde, elle est au courant de tout ce que vous faites ? Mais bien entendu, je suis un membre respecté de la communauté Kniga, de Kniga à Chaos. Bon, c'est étonnant, il me semblait que cette discipline était interdite. Écoutez, je commence à en avoir marre de vos questions. Je pense que vous n'êtes pas là du tout pour affaire. C'est vrai. C'est normal qu'il en ait marre de nos questions. Et go, on endort. Bah, allez, je tente clé de bras avec chloroforme, là. Tu tentes clé de bras. Ouais. Donc, fais un jet de combat au corps à corps. T'as combien ? 60. Oh, ça va. Ça a mal tourné. 33. Ah. Tu te glisses derrière, alors, surprenant, tu surprends le professeur Lombax, tu te glisses derrière lui, tu commences à faire une clé de bras, et là, tu t'es perçu que son corps était lourd et peut-être un peu plus gros que la normale. Et il déploie d'immenses ailes de chauve-souris dans son dos qui commencent à te déstabiliser. Fais un jet de force pour voir si tu réussis à ça. 35, j'ai 40. J'ai 40, tu tiens le coup. Par contre, alors il va s'endormir parce que tu es en train de lui faire une clé de bras. Il va s'endormir, mais il va cracher de l'acide parce qu'il est aussi sad. Il a des petites glandes qui s'est implantées dans le cou. Ça va partir sur l'un de vous, mais pas forcément notre ami. Il me faudrait un petit dé pyramidal. Oh là là, et ce sera 1, 2, 3, ce sera pour Evie. Il va cracher de l'acide sur toi. Est-ce que tu fais quelque chose ? Tu peux l'éviter. Tu fais un jet de côté, c'est ça ? Oui. Jet de réflexe. Attention. Dextérité ? Réflexe. Petit problème de peau dans 3, 2. Ah oui. Compétence, combien ? J'ai 80. 80, très bien. Ouais. 34. Oui. Evie se met de côté, le jet d'acide part et fait fondre une partie du mur. Le professeur Lombax s'endort paisiblement comme un bébé monstrueux. Et j'endors aussi l'autre, le cobaye, en me disant qu'il va crever dans son sommeil. Quoi. Ouais, ou alors il faut le tuer. Moi je peux faire une. Fais-lui une clé de cou. Une petite clé de cou. Vas-y. Alors tu vois, lance, fais moins de 80. Sinon, il faut abréger les souffrances. T'as le 50-50, le chat. N'oublie pas que dans l'euthanasie, il y a aussi. Le tas. Très bien, très bien. Alors, c'est parti. Il est con. Il baise mal, mais il est drôle. moi, je perds pas des PV en regardant des trucs empaillés. 39. Et tu lui brises le cou. Tu fais une sorte de. Et c'est un petit claquement un peu hybride. Voilà. C'est comme si je claquais. Attends, le cou, moi, je reviens derrière parce que je dis quand même, Mimolin. Je suis pas sûr d'être intéressé par ce détail. On s'assure vraiment qu'il va pas. Est-ce qu'il va pas se réveiller celui-là aussi, finalement, parce que. Ok, moi, je prends le livre. Ah là, faut le ligoter, ouais. Tu t'approches d'un livre qui s'appelle le Codex Sanguis, qui contient tous les secrets de la Maranga. C'est un livre que, normalement, tu devrais brûler sur le champ. Ah oui. Tu le brûles, bien sûr. Ouais, tu le brûles. Tu brûles, non ?
Ah non, alors là, il est hors de question qu'on garde ça. Je fais un petit coup d'œil quand même, c'est inestimable. Non. Ça se trouve, tu vas l'ouvrir, tu vas être possédé, tu vas devenir comme lui. J'en profite pour ligoter avec ce qu'il y a comme équipement dans le laboratoire, pour bien ligoter. Non, mais question, pourquoi on le ligote? Pourquoi tu ne lui fais pas une clé de cou pendant qu'il dort? Parce qu'en fait, ça le tue pas. Bah, t'avais essayé de le tuer une fois. Bon, je réessaye une clé de cou sur lui. Vas-y, fais moins de 80. Moins de 60, mais j'ai un bonus parce qu'il est. Non, mais de toute façon, il est au sol, donc j'ai le temps de bien le faire. Je pose bien les appuis. Vas-y, moins de 60. Allez. Je localise la bonne vertèbre. De toute façon, il dort pour l'instant. 91. Mais putain, tu essayes, mais tu n'y arrives pas. Il y a un truc dans sa physiologie qui fait que tu n'arriveras pas à le tuer. Tu veux tenter de le tuer ? Non, je vais utiliser la fonction cachée, mon fameux petit chalumeau dans mon couteau pour brûler le bouquin. Ah, tu veux brûler le bouquin ? Non, attends. Non, je veux brûler le bouquin. Pour le moment, je le prends dans mon sac. C'est contre tous les principes moraux. Pour le moment, je le prends dans mon sac, ensuite on verra. Attends, on verra plus tard. Alors, il s'approche de ce livre avec ce chalumeau. Et donc toi, tu vas le brûler mais quoi qu'il arrive. Non, mais il y a peut-être des choses qui intéressent. J'envoie la max tout de suite. Zéro question. Alors, il lance son chalumeau sur toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un pas de côté ? Oh la baston. Bah, dans ce cas-là, j'ai de réflexe. Ah non, mais je pensais qu'il était encore à terre. Genre, tu l'as pris comme ça, tu lui fais des câlins à ton bouquin. c'est la déesse du mal. Bien sûr. C'est un 52. Et 59, elle se met de côté, elle dit tu ne brûleras pas. Enfin, tu peux lui dire tu ne brûleras pas ce livre. Attends deux secondes avant de brûler ce livre. Non, mais c'est le mal absolu. Tu veux disséquer des gens ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux faire un homme chat, un homme lapin ? Tu veux te reproduire avec des démons et des lapins maintenant ? Un lapin cosmique. Mais la baranga, c'est pas que ça. Il y a des choses intéressantes. Il y a des savons incroyables. Bien sûr, oui, sûrement sur la cuisson, sur la couture, la fouture de la chair. Non mais c'est n'importe quoi. C'est le mal absolu. Bon. Tu dois lâcher ça. T'as déjà bien assez de pouvoir et déjà bien assez de casseroles au cul. Alors ça suffit maintenant. Mick, il est quand même trouvé. Le mec, c'est un moraliste pacifique. Je vais te donner, mais attends, j'ouvre une page juste pour voir. Tu ouvres la page et le chat a voté. Oh putain. Aïe. Ce livre qui a été écrit par Ahriman en personne. Oh, ça devient la chose la plus précieuse pour toi au monde. C'est mon précieux, ok ? Oh, bravo. Merde ! Mais il y a zéro RP dedans, c'est déjà son précieux de base. Là, c'est grave. C'est-à-dire que tu ne pourras pas dormir tant que tu n'auras pas lu ce livre et tu n'auras pas acquis tout ce savoir, de la maranga. Et plus tard, en plus, il va falloir que tu le confies à des gens éventuellement. Mais en tout cas, sa vie et l'intégrité de ta vie et l'intégrité de ce livre sont liées désormais. Voilà. Sauf si tu te sépares un jour d'Ahriman. Si elle avait foiré son jet d'esquive, on aurait eu cette casserole. Et ça, c'est le chat qui l'a voté 293 voix contre 288. Malheureusement, c'était toi, la magie du grimoire maudit contre la volonté des vies, et tu n'as pas ton libre arbitre sur le sujet. Ça m'étonne que c'était aussi serré, parce que déjà, regardez, elle, dans sa tête, c'est 99% contre 1. C'était sûr. Donc là, j'enlace le livre et je lui dis, mais tu me rouleras dessus avant de l'ouvrir. Et tu vois d'ailleurs la puissance du dieu Ahriman qui parle à travers elle. Voilà. Content de tes nouveaux compagnons ou pas, Nick ? Ouais, moi je commence à être vraiment le professeur, très très inquiet et suspicieux. Le professeur Lomax est quand même à terre bien vivant. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? On le tue ou pas, lui ? Mais ça a l'air compliqué de le tuer, en tout cas sa nuque elle se brise pas. Donc alors on fait quoi ? On l'immobilise, on l'attache ? Faut l'immobiliser. Pourquoi il meurt pas, quoi ? Tu veux faire un jet de connaissance des secrets ? Ah oui, oui. Bah tu veux pas ouvrir le livre et je sais pas, feuilleter la... Ça marche pas comme ça. Ok, d'accord. On le ligota. On le ligote. Est-ce que ça réussit ? Attends, 47. 47. En fait, j'ai compris, c'est des dés illisibles, mais elle les garde parce qu'ils font des bons chiffres. Non, oui, exactement. Voilà. En fait, c'est simple. Alors, Evie, elle l'inspecte, elle voit. Et il s'est greffé un deuxième cœur. Il a deux cœurs. Ce qui fait que quand on le tue, il a une vie à nouveau. Mais vous pourrez. Ça explique pas sa nuque. Hein. Si un jour. Mais si, c'est-à-dire qu'il est mort une fois, son deuxième cœur fonctionne. Voilà. Non, mais il a quand même le cou brisé. Oui, mais sa nuque, quoi. Mais c'est la magie de la maranga qui fait que tu as deux cœurs, tu as deux vies. Ce qui GCM, ok. Exactement, c'est la magie, c'est un monde magique. D'accord. Mais cela étant, vous apprenez quelque chose, c'est que si vous trouvez une pauvre créature innocente, vous pouvez greffer son cœur dans l'un de vos corps pour avoir une deuxième vie si ça tu vous intéresse. Avec 99% de chance d'échec. Peut-être que Evie gagnera une compétence. Il y a beaucoup de gens, quitte à devenir des cartouches, ils peuvent autant devenir des cœurs. En tout cas, il suffit simplement de le tuer une deuxième fois, il est complètement à votre merci, et là, cette fois-ci, il mourra pour de bon. Est-ce qu'on le tue ou pas ? Lombax ? Moi, je refuse de le faire, mais bon, vu que tu veux devenir la nouvelle maîtresse de la chair, tu peux le faire. Tu veux bien récupérer des organes, hein ? C'est le moment jamais, si tu veux. Peut-être que tu auras des révélations hein, quand tu vas lui. Je vais arracher son deuxième cœur. De toute façon, le truc, c'est que là, si on peut-être le laisse. Peut-être faut le manger aussi. Le truc, c'est que quand il se. Ah non, il s'est endormi, parce que l'autre fois, il est mort, il a perdu la mémoire. Mais là, il va pas perdre la mémoire, il sait qu'on l'a agressé. Donc, il va faire tout un tinton dans la vie, ça va être le bordel. Ah, ça va être que des problèmes. Ça va être que des problèmes, s'il reste vivant. À moins que je redevienne pharaon, et là, je change la loi, je l'arrête immédiatement.
Bah, ou alors sinon tu peux le mais déjà dans un premier temps on a qu'à l'accrocher à sa table de torture. Si on s'y met à 4 on va y arriver. Ouais, on peut l'accrocher à sa table de torture. Vous le ligotez à sa table de torture. Et tu veux pas le avant qu'on part? Je peux, j'ai loupé mon jet pour le tuer. Je peux pas le Il faut le tuer d'une autre façon. Ah oui, et je bouge son interphone avec un bouchon de liège. Un simple couteau dans le cœur suffirait. Moi j'ai un poignard. Moi je m'en vais. Moi je vais aller voir en haut. Allez, Mick qui remonte. Moi je suis Mick, ça commence à devenir glauque ici. Et toi Mick, qu'est-ce que tu fais? Tu veux le tuer? Ah non, toi, t'as un sabre aussi. T'as un sabre dans ton... Oui, dans moi, j'aime pas tuer. C'est des fois, bon, il y a une autre partie de moi qui aime bien tuer, mais... On n'est pas allé voir ce qui se passait aussi à la salle d'où venait le shark gorilla, là. Ah, Evie, ouais. Evie est la dernière à remonter. Et en fait, à un court instant, Ahriman prend contrôle de ton corps. Oh, putain. Et il desserre légèrement les liens de Lombax. Et il glisse, il chuchote à Lombax. Il dit, je suis ton seul maître, Ahriman, qui t'a appris l'art de la maranga. Continue ton art, aide des disciples et propage ton art à travers le monde. Je reviens bientôt. Et il te laisse le libre arbitre, tu peux remonter ensuite. Voilà. Tue-le ! Quoi, vous l'avez laissé en vie ? Bah, tu voulais pas le tuer ! J'ai dit, oui, mais pas moi, pas personnellement, parce que je tue pas des gens, et puis j'ai pas envie d'en découper non plus, excusez-moi. Mais vous, bon, voilà, vous, peut-être tuez vous quelqu'un pouvez un de plus ou de moins. Non, mais Mimolin, tu veux pas y aller ? Non, mais Mimolin, il a du mal, le pauvre. Il n'arrive pas. Est-ce que j'y retourne ou pas ? Il snappe des coups quand on le traite de petit ado, de puceau, et là, tout d'un coup, tu es un génie du mal. Non, mais attends, je te rappelle. Ok, j'y vais. Qu'il est vous avez vraiment une morale en carton. Mimala dit, ok, il redescend, alors que le professeur Lombax est en train de se détacher un peu de ses liens. Aïe. Je... Bah, faut aller vite, là. Bon, allez, je me dépêche, je sors le sabre de mon... Combat au corps à corps, t'as plus 20. Combat au corps à corps, bah, j'ai 80. Et ben donc, il ne faut pas que tu fasses 100. Ah bah, j'aime pas quand tu dis ça. J'aime pas quand tu dis ça. Il y a eu des précédents. Regarde, tourne la tête. Non, mais tu ne veux pas rater. Moi, c'est un ratat. Moi, j'avais 99. Il va me porter l'œil. Tu vas faire un succès critique. Mais oui. C'est ratable. Mais bien sûr. Ça va. 12. Allez, hop. Et Mimolin plonge sa dague dans le cœur de Lombax. Et je trouve ça pas très satisfaisant par rapport à snapper un coup, vous voyez. Exactement. Ça me dégoûte un peu. Ouais, mais c'est une chauve-souris. Ahriman est très contrarié en toi, mais... Ah, c'est pas moi qui l'ai tué, donc c'est ok. Mais il dit, ce soir, nous apprendrons la maranga. C'est peut-être la seule victoire du bien de cette session. Mais la session n'est pas encore terminée. Vous enfin, remontez... la victoire du bien, il a quand même transpercé un gars qui était sans défense, je rappelle. Alors, le bien est à géométrie variable ici, monsieur, j'ai l'impression. Oui, voilà. Vous ne regagnez pas des points de vie, mais tout espoir effectivement fait un acte de bien à travers le monde et tuer un praticien de la maranga. Tout le monde, sauf Evie, gagne un point de vie maximum. C'est pas grave, j'en ai déjà beaucoup. T'as vu, elle commence déjà à nous mépriser. Cette enquête a duré longtemps. Est-ce que vous voulez vous coucher ? Est-ce que la nuit tombe ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose cette nuit ou est-ce que... Bah, en même temps, c'est un point de vie max, c'est pas un point de vie tout court. Un point de vie max, c'est-à-dire que tu gagnes pas ton point de vie, mais tu gagnes un point d'accord. de vie max. Moi, j'ai une question, là, les bastos énergétiques de mon railgun, là. Oui. Ça se trouve où, du coup ? Faut que... Alors, peut-être chez ton ami Vernabule, peut-être chez le pharaon, ou peut-être... Tout le monde est tellement d'armes. Dans la pyramide des armes. La pyramide des âmes, c'est une énorme pyramide d'énergie violette qui se trouve au nord du casette du pharaon, qui est un... Comment ça s'appelle l'émission ? Parce que c'est le meilleur sub d'histoire. Le mec, son rôle, c'est munitions. Comme c'est, Raccoon Lulu. Raccoon Lulu. Est-ce qu'on irait pas prendre la pierre Nock, là, dans l'œil de la déesse ? Ah ben, si. C'est dans l'œil droit de la déesse de la magie. Elle est où ? Dans le temple de la magie, j'imagine. Ou dans les ruines Nock. Donc, on est d'accord que le poème que Piranha il a déchiré, il sert à que dalle. La déesse de la magie, qui est exactement ? Parce qu'elle est liée à Tamerlan, ou qui est Tamerlan enfin... Qui est un avatar de Tamerlan. Un avatar de Tamerlan. Donc, on va dans le temple de la magie. Mais sinon, je pense que c'est dans les ruines. Mais Tamerlan, on l'a croisé, non ? Ici. On l'a croisé. Non, quand il on l'a pas recroisé. On l'a croisé au bar. À Chaos ? On l'a croisé sur l'île de la vérité. Ah oui, c'est vrai. Je croyais qu'on l'a recroisé à Chaos. Bon, donc, on va au temple de la magie pour voir la déesse et lui prendre son œil ? Non, on va dans les ruines Nock. Dans les ruines Nock. Bah c'est là où ils étaient en train de creuser. Ouais. Oui, mais il n'y a rien qui dit que c'est eux. Ils creusent là-bas parce qu'ils pensent que c'est Tigaline, machin, je sais pas quoi. Les droits de la déesse ouais. de la magie, c'est... Oui, je suis perdu. C'est une énigme, c'est pas forcément... Oui. On va aller voir la statue de la bibliothèque et let's go. Sinon... Si, je pense que c'est peut-être écrit comme un résidu de la ville, ce truc. On peut... Allez, avant d'aller célébrer, évidemment, ton règne de terreur, on peut passer à... Alors que le soleil se couche et que la lune monte dans le ciel. Ah oui, il y a le prêtre. Alba, tu peux tourner si tu veux. Je pense pas qu'on fera la chanson prévue, mais on la fera la prochaine fois. Non, il y a une chanson prévue, mais on la fera peut-être une prochaine fois. Voilà, mais... Non, mais tu peux tourner de notre côté, comme ça, on te voit, et c'est sympa, tu fais partie un peu de l'aventure. Terrible. Attendez. On doit aller voir le prêtre qui est dans le quartier des pêcheurs. Oui. Il s'appelle mon fils, là. Mais peut-être qu'on va le voir vite fait, là. Enfis.
Ah oui, Yenfis, bien sûr. Oui, allons voir le prêtre au quartier des Attends, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de chanson d'Alba ? C'est un petit spoil. Ici, il y aura une chanson à la fin, une très belle chanson en plus. Mais potentiellement belle. Et en plus, elle a fait une autre chanson très très bien, mais elle ne sera utilisée que la prochaine fois. Voilà, parce que vous êtes passé à côté d'un truc, mais ce n'est pas grave, ce truc reviendra. Voilà. Peut-être Fredo les bonnes affaires. Voilà, peut-être Fredo les bonnes affaires. Donc en tout cas, la lune monte dans le ciel alors que vous sortez du quartier Knigien et que vous vous sentez quand même bien mieux, même si vous êtes dans une terre étrangère. Vous remontez par l'Agora, où les gens ferment la boutique, la guilde des marchands ferme la boutique, l'homme crocodile qui t'avait aidé. Attends, je ne peux pas faire un virage par chez Barnabule pour... Ah, tu retournes chez Barnabule. Ouais, vite fait. Je vous rejoins à la grille. Je vous rejoins à la grille. Je vais voir Barnabule, je fais My Love. Deux nouvelles. Oui. La première, j'ai allumé un genre de singe poisson là, avec votre fusil. Ça ouais. marche du tonnerre. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des cartouches en plus, s'il vous plaît ? Non, faut pas pousser quand même. Ok, ça deuxième, ceci m'a donné vigueur et rage de vaincre. Je vous propose un 7 à 8. Un round. Un 8 à 9, quoi. Ouais, un 7-15 à 8-2. Alors, ouais, c'est ça. Archibald, ouais. Je vous ai dit, je suis quelqu'un d'exigeant. Yes. Vous n'allez pas me décevoir. Parce Absolument que pas. Ça pourrait altérer à vie notre relation. Non, mais là, je suis chaud. J'ai buté un gorille requin, le monde m'appartient. Là, let's go. T'aurais dû boire son sang pour la vigueur. D'accord, alors, vous attendez devant la maison de Barnabule. Putain, le mais malade. Non, mais qu'ils aillent à la grille. T'as combien en endurance? Ouais, mais faisons ça sur l'intelligence. Non, c'est sur l'endurance. Moi, je suis sapiosexuel. Si tu faisais tout au préliminaire, peut-être sur l'intelligence. J'ai 30. Mais ouais, je peux utiliser l'intelligence. Donc, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas en train de grimper l'Everest, donc tu as plus 20. Ah oui. Tu fasses moins de 50. Et genre, avec l'intelligence, je peux pas genre... Non. Le mec, il est en train de demander des performances sexuelles, c'est tellement triste. Non, mais tu vois, genre, en gérant l'angle d'un certain... Mais alors, Barnabule, elle sent que t'es pas là. Elle dit, je ne t'en veux pas si tu vas voir des professionnels qui te donnent des petits... Non, là, je réponds avec un cri bestial. Un petit bonus. Je réponds avec un cri bestial. Et tu la plaques sur le lit. L'homme vexé. 81. Ça dure 2 minutes. Dis-moi que ce cri bestial devient... Alors, ça aurait pu en durer 50, genre Monsieur Peine à jouir, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Elle te regarde avec beaucoup de mépris, d'ailleurs, ça te choque un peu, c'est un peu un traumatisme, il faudrait que t'en parles à ton psy, mais en tout cas, elle te dit tu pourras garder le fusil, par contre, voilà, reviens avec Mick, qui veut bien travailler avec moi si tu veux qu'on se reparle, voilà. Ouais, et elle te met dehors, et voici, elle claque la porte. C'est pas moi le problème, en fait, je viens de... Peut-être qu'effectivement, c'est un sport qui se joue à deux, quand même. Bien. Tu peux me passer mes dés, s'il te plaît, Mick ? Et donc, on va avoir une fille. Alors, vous avez quand même perdu du temps avec ce truc. On a perdu au moins 1 minute. Putain, j'aurais fait 0,7. On a perdu 3 minutes. On a perdu 3 minutes, ça va. Voilà. Et vous redescendez dans le quartier. Vous longez le quartier des moustaches avec ses petites rues, ses hommes-chats, des cris de chats au lointain. Ouais, et vous descendez. Vous descendez. Archibald, il a l'air plus dépressif. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Non, contre-père. En plus, j'aurais pas dit des bonus parce que 2 fois par jour, quand même, à ton âge, mais bon. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais. En gros, tu descends. Alors, là, les maisons d'adobe, qui sont des maisons de boue, deviennent des maisons de bois, des pontons de bois, et même qui sont construites sur le fleuve. Et il y a plein de maisons, et il y a aussi une petite taverne qui s'appelle Chez Pakoukoun, un nom d'un sub qui est un pêcheur qui a ouvert sa petite taverne et qui vous propose des poissons grillés, si vous voulez. Il y a plein de maisons, elles ont les volets fermés à cette heure-ci. Que faites-vous ? Il faut qu'il mange, Archibald, il est pas l'eau, là. Il est vraiment, il est gris. Je sais alors, pas, ça va toi, si Mimolin, depuis que t'es tombé dans les pommes Poisson à volonté, poisson du fleuve des eaux sans fin à volonté, pour une pièce d'or. Il me faut du phosphore, moi, il me faut des électrolytes. Voilà, on peut manger ça, on en profite pour lui demander. Est-ce que vous connaissez, on recherche un Enfis. Enfis, le docteur ? Oui. Oui, c'est un docteur, maintenant. Elle te dit, il est... Alors, Pakoukoun te dit, c'est une femme, une pêcheur, une pêcheuse qui... Une pécheresse, du coup. Ouais, je sais pas si on dit ça comme ça. Elle te montre une petite bicoque, voilà, et qui a une sorte de rideau. En fait, il n'y a pas de mur, il y a un rideau devant. Elle dit, par contre, il n'est ouvert que la journée, sauf si c'est une urgence. Ah oui, c'est une urgence. Quand même. Donc, quand c'est une urgence, bah, n'hésitez pas à aller le voir. Juste, c'est quoi notre urgence, déjà ? Bah, moi, j'ai un démon. Ah, bah oui. Bah, On a une petite urgence, quoi. Il faut vraiment qu'on aille le voir parce que... Bah, on va la voir. Oui. Avec, vous mangez vos poissons, vous allez voir une fille, alors... En point de vie, bien sûr. Oui, tu reprends un point de vie. Allez, plus qu'un parce que t'es tombé dans les pommes dans le hall.
Vous écartez le rideau et voyez Enfys qui a un gros bonhomme avec un pagne, enfin... Je comprends pas, c'est un homme ou une femme, le truc. Enfys, c'est un homme. C'est la pêcheuse qui nous a donné. Ah, la pêcheuse. D'accord. Ok. Qui a un pagne en lin bordé de dorures d'or. Qui a un, voilà. Il se réveille et il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade, c'est ça? Je vais RT, moi, de nuit, oui. C'est plus cher. Non, mais oui. Là, ça peut vous intéresser. Là, on est dans de la parturition d'âme, tout ça, là. Voilà. C'est vrai? Oui, nous avons tous les deux un problème de d'âme en plus dans notre corps. Ah, vous avez la maladie de la dualité? Oui. Ah, mais on ne guérit plus ça depuis des centaines d'années, ça n'existe plus. Ah bon? Ça revient, mais comment faire, alors? Ah, mais je comprends, vous n'êtes pas d'ici. C'est arrivé dans votre pays. Ah ben, c'était arrivé, ça nous a maudits à Chaos, mais effectivement, je suis un prêtre de la dualité, mais je ne soigne plus ça. Et, en fait, j'ai été nommé prêtre de la dualité, c'est un titre, mais on ne peut plus pratiquer puisqu'on n'a plus, la salle du rituel. Elle est où, cette salle du rituel? Elle est comment, surtout, cette salle du rituel? Elle est quelque part dans cette cité. Attends, il réfléchit dans sa mémoire et il dit « Vous me posez… » Attendez, oui, je dois, c'est mon devoir. J'allais vous demander de l'argent, mais c'est effectivement mon devoir de vous aider. Oui. En fait, je sais qu'il existe un livre très spécial et très difficile à lire qui se trouve dans la bibliothèque sur les rites de la dualité. Ah. Et je pense que ça vous expliquera tout, c'est-à-dire où se trouve le lieu et le rite à suivre. Je peux vous aider si vous avez besoin d'aide pour ça, mais je n'en connais pas plus que vous. Est-ce qu'on a un accès libre à ce livre ou est-ce que les babouins vont nous empêcher de lire ce livre? Non, tous les livres sont accessibles. Par contre, je crois qu'il est écrit dans une langue difficile à lire. Puisque mon maître, un jour, s'était renseigné, il n'avait pas réussi à le lire, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Qui était votre maître? Il s'appelait Petit Lui. Donc on est d'accord que vous êtes prêtre de la dualité, sans savoir pratiquer. Alors déjà, le pharaon noir m'a destitué de mon statut, mais les prêtres de la dualité ont continué leur travail de guérison en devenant simplement des médecins. D'ailleurs, je vous dis un petit mot, c'est que je m'occupe gratuitement des enfants malades. Si vous pouvez me donner une petite offrande parce que je vous ai aidé, c'est toujours le bienvenu. Une offrande. Une offrande. En note de frais. Une note d'offrande. Une pièce. Alors, ok, j'en profite pour rappeler au maître de jeu, qui certainement s'en rappelle, que quand on a tué l'autre, là, à la base, il devait nous filer 10 pièces d'or pour l'enfant scarabée, j'ai pris l'argent. Ah non, tu m'as pas dit, je le fouille. Et d'ailleurs, vous n'avez pas fouillé l'étage. Vous pouvez y retourner si vous voulez voir ça. Ah ouais, c'est vrai, ça, on n'a pas fouillé l'étage. Oh, des cons. Mais c'est ce que je voulais faire pendant qu'il y a. C'est vrai qu'on l'a pas fait. Non, mais c'est vrai que Mick l'a dit. Donc, je pense que c'est la faute du maître du jeu. Non, j'aurais dû insister, mais oui, en effet. Il n'a pas vraiment insisté, mais bon. Je lui file les 2 pièces d'or de Vernabule. Merci, sachez que... Ça se défiscalise, ça. Sachez que dès demain matin, j'irai soigner la petite Maggie Engel qui a les oreillons. Voilà. Et ça, ça paiera sa famille, qui est une famille de pêcheurs très pauvres. Ah, ben voilà. Et je leur dirai votre nom, comment vous vous appelez? Je m'appelle Archibald de Brise-en-Choyeur. Voilà. Qui sait, peut-être un jour, vous aurez besoin d'une pirogue. Et pourquoi pas? Il n'y a pas un fleuve à descendre au sud Non, mais en même temps, on a 2 bateaux, les gars. Donc Oui, mais peut-être discreto, je ne sais pas. Ah, bref. Quelle est la prochaine étape alors que minuit sonnerait s'il y avait des cloches dans la ville? Il faut aller à la bibliothèque. Vous voulez fouiller... C'est une 24-24, la bibliothèque? Tout à fait. Ah bah allons-y, allons-y tout de suite. Vous voulez fouiller, et vous voudrez fouiller la maison? Oui. On s'en fout, finalement. Non, il faudra fouiller la maison. Attendez, la bibliothèque est loin de la maison de... Bon, ben on retourne dans le quartier. Non, on n'a pas libre accès au quartier. Peut-être que la nuit. Parce que vous n'avez pas pris, malheureusement, le pendentif autour Il n'a pas de coup, il n'a pas réussi à tuer son coup 2 fois déjà. On a fait n'importe quoi. On a été pris de panique. Bon, on va quand même à la bibliothèque. Alors, ça va, tu te remets vite. Vous retournez vers la bibliothèque et, en fait, alors que minuit et que la pleine lune est dans le ciel, tu entends Ariman qui dit. Le livre que tu dois lire, c'est le Codex Sanguis de la Maranga que tu tiens entre tes bras. Mm-hmm. C'est le seul livre que tu dois lire ce soir. Est-ce que tu obéis à... Si j'obéis pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. La plus grande obsession de ta vie, quand même. Oui, bien sûr, mais... C'est lire ce livre. Le problème, c'est que vous pourrez pas lire l'autre livre, quoi. Pourquoi? On est trop cons, nous, on sait pas lire. Je connais les langues anciennes et... Il est écrit en langue inconnue, l'autre livre. Ok, peut-être qu'elle peut le lire vite et... Bon, on va à la bibliothèque ensemble, quand même. On demande le livre sur la parturition. Oui. Sur les rites de la dualité. Sur les rites de la dualité. Alors, le babouin de nuit s'appelle Epic Eden. Ok, salut Epic Eden. Et Lou Mycroft. Il travaille le jour. Ok.
Tu vois, il y a un respect des conditions de travail. Ouais. Pour un truc 24/24, il est payé en taux nocturne. Ouais, bah, nous servons notre grand maître le pharaon, puisse-t-il régner éternellement. Ah, ah. Intéressant. Ça, c'est pas mal. Ok. J'en ferai des... Oui. Bah, let's go, le livre. Oui, quel livre? Je vous attends. Quel livre? Le livre sur les rites de la dualité. Alors, il va chercher et il dit, je suis désolé, seul Mycroft sait où il est. Et voilà, je savais. Mycroft, c'est un gars sûr, enfin c'est un babouin sûr. Non, c'est juste qu'on se sépare certains livres et celui-là, il est particulier, il est très ancien. Mmh. On ne saura rien avant demain. Bon, bah, on rentre et puis je vais commencer à lire le livre, de toute façon, je suis obligée. Vous rentrez où exactement? Vous rentrez au navire? Non, parce que si jamais quelqu'un utilisait par hasard un chalumeau sur un truc en papier dans un bateau en bois, je pense que ça pourrait prendre des proportions. Il y a d'autres moyens de saboter des livres. Ok. Lui, ça va être la quête de sa vie. Alors, vous rentrez en avion ou vous rentrez ailleurs? Il n'y a aucun moyen d'aller retourner chez Lombax. Parce que peut-être que de la même manière, et Elisa, qui est notre pote maintenant, on lui dit effectivement. En fait, on lui dit on va dans la maison d'un gars où il y a le cadavre dans la cave. On lui dit on retourne, on devait livrer un enfant au professeur Lombax, mais il ne répond pas, donc là on va le voir. Elle nous a dit à toute heure, il faut le déranger. Ouais, c'est vrai, on peut faire ça. Elle nous connaît, elle nous a déjà vu dans le truc. Au quartier Knigien. Alors il y a un garde, si tu veux, qui s'appelle Kamisama, qui est pas loin. Kamisama, très bien. Donc j'interpelle le garde. Je lui dis voilà mon gars. Oui, étranger. Je viens à la demande du grand professeur Lombax. J'ai avec moi cet enfant, donc le pauvre gamin, il est encore debout à minuit, voilà. Le professeur m'a demandé... À cette heure-ci, à 1h du matin? Eh, il n'y a pas d'heure pour la science. Bon, bougez pas, je vais le chercher. Non. Quoi? Non, il nous a dit explicitement, il est occupé, il nous a dit de le rejoindre. Je sais, il est occupé, mais il faut que je... En fait, quand on apporte des gens, il faut que j'appuie sur l'interrupteur, que je lui demande, donc ne bougez pas, vous occupez pas, je fais ça tout le temps. Ok. Il s'éloigne. Merde. Quelle idée à la con. Il revient dans 10 minutes. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou... Lui, il s'éloigne. Il ne faut pas qu'on passe. Si on s'en passe, il y a un piège. Il s'éloigne. Mais il y a le robot qui... Oui, il y a le robot qui nous tège. Alors on peut rien faire. On essaye quand même. Dans 10 minutes, il sera de retour. Si on passe sans médaillon, on se fait défoncer. On ne peut pas faire genre une roulade, le pénitent le passe, tu vois. Vas-y, fais la roulade. Alors, moi, je ne suis pas roulade. En roulade, j'ai un score de merde. Sinon, il n'y a pas des gens qui traînent avec un médaillon. Courir sauter. C'est quoi? Courir sauter. Ah, c'est pas ton truc, ça. Ouais, moi, rien n'est mon truc. On va à part mentir. Je peux pas mentir au truc. Attendez, j'ai le saut de grenouille qui me permet de sauter par-dessus la muraille d'un coup. Ah, mais voilà! Tout à fait. Let's go! Grenouille jump. J'ai le saut de grenouille. Attendez, excusez-moi, il est 2h du matin, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Non, il est minuit. Et du coup, c'est très con parce qu'il est parti, l'autre, quoi. Il y va. Vas-y, let's go. Oui, il y va, quoi. Mais non, non, il y va pas. Non, il va l'appeler. Il va l'appeler à l'interphone. Ah oui, mais du coup, il va rentrer chez lui pour voir si il y a personne. S'il a pas de réponse, il va se casser, c'est vrai. Bah oui. Vas-y, let's go. C'est indexé sur mon saut normal, mon saut de grenouille ou pas? Y a pas de saut. Enfin, tu passes sans problème par-dessus la grille. Allez. Il fait un premier saut. Le voici dans la cité Knigen. Cool. Vous n'avez pas le saut, vous avez autre chose avec les pouvoirs. Mais non, mais là, toi, tu vas chercher. Non, j'appuie sur le bouton d'interrupteur. Quel interrupteur? Et le bouton qui permet de laisser rentrer les gens. Le problème, c'est que sur le chemin du retour, tu vas croiser Kamisama. Mais non. Ah oui. Non, mais Kamisama, il est parti dans le compound d'expatriés racistes, oui. Là. Moi, je viens de sauter juste la petite barre, juste appuyé sur l'interrupteur de l'entrée. Oui, mais après, quand on va repasser. Il n'y a pas d'interrupteur de l'entrée. Il faut juste le médaillon. Non, mais qu'est-ce qui désactive toi, le bordel? Toi, si tu sautes là, ton but, c'est d'aller. Un pendentif que. Non, mais quand Elisa nous a fait passer, elle a désactivé. Elle a fait une passe magique. Oui, elle a fait une passe magique. Ah, il est bon ce MJ quand même. Bon, il n'y a pas de passe magique. Attendez-moi 2 secondes. J'y vais. Tu vas fouiller sinon, chez l'autre. Des médaillons. Oui, t'évites. Tu voles le médaillon. Alors attends, Mimola, c'est important. Médaillon. Oui. Les 10 pièces d'or, t'oublies pas, s'il te plaît, c'est important. Ah oui, c'est vrai. Et tu vas à l'étage, là où il y avait le gorille requin, là, et tu regardes s'il y a des trucs. Je suis nul en. En gorille requin, en perception. Bon. Je m'avance. Tu arrives devant la demeure du docteur, du professeur. Discretos. Feu professeur Lombax. La porte est ouverte. Est-ce que Camille. L'air, c'est ouverte. J'avance vers la manoir. Elle referme tout, hein. Discrètement. Non, parce qu'en fait, il ne faut pas voir que la porte a été refermée, parce que je pense que c'est Kamisama qui a ouvert pour entrer. Non, mais ça veut dire que lui, il va te chercher jusque chez toi, dans ta cave. Tu approches de la porte, tu pousses la porte, et là, tu as Kamisama de dos, qui est en plein dans le salon, et qui dit Professeur Lombax, bah oui, je suis inquiet, votre air s'était ouverte et vous ne répondez pas. Il y a peut-être un cadavre de gorille. Mais après, c'est parti des autres horreurs. Il est en train de fouiner d'ailleurs vers le passage secret que vous avez laissé ouvert. Alors attends, question. Et vous voyez qu'il y a des traces de sang sur le sol. Non mais normalement il a un gorille requin de 230 kilos qui est mort devant lui. Vous m'obligez pas à tuer là. Alors, non, sors de là. Non mais attends, question. Tu sais, de toute façon tu deviendras une ordure quoi qu'il arrive. Non mais moi je ne sais pas. Est-ce que lui quand il rentre dans le logement, il est choqué comme Mimolin a été choqué ou pour lui c'est juste un mardi soir? Non, on ne sait pas parce qu'il était déjà là. Mais ils savaient tous ce qu'il faisait. Bon alors il descend.
Pour l'instant, il descend pas. Il est en train de dire, mais il y a des traces, plein de traces de sang, plusieurs traces. Là, il a le point d'exclamation au-dessus de la tête. Voilà. Putain, je peux pas. Non, c'est le moment de lui niquer la nuque. Oh non, je vais pas le tuer. Ah bah écoute. Pourquoi tu dis, mais non, il peut partir et revenir nous retrouver. Non, non, j'attends qu'il descende dans le. Tu vas faire un jet de discrétion alors. Est-ce que tu te sens capable? Tu veux refermer le passage? Non, je veux pas faire de jet de discrétion. Je vais faire autre chose. D'accord, tu vas faire quoi? J'ai 10 en discrétion. Ah 10. C'est pas mal, hein, 10 quand même. Ratable. C'est mieux que zéro. Ah non, c'était un truc qui m'avait fait regagner des points avec ma quête. C'était la discrétion, non? Bon, j'ai pas beaucoup. C'est quoi? Je vais arriver. Est-ce que je peux essayer de l'intimider? Parce qu'en plus, je suis très fort en intimidation. Mais attends que j'ai le pharaon. Non, mais attends, tu veux l'intimider et après, mais, il va se passer quoi? Oui, après. Autant le tuer. Hein. Casse-toi. Un truc un casse-toi peu... et ça va marcher. Non, mais la dernière fois, je vous rappelle quand même qu'il y a un quartier antique qui s'est agenouillé devant moi. Il n'est pas quiote. Merde. Stacknigien. Ah, ils ont des leurs propres okay, armes et tout. Je peux essayer de l'assommer dans le dos, vu que je suis très bon au corps à corps, je suis dans son dos. Oui, c'est vrai que t'es pas obligé de le tuer. Tu me donnerais en plus 20% par exemple de bonus. Non, tu vas faire un jet en combat au corps à corps. Oui, avec un petit bonus parce qu'il. Allez, plus 5%. C'est bien parce que t'as négocié en hommage à Derry qui négocie tout le temps. J'ai 85. Ça va, franchement. Le mec. Bon, 85 bah, ça va, attends. C'est ratable. Tu le réussiras pas. Non, mais dites pas ça, vous me portez l'œil. Vous c'est ratable. Il n'y a aucune pression, c'est bon. Voilà. 36. Voilà. Et Kami-sama tombe à terre dans vos traces de sang, complètement assommé. Ok. Et il n'a pas vu son agresseur. Parfait. Donc, je descends immédiatement dans le laboratoire du professeur Lombax. Tu descends dans le professeur Lombax, tout à fait. Ok. Je vois le professeur Lombax, je loot le professeur Lombax. Alors, sur lui, il a un pendentif qui permet de passer les portes de Kniga. Je le prends, évidemment. Et 10 PO. Important. 50 oui. pièces d'or. 50 pièces d'or. je prends tout cela. Il a également, des scalpels qui sont des outils perfectionnés pour pratiquer l'art de la maranga. Si quelqu'un veut pratiquer l'art de la maranga, il utilise ses outils, il a un bonus de 10%. Ah bah génial. Ah. Du coup, ça devient une boucherie, mais à 11%. Ah oui, au lieu de 1%, c'est pas mal. Moi, j'avais plus de PO, j'aurais 50, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose autour encore dans le laboratoire? Il y a des restes humains et inhumains. D'accord, il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait, non. Je remonte immédiatement. À l'étage. Je regarde la pièce dans laquelle était le gorille requin. Alors, Evie a déjà fait... Ah, il n'y avait rien là-dedans? Elle a trouvé un somnifère. Ah, c'est vrai, il n'y avait rien d'autre dans cette pièce. Alors, il n'y avait pas une autre pièce. Ah, c'était la salle du haut, ça? Non, c'est la salle du rez-de-chaussée. Après, non, oui, la salle du haut, alors je vais dans la salle du haut, en cours. Tu vas à la salle du haut. J'ai de perception. Alors, à la salle du haut, il y a une très, très grande salle de repos avec un grand lit et qui donne, avec une grande vue qui donne sur le nord de la ville. C'était vraiment son garde du corps. Ouais. Je perceptionne. Tu as combien? J'ai 40. 58. 58. Il y a peut-être des choses très précieuses, magiques ici, mais tu ne trouveras pas. Alors, ce que je fais, c'est que je vais immédiatement voir le garde, je le ligote. Prends-lui son pendentif aussi. Je prends son pendentif, je le ligote. Tout à fait. Il a également un sabre, si ça t'intéresse. Je prends tout. Tu prends ? Je prends tout. D'accord. Okay. Sabre et pendentif. Médaillon x2. Ok. Donc là, maintenant, nous, il nous file des pendentifs, on peut rentrer. Je reviens en courant vers mes compagnons. À l'étage. Ah ouais. Je lance deux médaillons par-dessus le mur. J'ai deux médaillons pour trois personnes, parce que moi, je suis déjà de l'autre côté. Et qui rentre? Moi, je vais faire une perception. Moi, je rentre. Il va se réveiller entre-temps, hein, le garde. Non, mais j'ai ligoté. Oui, mais il va se réveiller. Oui. Non, mais il a peut-être bâillonné les yeux, je ne sais pas comment on dit. Alors, tu vas re-rentrer. Oui. Le garde va se réveiller. Ah. Et il y a 50% de chances qu'il te voit. Mm-hmm. Est-ce que tu veux faire... T'as une stratégie particulière? C'est la nuit. Je vais me fondre dans l'ombre, déjà. Ouais. Et je vais lui remettre un petit coup de somnifère. Tu aurais tellement pu utiliser ça pour rentrer. C'est vrai. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Oui, mais le truc, c'est peut-être que... Je ne sais pas si le truc se déclenche à la présence, juste. Bon, mais en tout cas, tu te fonds dans la nuit. C'est un G, ça, ou pas? 80. Vas-y. Ratable. Ratable. 20 et quelques... 23. Evie se transforme en ombre alors qu'elle est de plus en plus possédée par le pouvoir d'Ariman. Et tu vas rentrer, tu te glisses dans la salle du haut et tu vas faire un jet de perception. Oui, tout à fait. Et moi, je suis derrière, hein, du coup, je l'ai 70. Suivi. Hein. Ah, donc toi, t'es assez dehors, du coup. 10. Je commence à être écœuré de ce groupe. Et j'ai 70. C'est bien, c'est fini. Tu te trouves, excuse-moi, j'ai un... Oui. Alors, pendant que tu réfléchis, j'en profite pour dire, vas-y. Monsieur Givré, j'ai trouvé des outils qui pourraient vous intéresser, c'est des outils de précision, et je lui envoie les scalpels par-dessus le mur. Ben non, tu peux sauter. Enfin, je peux sauter, ouais, de l'autre côté, voilà. Ah, en fait, bon, je préfère faire ça que tu me balances des scalpels à la gueule. je lui donne des scalpels, en tout cas, que j'ai trouvé. Tu trouves
un artefact aussi rare que compliqué à transporter. Et à un moment, tu t'es dit, mais c'est pas possible, c'en est un. Tu en as entendu parler dans tes études magiques. Aïe, aïe, aïe. C'est un grand miroir qui est grand comme un homme, qui est un peu fin. Et il a cette particularité que tu peux le traverser. Et quand tu es dedans, bah, tu es dans une autre dimension, d'une certaine façon. On n'a pas déjà vécu ça. Non, mais ça, c'est une dimension de poche. C'est-à-dire que tu peux te cacher dans le miroir de cette façon et tu peux revenir à l'extérieur. Ah, ouais. Mais quand tu rentres dedans, il n'y a rien. Il y a juste du blanc à l'infini et il y a juste cette sortie-là. Oh, c'est Matrix. Par contre, il est grand, il faut se trimballer. Voilà. Par contre, il y a aussi cette idée de si tu mets quelqu'un dedans et que tu casses le miroir, la personne reste prisonnière à vie et pour l'éternité. Prends le miroir, ça pourrait peut-être servir. Ouais, mais c'est grand, c'est difficile à transporter. C'est grand comme un homme. Mais c'est hyper... Oui, non, c'est... Faut se trimballer. Tu vas apprendre, ça. Mais non, mais il y a des poignées. Il y a des poignées. C'est un miroir qui tient avec un cadre en bois. Voilà, très bien. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. Quoi ? C'est surpuissant. On pourrait le montrer à Vernabule. Hein. Ouais. Ah, ouais, très bonne idée. Bon, ouais, ok, j'essaie de le prendre. J'espère que personne ne va me voir. Je redeviens l'ombre en le prenant. Oui, alors tu redeviens heavy et tu le transportes. On va dire que tu as 80%, non, 90% de chance de ne pas le casser et de le ramener à tes amis. Par contre, attends, la surface utile à l'intérieur du miroir, c'est combien ? Infini. Infini ? Vas-y, mets le garde dedans, mets le gorille, mets tout ce que tu veux. En fait, mais non, mais tu peux mettre du mobilier, on s'en fout, tu ramasses tout. Ils peuvent ressortir, les gars. Il faut que c'est quand même la taille du miroir. Elle c'est large comme un homme. Non, mais je peux faire passer une chaise, par exemple. Mais pas un piano. Mais c'est elle qui décide des entrées et sorties, du coup ? Oui. Enfin, c'est n'importe qui, en fait. Ouais, n'importe qui. Oui, mais un piano, ça bouge pas. Parce que j'ai. Ah oui. Mais tu veux qu'on en fasse notre. C'est bon, on a inventé le sac. C'est un coffre. On a un coffre de Resident Evil. Sauf qu'on a inventé le coffre infini qui peut se refermer sur nous en cas d'accident. Ouais. Ouais, mais en attendant, on peut stocker des trucs de ouf. Et qui peut se péter à tout jamais avec toutes nos... Ouais, mais après, Mick peut réparer les miroirs. Bon, pendant qu'ils font tout ça, moi, je détruis les outils parce que je les identifie aussi. Enfin, je vois, je comprends. Attends, t'es aussi passé ? Je comprends ce que c'est. Non. Moi, je suis en il a sauté, il m'a filé les scalpels. Je te donne des bons outils pour que tu puisses travailler avec, non ? Non, mais c'est des trucs de boucher charcutier de l'autre. ça va plaire à Evie et j'ai pas envie de ça. Lance les dés et fais moins de 90. Regarde bien. Il va devenir Igor en main d'argent dans 2 secondes. 39. Les outils sont détruits à jamais. Tu as fait un acte de bien, bravo. Donc ça veut dire que là, avec le... Le chat est en feu parce que normalement, il y a une malédiction de Luminis qui t'empêche de faire ce que tu as fait tout à l'heure. Ah bon. Mais bon, je suis désolé, le chat, j'ai oublié. C'est une erreur de ma part. Bon. De toute façon, je lui aurais fait faire un jet de discrétion. Ah oui, mais peu importe, on va pas retourner en arrière. Tu pourras plus utiliser mes pouvoirs. Mais par contre... Ah ouais, c'est vrai. Du coup, là, sans les outils, la maranga, c'est fini. Mais c'était qu'un jour. Si, les outils, ça donnait juste 10%. Bah oui. C'était pas temporaire, genre une histoire de un jour ou machin. Je ne sais pas. En tout cas, l'important, c'est que tu fais quelque chose avec ce miroir ou pas, à part le transporter. Vas-y, bah donne-le moi. Bah, je le ramène. Allez, vas-y, lance CD, fais moins de 90. 31. Elle revient, elle ramène ce miroir incroyable. Est-ce que, et elle vous en explique la puissance. Question, le miroir de Evie, là, tu veux que je te le porte ou pas ? Ou tu le gardes ? Bah, on pourrait enfermer Vernabule dedans, on va faire. Alors déjà, est-ce qu'on peut le rendre unique ? Et deux, est-ce que tu peux lui mettre... Des bretelles ? Ou alors, tu vois, un côté genre protection Gorilla, tu vois, Gorilla Glass un peu, pour le rendre encore plus résistant aux rayures et aux scratchs. Non, parce qu'il faut qu'on puisse le péter. Bah... Moi, je sais pas si je peux vraiment pimper un objet magique, quoi, ça me paraît. Non, mais si tu peux mettre des bretelles pour le porter comme un sac à dos. Déjà 3h du matin, hein. J'espère que vous avez un projet pour avoir votre 7 heures de sommeil pour être en forme. Vas-y, on va dormir maintenant. Prenons une chambre quelque part. Allons au palais. On peut dormir dans le miroir, les gars, c'est incroyable. Mais non, si quelqu'un casse le miroir pendant qu'on dort dedans, attends, ça jamais. Jamais. De la vie, je mets le pied là-dedans. Jamais. Mais en plus, c'est tout blanc. Comment tu dors ? C'est tout blanc, c'est tout lumineux. Alors, vous allez dormir où ? Dans une auberge. Il y a auberge, il y a le dans le manoir de. Mais non, mais ça va pas, non. Il y a Camille Samak qui va se réveiller un moment, il va hurler. Ah oui, c'est vrai. Merde. Bon, non, on va dans une auberge. Avec on part Camille du Samar, quartier Knig. Il est ligoté. Et il va hurler dans le miroir, on s'en fout, ça fait pas de bruit. Ah, mais ça va être votre stockage de cadavres, parce qu'il va mourir à l'intérieur. Mais non, mais on va le sortir. Mais attendez, n'importe qui peut sortir, s'il se réveille, il sort. C'est ça. Oui, mais il est ligoté. Oui, mais il est ligoté. Donc non, en gros, votre plan, c'est quoi, quoi c'est de le laisser crever à l'intérieur. Mais je comprends pas ce que c'est ton plan. Moi, c'est horrible. Combien de morts par jour ? Combien de morts faudra-t-il ? Mais non, mais je voulais pour tester. Que vous compreniez. Je voulais tester si ça fonctionnait. Toi, tu peux trimballer avec et tout. Et moi, je repasse une tête dans le miroir. Je vois que le mec, il est toujours ligoté. On va pas mettre un mec qui gotait dans le miroir. Je le sens, on s'en fout. Si Archibald passe une tête dans le miroir, que quelqu'un brise le miroir à ce moment-là. Décapitation. Non, moi, je rentre dans le miroir, je sors le prisonnier. Mais il était jamais dedans. C'est toi qui l'as mis dedans. Bah oui, non, dedans. C'est Evie qui peut le mettre. Elle a décidé de pas le mettre dedans. Il n'y a pas de prisonnier. Ah, il n'y a pas de prisonnier. Bon, bah, c'est bon. Bah, alors, donc, moi, je rentre dans le miroir et je m'assois.
ne cassez pas le miroir. Ça serait vraiment confortable. La fin du... Parce que moi, je suis Archibald, j'en ai plein le cul de marcher. On n'a pas arrêté de cavaler toute la journée. Donc là, on retourne à l'auberge ou au bateau, où vous voulez, mais moi, je marche plus. À chaque fois qu'on transporte le miroir, il faut faire un jet, il faut moins de 90%. Mais t'es fou, toi. Parce que on est dans un monde médiéval fantastique, on ne transporte pas des miroirs sans les casser dans la nature. Attends, c'est des miroirs qui sont plus solides que des miroirs Ikea. Ah non, non, est-ce que tu peux renforcer le cadre du miroir, s'il te plaît? Ah, là, je me loupe et ping, voilà. Je te défense. Alors, sors du miroir, on va le renforcer. Mais vous n'allez pas faire ça devant la cité de Kniga, quoi. Vous retournez au bateau? Dormons près de la bibliothèque. Non, on va dans une auberge. Près de la bibliothèque, on va prendre une chambre. Alors, il y a une bibliothèque. Alors, l'auberge la plus proche, c'est dans le quartier des Moustaches, donc il faut. Non, il y a une auberge de luxe à Attends, j'ai une à question quand même. Si attends, j'ai une question. J'ai une question sur le moteur physique. Qu'est-ce qui se passe si je pose le miroir à plat, oui, et je saute dedans? Et ben, est-ce que je tombe à l'infini dans un non, truc? Non, 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 c'est comme dans Portal, la gravité, elle est... Ah, elle revient, elle reset. Ok, d'accord, parce que sinon, ça serait un piège incroyable. Donc, excusez-moi. Par contre, si t'avais deux miroirs comme ça et comme ça... Chez Nevoz, une énorme, alors une opulente, un hôtel de luxe pour étrangers qui est en face de l'ambassade, ou chez Miaou Miaou, une gargote nulle dans le quartier des Moustaches. On va pas aller chez Miaou Miaou, même si le nom me plaît. Parce que chez Nevoz, ça va vous coûter 3 pièces d'or. Tu lui as dit ça va, on peut se permettre 3 pièces d'or. Tu as gardé ton petit secret. Ah non. En fait, 3 pièces d'or, moi, j'en fous de l'argent. J'ai récupéré 50 pièces d'or. Bon, alors voilà, on peut faire. Donc 50 pièces d'or. Fais-t'on ça. J'ai essayé d'en donner. Attends, mais tu sais ce qu'on fait? Attends. Génial. Oh non, il va faire un truc avec le miroir. On rentre tous les trois dans le miroir. Elle se présente seule. I'm sure pour un. Non, mais c'est pas la prison éternelle pour grimper 3 pièces d'or. Mais non. Mais c'est une super idée, c'est incroyable. Non. Vous rendez pas compte de la puissance de ça. Ça va être comme la pierre de TP, ça va être parfait. Ouais. Et il lance les dés, il fait plus de 90 et vous êtes et on meurt tous. Bah, c'est ce qui va nous arriver. Autant qu'on fasse des expériences. Écoutez, moi, je veux bien prendre la chambre, vous allez dans le miroir si vous voulez. Ce que je fais, c'est que je garde 10 pièces d'or, je donne 10 pièces d'or à chacun de mes compagnons. C'est pas 3 pièces d'or par personne, c'est 3 pièces d'or pour tout le monde. Oui, ça va. C'est pour okay. tout le monde. Et si jamais on se met tous dans le miroir. Ouais, ok, d'accord. Alors coup, vous rentrez. Je te donne 10 pièces d'or. Ah, je te donne 10 pièces d'or. Je te donne 20 pièces d'or parce que c'est comme toi qui nous a régalé depuis le début de l'aventure. Ça fait 10. C'est bon, on a 50 pièces d'or. Tu peux être juste. Alors, moi, je m'en fous de l'argent. Prends. J'imagine que vous allez tous dormir sauf Evie, malheureusement, qui va devoir lire ce livre sur la maringa. Nous, on est d'accord. Bien sûr. Ah, je suis obligée. Je suis vraiment. Normalement. Tu veux résister? Tu veux pas le faire? Bah, si je résiste, je meurs, non? Non. Non, mais. Bah, je résiste un peu. D'accord, fais-moi un jet d'intelligence. Est-ce qu'en attendant, on peut récupérer des points de vie? Parce que les lits sont bons quand même. Oui, toi, tu fais une bonne nuit de sommeil? Ouais. Tu gagnes un point de vie. Hein? Ouais. Moi, j'essaye quand même, parce que ça m'intéresse. Ah, en même temps. De foutre un oreiller dans le miroir et d'aller dormir dedans pour voir. D'accord. Et bah, tu dors dans le miroir. C'est un peu compliqué parce qu'il y a. Mais tu fais ça. Alors, on est en chambre séparée ou? Non, vous êtes dans une grande chambre avec suffisamment de lits et de canapés pour dormir. Alors, j'ai une question. Si je prends le miroir et que je le mets face contre le mur. Eh ben, il peut sortir, mais il poussera le mur. Oui, il poussera le mur. Il poussera le miroir qui peut tomber. C'est vraiment un connard. Je fais pas, je fais pas, mais... Quoi, t'es allé dans le mur? Quoi, tu dors dans le miroir? Ouais. Et si je raye le miroir, est-ce que s'il en ressort, il a la gueule rayée? Tu veux tenter? Non. Moi, je vais lutter un petit peu contre le sommeil et attendre que tout le monde dort. Tu fais ton jet d'intelligence ou pas? Moi, je m'endors comme un bébé. Non, au final, je suis trop curieuse. D'accord. Je lis ce livre. Donc, fais-moi quand même un jet d'intelligence pour que tu le comprends bien. Incroyable. C'est 70. 78. Alors, tu es diabolique, mais tu n'as pas une intelligence. Et même si, alors, tu aurais pu avoir Maranga à 100%, parce qu'en toi, il y a quelqu'un qui le comprend. Je veux pas essayer de saboter sa lecture. Ah, tu veux essayer de saboter sa lecture? C'est pour ça que je voulais rester réveillé. En gros, pendant qu'elle le lit, qu'elle est absorbée dans son livre. Elle est en train de le lire. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Quand elle va être absorbée dans son truc, je vais utiliser le fameux encrier de mon couteau caché. Essayez. Ah, il va saloper les pages. De complètement bousiller le bouquin. Ah, vas-y, est-ce que tu as la fonction cachée en crier? Bien sûr, 50 plus 5%. Grâce à toi, ce plus 5% va être décisif. Ah, la rime qui va avec. 0, 0, 100. Non. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais casser le miroir. Non, il va écrire des chapitres en plus de l'art du mariage. Alors, ton intention était de saloper voilà, le exactement. Le donc, sang. En fait, le sang tombe, l'encre tombe à foison sur le livre et en fait, réactive, grâce à la magie d'Ariman, les runes magiques pour rendre le texte parfaitement compréhensible. Et au lieu d'empêcher Evie de comprendre ce truc, elle le comprend parfaitement et ça rattrape son jet. Et donc, tu as Maranga à 80% désormais. Le mec, il s'est saboté son sabotage. Incroyable. Il s'est saboté. Oh là là, j'ai fait mais c'est incroyable. Et en plus,
cette puissance magique te donne tellement de... C'est comme si tu avais passé une bonne nuit de sommeil. Mais j'ai fait un tu travailles le matin avec une aura plus maléfique que jamais et capable de faire les pires exactions possibles. Tu es désormais maîtresse de la maranga. Tout ça pour mourir. Mais pourquoi on essaie de se débarrasser de Vernabule ou du pharaon alors qu'on a quelqu'un ici, visiblement, qui est le mal absolu, le mal incarné. Mais pas du tout. Ouais, parce que le mal, c'est relatif. Moi, franchement, je veux juste tuer mes coups d'un soir. Hein. Franchement, je suis mignon à côté, tu vois. Voilà. Le tavernier. Alors, tiens, on va prendre un employé de Nevos qui s'appelle Dick Dick des Bois. Vous se permet de vous apporter un petit déjeuner au matin. Voilà, donc vous mangez tranquillement. Il a un peu peur de toi parce que t'as une aura maléfique. On reprend un point de vie. Le déjeuner était vraiment. Non, et c'est le moment de. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, à un moment, il faut quand même qu'on avance. Donc, on fait la bibliothèque, mais après, on va au palais. Pourquoi ne pas aller au palais? Il faut qu'on aille voir le livre sur la dualité. Oui, on va à la bibliothèque, c'est ce que j'ai dit. Mais après la bibliothèque. Et puis, tu te rends compte que dans ce miroir, tu peux mettre des livres. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce miroir, vous pouvez mettre 72 mecs, que vous mettez des soldats, par exemple. Après, vous offrez le miroir à quelqu'un, il y a 72 gars qui sortent, ils sont dans le château, ils peuvent tuer qui ils veulent. Mais c'est incroyable, ce miroir. Il y a des stratégies à faire. Mais c'est le miroir de Troie. Il ne faut pas le casser. Il ne faut pas le casser, c'est le seul problème. Ou alors, vous êtes poursuivi par quatre gardes et vous avez habilement placé le miroir. Exactement, c'est à ça que je pensais. En tout cas, tu devrais renforcer le miroir. Est-ce que je peux le faire? Mais non, regarde, le miroir est magique. Mais le cadre n'est pas magique. Pourquoi tu ne crées pas, genre, un volet de protection qui s'ouvre et qui se ferme devant le miroir? Comme ça, au moins... Ah oui, ça peut se faire. Voilà. Un jet de bricolage. Tu vois, regarde. Tu peux rendre runique le cadre pour, je sais pas, rendre le miroir. Je dis ça... J'ai déchiré discrètement des draps pour faire un petit peu des lacets. Enfin, on débloque un peu tout pour faire un volet mécanique, un petit peu. Ouais. Tranquille, quoi. Un truc un peu... Okay. T'appuies sur un bouton, ça fait clac, clac, tu vois, un peu... De toute façon, impossible de faire sans. 98. Tu sais, bon, t'es sorti? Okay. Alors, le miroir n'est pas cassé. Par contre, l'invention est tellement une catastrophe et tu as fragilisé le miroir. Donc maintenant, quand on le transportera, c'est pas 90, mais 80%. Oh là là. D'accord. Et en plus, il est impossible d'intervenir sur ce miroir à nouveau, sinon il se cassera. Très bien. Et merci. Merci pour tout. Ah non, mais moi, c'est bon. Maintenant, il est incassable. Tu peux y passer toutes tes nuits. Non, avec Evie. Allez-vous voir. De préférence. Allez-vous voir Mycroft. Et pas lui. Allez-vous voir Mycroft le babouin. Bah oui, on y va. Alors, Mycroft le babouin, vous lui demandez quel livre? Ah oui, le livre de le temple de la dualité. La dualité, tout à fait. Il revient avec un livre et il dit: je suis désolé, mais je ne crois pas que vous puissiez le lire. Mais bon. Pourquoi? C'est compliqué ou... Vous ouvrez le livre. Laissez-moi ça. Et il est vide. Sauf pour les yeux d'Evie. Evie arrive à lire parce qu'il se trouve, et c'est qu'il écrit dans l'alphabet secret de Luminis. Ah bah, ça tombe. Mais va-t-elle pouvoir le déchiffrer? Fais-moi la connaissance des secrets. Alors. Si tu veux, j'ai un encrier. Bon, j'ai que 60, hein. C'est pas dit. Heureusement que j'ai pris le scalpel 84. Au moins. 84, voilà. Vous n'arriverez pas à lire aujourd'hui. Le livre... Ah, on peut revenir une autre fois? Exactement. Il n'y aura peut-être pas d'autre fois, cher enfant, juste... Est-ce personne qu'on va quand même dans les runes pour trouver la pierre noire ou pas? À un moment, il est quand même temps d'aller au palais. Pourquoi vous ne voulez pas aller au palais? J'essaie d'aider tout le monde à aller au palais pour reprendre le pouvoir. Je peux reprendre le pouvoir? Fredo, Xanadu, la prison, les ruines Nok. Est-ce qu'on va réussir à boucler cet épisode sans avoir rejoint le présent? Si, il va falloir retourner au palais à un moment. Non, mais on peut aller voir les ruines Nok. Ou Fredo, vous voulez passer voir Fredo? Non, Fredo, il est dead, on s'en fout. Fredo, il aura au moins servi à quelque chose. Il y a un chat qui a miaulé pendant la nuit. Là. Il développe peut-être une chanson, mais c'est vrai que Fredo... les ruines, c'était loin. Mais avant d'aller aux ruines, les ruines sont sur une île qu'on peut atteindre que par navire. On peut passer au palais avant d'aller. Non. Mais si. Non, mais écoute, Mimolin est là depuis un moment. Il a clairement envie de passer à autre chose. Donc, vous voulez décider d'un commun accord finalement d'aller voir le palais, c'est ça? Ça peut faciliter les choses pour tout le monde. Mais non, on va aux ruines. Vous savez que si je reprends le pouvoir, je vais déployer des soldats, on va pouvoir aller faire des recherches. Tu vas pouvoir chasser Vernabule. Mais tu promets? Évidemment. Croix de bras, quatre fers. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends le pouvoir, je prendrai possession du vaisseau de Vernabule et on fera le bien avec. Vaisseau qui n'est pas encore construit, je le rappelle. Mais on la prendra en otage et on l'obligera à finir ce vaisseau sous les ordres de Mick Givray. Et on en fera un vaisseau qui sèmera des champs comme ça dans les airs. Ou sinon, vous pourrez tous aller voir dans le miroir si j'y suis. Vous pouvez y aller peut-être en prenant des précautions. Oui. Moi, je suis chaud pour effectivement peut-être enfermer le quoi? L'autre pharaon dans le miroir au cas où. Enfin, bon, il y a plein de trucs. Non, mais on peut peut-être cacher le miroir quelque part.
Ouais, sur mon dos, par exemple. Non, mais dans le palais. Est-ce que ça vous dit pas d'aller au palais? Vous voulez d'abord aller au palais avant d'aller voir les ruines? Bah, après, comme ça, on sera équipé pour aller voir les ruines, non? Je pose la question, pourquoi vous voulez pas aller? Je comprends pas. Son fusil, là, je peux faire quelque chose avec Qu'est-ce que tu veux faire? Des balles régénérantes? Ça me paraît un peu compliqué si ça utilise les âmes, mais... Ok, des balles sans âme, moi ça je pense que tu es capable de créer une machine qui arrache l'âme des gens. Enfin, il faut... Oui, c'est pas le but. C'est pas le but. Mais c'est une super idée. En fait, tu peux créer des balles, voilà. Non, mais est-ce que je peux juste, bah, peut-être éventuellement le bricoler en mettant... parce que vu que c'est une tanche en combat à distance, mettre des lunettes, des trucs, enfin ouais, mettre des lunettes... Un scope infrarouge, voilà, des scopes, un instabilisateur, essayer de... Vas-y. Un petit visée holographique x4 avec... Voilà, on met tout. Une poignée d'instabilisation et un petit porte-clés custom, tu vois. Bien sûr. On va voir à quel point ton jet est réussi ou raté. 5. 0,5 oh, mais c'est quoi ces jeux? Okay. C'est tout ou rien, ouais. Alors donc, 0,5, c'est magnifique. Donc tu as la poignée, vas-y, dis-moi, poignée stabilisatrice. Donc oui, un stabilisateur derrière, une lunette de précision. Un trépied, comme ça, quand je suis allongé, il y a un trépied. Un trépied s'il veut l'allonger, ouais. un point rouge, le laser. Donc tu as ajouté 4 choses, le point rouge, le trépied et le stabilisateur. Tu gagnes 40% quand tu tires à combat à distance avec ce fusil. Ah oui, c'est pas mal. Oh, c'est beau. Ça fait 70%. Et c'est un NFT Ubisoft en plus, c'est incroyable. Par contre, tu peux tirer que 3 balles. Je rappelle qu'il y a 4 guerriers, mais bon, c'est pas... Après, il suffit de tirer sur le principal responsable de nos problèmes. On terminerait le nouveau pharaon immédiatement. Oui, on peut tuer le pharaon directement, comme ça je prends le pouvoir. Oui, bien sûr. Donc vous décidez d'aller vers tu le palais. Tu es Mimou. Non, mais ça, de toute façon, c'est un truc... Il m'a pimpé mon fusil avec moi. On ne l'a pas affiché dans... Si, on est au courant, mais je suis content. On donne des fusils. On va pouvoir... si à moins le pharaon résiste... Est-ce qu'on peut encore préparer des choses? Comment je peux faire ma magie, là, ma nouvelle magie Maranga, se passe ouais. Il faut que tu trouves 2 créatures vivantes. Par exemple, un pharaon et un pharaon. Tu les opères et tu dis, par exemple, je vais prendre les yeux d'Archibald et je vais les greffer sur Mick. Ah, pas mal. C'est trop bien. Sinon, tu peux prendre Mimolin et tu le greffes sur le pharaon Ça peut rater, c'est ça. Mais par exemple, tu peux prendre un animal qui a des pouvoirs. Par exemple, tu peux prendre effectivement des yeux de chat, par exemple, et les mettre sur toi, ce qui fait que tu vois dans la nuit. Non, mais elle a zéro éthique. Une fois que tu l'upgrades, il n'y a plus d'éthique. Si tu te loupes, tu seras aveugle. Vous décidez d'aller au palais, c'est ça? Est-ce qu'il y a des dernières choses? Il faut qu'on ait un plan d'attaque si tout part en couille. Toi, t'as un fusil mais rien, coupé. Mais rien ne va partir. Non, mais officiellement. Il va nous foncer dessus. C'est vrai. Alors, c'est vrai que le pharaon peut résister, mais quand il va me voir, c'est vrai que c'est moi qui sera de retour au pouvoir. Non, mais il faut se préparer Il va se rendre. Moi, je suis pas sûr qu'il soit dans ce mindset-là, non? Je pense les pharaons qui rendent pacifiquement le pouvoir, je suis pas sûr. Ouais, mais d'avoir essayé de me tuer, de me voir revenir. Je sais pas. Bon, le miroir, il est foutu. Sachez pas, mais du coup, j'en fais quoi? Les perles. Ouais, bah, cool. On a quelqu'un qui a la magie des perles. Non, mais attends. Là, on est dans le flashback. Oui, non, mais attends. Non, mais on se prépare à toute éventualité. Si c'est pas autant, on s'était pas autant préparé que ça. Back in the day. Ils avaient un mois. On s'est pointé dans le palais, on a dit, salut, et voilà, c'est parti en couille. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Allez, allons vers le palais. Non, parce qu'on savait pas, parce qu'en fait, j'ai dit, vous faites diverses choses dans la ville. Ah oui, on a fait une éclipse. Et ensuite, voilà, exactement. Mais donc, peut-être qu'on s'était déjà préparé à tout ça. Et donc, effectivement, vous avez peut-être fait un mind game de ouf, vous avez posé des pièges à loups partout. Non, mais attendez, on est... je propose qu'on trinque à notre amitié et qu'on monte ses marches tous ensemble, together. Et on va reprendre le pouvoir et on va apporter la paix et l'amour. Voilà, et je pense, encore une fois, que le cœur pur de Mimolin l'emportera. Encore une fois, croyez-moi, bon, en 2022. Je vais. Nous, on a fait un petit aparté, en tout cas, et on s'est dit des trucs. Ouais, bien sûr. Voilà. D'accord. On y va? Je vais me construire une planche à roulettes. Là, comme ça. Jet de bricolage. Attends, mais c'est quoi une planche avec des roulettes en dessous? Mais ça que c'est planche à roulettes et je vais quand même essayer, voilà, en utilisant des petits moteurs de briquet, des trucs à claquement, des moteurs de briquet quand même derrière. C'est compliqué, mais vas-y, fais ton jet de bricolage. Mais ça sert à quoi d'avoir une planche avec des roulettes? C'est pour transporter des objets? Qu'est-ce qu'on fait avec une planche avec des roulettes? Ça me permettra, dans des situations extrêmes, de m'en aller avec style. Attends, tu montes sur la planche à roulettes et c'est incroyable. Zéro, 0-3. Et il inventa l'overboard. Exactement, tu as un overboard avec la magie des cristaux de Kniga, tu chopes un cristal de Kniga, tu fais un truc qui lévite un petit peu par la magie. J'en veux. Tu as ton overboard. Incroyable. Et non, un seul exemplaire quand même, n'exagérons pas. Incroyable. C'est fou. Petite voix en moi dit, moi pharaon, il le donnera. Tu as utilisé, en fait, tu as fait une mini forteresse volante, tu vois, c'était inspiré, qui ne saigne pas la main. J'ai débloqué des trucs dans mon cerveau là. Incroyable.
C'est bon, vous allez voir le pharaon. Allons-y. Il va me voir, il aura peur, et pacifiquement, je reprends mes pouvoirs, et tout se passera bien. Retour au présent, les quatre guerriers, on va et pas on vous faire la chanson. Pour la vie, hein. Bah, bien sûr. Les quatre guerriers sont devant vous, donc je rappelle Azurios, Modon, Darty Sanchez et Ladvir. Voilà. Darty Sanchez, c'est incroyable. Est-ce que je peux voir les résultats du premier sondage, la régie? Et là, vous avez une minute pour fuir. Et je suis là, j'ai la chaise. Juste. Alors, en ayant testé au préalable, mon overboard, c'est juste une charge, c'est moi, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut pas, on peut pas être en mode let's go. Non, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On fuit pendant une minute. Mm-hmm. On prend un couloir, un angle. On pose en une minute, vous êtes même en dehors du palais, si on vous pose le miroir, on rentre. Et donc, j'ai un petit palais. Soit ils nous passent devant, on essaye. Et alors? Soit ils rentrent dedans. On se met de chaque côté de la porte du miroir. Dès qu'ils rentrent, on les pousse, on sort, on pète le miroir, voilà. Tout c'est monde comme des créatures de quelques mètres de hauteur, vraiment costaudes, donc ça rentrera c'est pas dans le miroir. C'est vrai qu'il y a que lui qui connaît le miroir, il va peut-être pas mentionner ça. Non mais c'est même une sorte de miroir, c'est que tu vas fuir avec un miroir hyper lourd sur le dos. Non mais on l'a sur le dos. Non mais Daz, je te rappelle, est-ce que le maître du jeu peut rappeler le volume des créatures et des gardes qui sont en train de courir après? Oui, c'est des géants. Ils sont très gros, mais ils peuvent passer dans le miroir. Ça reste des humains. Mais comment les faire rentrer dedans? Non mais ça se trouve. Non mais si ça se trouve, en fait. On se barre du truc, on rentre dans le miroir, on va peut-être les voir passer devant nous parce qu'ils n'auront pas l'idée de... Tu vois, tu poses le miroir contre un mur. Moi, pour l'instant-là... Moi, j'overboard. Je sors mes mouettos et je confie un de mes mouettos à chacun de mes gardes. Comme ça, je dis, amusez mes mouettos. Et je garde le cinquième, je garde Laurent avec moi. Coach Thiago, Xarnax... Chacun, je pose sur un garde et j'ai dit, voilà, amusez-les, je veux que ces mouettos aient la meilleure vie. Ça deviendra mes meilleurs amis. Très bien. En plus, voilà. Donc, vous, est-ce que vous avez le plan miroir de votre ami? Bah, on a double plan. On a le plan miroir ou le plan perle. On va faire le plan perle. Ok. Et là, je dis à mes gardes, go. Non, mais là, on part. Non, on est parti loin. Ils ont une minute. Non, ils ont une minute. Mais alors, qu'est-ce que vous faites pendant cette précieuse minute? Ok. On fuit, on peut se mettre dans le miroir, et là, ouais. On fait les perles. Est-ce qu'il ne faut pas être en présence des trucs qui sont concernés par les perles pour faire le... Non. Ah bon? Ok. Alors, on fait ça. Donc, déjà, il va falloir courir avec le miroir sans le casser. Donc, comme il est fragilisé, oui, vous allez faire, quelqu'un va lancer un jet, un dé et faire moins de 80. C'est moi qui le prenne. Mais... Ouais, t'as un overboard. Enfin, moins de 80. Non, mais il a un overboard, du coup, il a aucune aspérité du sol. Moins de 80. Moins de 80. Allez, moins de 80. Mick, tu peux le faire. Mick, 54. Vous arrivez dans un recoin où il n'y a pas trop de gens dans le palais. J'avais précisé que le palais était assez vide. Vous mettez le miroir contre le mur et vous rentrez dans le miroir. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Fait ça, mais c'est bien caché. Hein, l'autre, il non, mais l'autre, il connaît pas le l'autre palais. Sait, hein. Mais il connaît pas le palais. Ah, mais. Si, c'est son palais. Je suis pharaon. Il a repris non, mais attends, quel pharaon connaît tous les meubles qu'il y a dans son palais? Il s'en fout. Il est sur son trône. Moi, je suis sur mon trône. Tant pis, moi, je fais le fou. Allez, bonne chance. Rentrez dedans. Et moi, je me casse. D'accord. C'est quoi, tu nous laisses? Ça sent le plan cul. Voilà, je vous laisse avec vos emmerdes. Et puis, moi, si le miroir est cassé, j'ai envie de dire. Sobite. Voilà, bon, non, horrible, peut-être que le monde s'emportera mais, mieux. Okay. Non, mais on peut trouver un recoin quelque part, on n'est pas obligé d'aller dans un miroir. Non, ça y est, il est posé le miroir. Ça y est, il est posé dans un coin. Il est posé dans un coin. Alors, quelqu'un va, parmi vous deux, puisque vous rentrez dans le miroir. Ouais. Ah, on rentre vous... vraiment bah, vous voulez rentrer ou pas? Moi je rentre, parce que je le kiffe ce miroir, j'ai un coussin. Non, ouais, vas-y, on rentre. J'ai un coussin qui va vite, je vais vite sur la ville. Alors, j'ai d'abord le miroir. Est-ce que vous allez vous faire repérer par les gardes qui vont déterminer que ce miroir est suspect? Alors j'avoue que j'ai pas informé les gardes, je suis au courant du miroir, j'ai juste dit à mes gardes, go à la chasse. L'un d'entre vous va faire un jet de discrétion. Bien sûr. Augmenté de 50. Ah, super. Bon, moi, je suis pas moi j'ai 60 plus 50, ça fait 110. Je lance pas les dés et ne fais pas 100. Mais non. Et si, ah, le 100, c'est toujours le 100. Ça n'arrive jamais. Il y en a eu un tout à l'heure. Non, mais vous inquiétez pas, les gars. C'est bon. Allez, 97. Ok. 97, effectivement. Donc, il y a Azurios qui passe devant le miroir, il le regarde et vous transpirez tout le temps. Et puis, il dit c'est bon, allez, il continue. Voilà. Ok, super. Vas-y, sors tes perles. On n'aurait pas pu l'attraper. Mais pourquoi il va tout de suite dans le miroir? Mais non, parce que moi je sors et je pète le miroir et voilà. N'importe quoi, elle est dans le miroir aussi. Oui, mais ils sont plusieurs. Hein. Tu penses qu'un garde surentraîné, un de mes meilleurs gardes, tu vas le tirer comme ça, toi, petit commercial VRP, et alors, le sortir? Déjà, première chose, Mimolin. On parle à distance. Hein. C'est pas l'intelligence qui te cache. Si je montre, je vais. De mon trône. Mais non, mais en fait, un garde, il voit une main qui sort d'un miroir, tu vas pas me dire qu'il est prêt à toute éventualité. Il est surentraîné, c'est l'élite de. Tu es sur ton overboard et tu es poursuivi par Darty Sanchez, qui est un homme chat. Avec un mouettos.
Kalimantos qui bondit comme un chat. Sanchez et Coach Thiago. Qui quand même avec la minute d'avance. Il tient bien la distance, mais il est quand même loin. Mais ça reste d'être un sujet. Toi, tu fonces avec ton overboard, tu es en train de descendre la nuit, les escaliers pour arriver jusqu'au vers le fleuve où il y a le navire. Ça, est-ce que tu as une stratégie particulière? Il fonctionne sur l'eau, son truc? Moi, c'est bah oui, en théorie. Et McFly. C'est rejoindre un cours d'eau le plus vite possible parce que le chat, lui. Et tu plonges dans l'eau. Et tu n'as pas mon truc flotte sur l'eau. Tu n'as pas l'hyperventilation. Alors, l'overboard dans le Lord de Retour vers le Futur flotte sur l'eau. Allez, on va faire un overboard de Lord de Retour vers le Futur, mais il n'avance pas sur l'eau. Oh, il va faire comme Biff Tannen et tout, ça va être incroyable. Mais à plat, sur ton overboard, tu fais comme ça, t'avances en vrai. Ah ouais, ça fait un sourire. Ouais, en plus, t'as zéro frottement avec l'eau, donc t'avances très vite. Ça va être de la nage. Alors, tu es sur ton overboard, sur les eaux du Hamam Daou. Beaucoup de gens voient cet homme qui est sur une planche en lévitation à 20 cm de hauteur. L'homme chat d'Arty Sanchez te rattrape. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as. Ton overboard n'avance plus, qu'est-ce que tu fais? Il me rattrape. On est sur l'eau là? Toi, tu es sur l'eau. Lui, il n'est pas sur l'eau. Il est en train de descendre les escaliers. Il te voit et tu es dans sa ligne de mire. Il a quand même une lance qui peut lancer sur toi. Est-ce que tu fais quelque chose? Bien sûr. Ben, je vais mon couteau, bien sûr, fonction cachée. Bien sûr. Et donc la pagaie dépliable. D'accord, vas-y. Je sors ma pagaie. Elle est vraiment, elle est très télescopique ta pagaie. Pour tourner un couteau, c'est le temps de la déployer au moins. Tout va bien se passer. Donc c'est 20. Donc tu as une pagaie dépliable, tu commences à pagayer, c'est ça? Oui. Alors frénétiquement. D'Arty Sanchez ne va pas se laisser faire et va lancer sa lance sur lui, sur toi, mais tu n'es plus une cible fixe, donc il aura un malus. Mais je me retourne vers de l'autre côté du miroir. Moi, je suis en train de finir le petit bout de déjeuner que j'avais mis dans le miroir en provision. D'accord. Et vous faites quoi maintenant? Bah alors je mange et. Alors j'ai un truc à vous dire, vous ne serez jamais retrouvé puisqu'il considère que vous avez disparu d'une certaine façon. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors. On peut faire Belphégor de ouf le soir, la nuit, avec... genre, le château, il est hanté, ça fait flipper tout le monde et tout. C'est incroyable. Il y a tellement de possibilités. Vous juste que si je tombe sur ce miroir, moi... Vous ne faites rien? Si, on va jouer aux perles. Ouais, je voyais manigancer des sortes de perles en début de séance, là. Ouais, le jeu des perles. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, j'ai des perles. On va connecter des perles. On va connecter des perles entre elles pour faire des trucs. Donc, la première chose, c'est que est-ce que vous connectez deux perles? Voilà, mais j'en ai. C'est ça le but? Ouais. Donc, il faut que chacun d'entre vous prenez une perle. Vous dites, je prends la perle qui ressemble à ça. Vous la qualifiez. Vous dites, cette perle, c'est le pharaon, par exemple. Et ensuite, vous les associez. Voilà. OK. Donc, moi, je prends. Vas-y, choisis. Ok. Moi, je prends les yeux rouges. D'accord. Moi, je prends le feu. D'accord. Tu étais associé à quoi déjà avant? À rien. On n'avait pas associé ces perles, hein. Non. Non, celles-là, elles n'étaient pas associées. Non, on ne l'avait pas associé. Alors. Avant que vous tuiez Mimolin, si c'est votre objectif. Non, pas du tout. J'ai un truc à vous dire, c'est que. Est-ce que vous voulez vraiment. Dans le corps du pharaon, de même façon que le pharaon était caché dans le corps de Mimolin, votre ami Mimolin est caché dans le corps de pharaon. Mais là, qu'on allait faire justement, c'est qualifier les yeux rouges. En l'âme du pharaon qui est dans le corps de Mimolin. D'accord. Et le feu? Vous allez faire de la parturition avec des boules de feu. Vous allez brûler un truc dans mon crâne. T'avais que 40 d'intelligence, donc c'est pas trop grave. Vous allez avoir un ami lobotomisé. Non. Bon, en attendant, moi je m'impatiente un peu et j'appelle un de mes domestiques pour dire comment ça a donné un avis de recherche sur ces personnes. Pierre, mon papa, arrive et il se prosterne devant toi et dit « Ô grand pharaon, que puis-je faire pour vous servir? Puissiez-vous vivre éternellement ?» Déjà, apporte-moi beaucoup de femmes et d'hommes pour ce soir. C'est prévu. Et en deux, tu vas mettre un avis de recherche. Toute personne qui me ramènera vivante, une des trois personnes, donc Mick Givray, Evie ou Archibald, recevra 10 pièces d'or et la terre de son voisin. Votre volonté sera faite. Très bien. Donc vous les associez, vous les faire brûler l'âme du pharaon. C'est ouais. Ça c'est ça. Alors la magie des pierres. Vous allez me brûler la gueule. La magie des pierres fait effet et il se passe quelque chose d'affreux pour toi. C'est que une âme brûle métaphoriquement, mais la partie dominante de toi est à l'impression d'être en feu et de brûler. Donc tu te mets à hurler sur ton trône et tu vas hurler pour l'éternité. Mais non. Ah mais non. Attends, mais non. Mais c'est parce que. Attends. J'ai d'autres perles. J'ai une perle Mimolin et une perle Goutte. En fait, j'ai bien écrit sur mon inventaire que la perle Mimolin, je te l'ai passée et je l'ai récupérée. Moi, j'ai la perle de verre haut aussi, si t'en as besoin. Sauf que vous êtes loin. Donc là, je suis en train de brûler. En tout cas, pour l'éternité. Pour l'éternité, enfin. Ah oui, si on trouve une autre perle. Jusqu'à sa mort, comment dire. Si un jour vous séparez son âme ou si son corps physique meurt.
En tout cas, il va être, il va hurler. Donc là, il fait quoi là, il fait juste. Ah. Bah déjà qu'il faisait très peur. Là, ouais. Tout le monde est terrifié. Aussi. Oui, mais par contre, pendant qu'il hurle, il fait rien d'autre. Il fait rien d'autre. Donc, il est impossible de parler. Il hurle parce que. Je vais faire en brûlant. Je vais faire en brûlant. Voilà. C'est très bien. Ah, super. Génial. Mais, non mais bande d'enfoirés. Attends, mais je peux le mettre dans mon miroir. Mais arrête avec de ton miroir là. Mais si, il y a un miroir. Il y a notre pote quand même dedans. Ouais, mais on va s'en occuper. T'inquiète. Dès que Mick. Pourquoi s'il a qualifié le feu en destruction. Oui. Eh ben, ça suffit pas. On peut pas détruire l'âme de. Non, j'ai dit le feu. Mais oui, c'est ça, j'ai pas compris. Mais pourquoi t'as pas dit c'est la destruction? C'est le feu. Je suis en train de brûler de l'intérieur. Voilà. Non, Mimolin, je suis un barbare. Mimolin, tu vas jouer le rôle de comment il s'appelle d'Arti Sanchez qui va tirer sa lance. Je vais vous buter. Je vais vous buter. Lance les dés. J'ai un avoir là-dedans. Lance les dés et fais moins de 55 si tu veux toucher. Je sors une oreille du miroir pour entendre si on entend les hurlements ou pas. Moins de 55. Tu les entends et on les entend sur toute la colline du pharaon. Ah ouais. Et ça terrifie tout le monde. Ok. Imagine le mec il vient, il tue tout le monde et en plus il se met à hurler. Ah, c'est 25. La lance part, tu te prends une lance en plein corps. Oui, il est, ça. Donc bah, tu lances un D6 et c'est autant de points de vie, c'est un guerrier terrifiant. Oh là là. Et tu vas devoir tomber dans l'eau. Oh, et en plus, oh là là là. 5. En fait, okay. Tu perds 5 points de vie et tu disparais dans les ténèbres de l'eau. Mais il peut nager. Tu lances dans le corps, tu te lances dans. Cette image de Mick qui tombe dans l'eau avec sa lance en travers du corps sera la dernière image de cette session. Non, mais non. Abusé. Oh, c'est horrible, c'est le chaos. Donc moi, je suis un bras zéro. Archibald, tu ne brûle pas physiquement. La destruction, oui, qu'il fallait dire, c'est pas le feu. Mais non, quoi. Le feu, c'est le feu. Le feu, c'est la purification. Alors, non, c'était. En tout cas, cramer et repartir sur des basses scènes. En tout c'est cas. Mon credo. Alors, je demande aux spectateurs, n'hésitez pas à poser des questions auxquelles on va répondre. Vous posez votre question sur Twitter en mettant @gameofroll, pas des DM, juste vous répondez. Putain, à GameofRoll. J'hésite à briefer les gardes, mais je me suis dit, c'était un peu too much. Ouais, t'as pas le temps. Alors. Question Mimolin, pendant qu'on va attendre les questions. Brûle intérieurement. Tu ne peux pas jouer la prochaine fois. Non. Donc tu vas jouer un des quatre personnages que vous n'avez pas voulu décider pendant ce mois. Mais si, je t'en ai proposé un. Tu peux jouer la Dame des Clés. Non, c'est moi la Dame des Clés. Mais il peut la jouer s'il veut. Tu joues la Dame des Clés avec des pouvoirs comme j'ai la bonne clé, j'ai des bonnes clés magiques, voilà, etc. Tu peux jouer. C'est ce que tu nous as proposé par mail, les rôles. Tu peux jouer un voyageur temporel. Mm-hmm. Donc, tu reviens mystérieusement du futur, avec des vêtements du futur, un retour à le futur, et ta mémoire va disparaître petit à petit, mais tu as une photo de ces quatre personnes qu'il faut sauver parce que ton futur en dépend. Et tu as des pouvoirs liés au temps. D'accord. Tu peux notamment... C'est utilisé, ça. Ouais, exactement. Tu peux être un maître des animaux étranges, un maître Pokémon. Tu peux voir des animaux invisibles aux yeux des mortels. Et en fait, tu n'as pas de verbe genre acrobatie, mentir, tout ça. Tu summons tes animaux qui le font pour toi. D'accord. Voilà, et il faut les chasser, les découvrir. Oh putain, c'est des Pokémon. Mais attends, mais chasser le shiny. Comment il les a C'est un maître des animaux qui vient de la lointaine Amazigh. D'accord, mais nous on voit pas ces animaux. C'est des animaux qui vivent parmi nous et qui sont invisibles. Mais lui, il peut parce qu'il a été formé. En fait, on le prend pour un ouf. Exactement. Ken Bogard. Ouais, d'accord. Et le dernier, c'est un Pokémon. C'est vraiment un truc intéressant. C'est quelqu'un qui vient du pays des monastères. C'est un magna plume, c'est-à-dire, alors c'est un magicien qui a deux pouvoirs. Il peut stocker des objets dans des livres, un peu comme le miroir, mais c'est des objets qui font de la taille d'un livre. Et deuxième truc, c'est si tu fais un poème, ben, ce qui est dans le poème se réalise. Oh, c'est trop stylé, ça. C'est très puissant, il n'y a aucune forme de... Si, alors, et c'est limité, c'est-à-dire c'est limité en la puissance, mais plus ton poème est beau, plus la méchée est puissante. Ah. Mais si tu fais un poème qui fait pleurer Daz, l'homme, et pas Archibald, il n'y a aucun problème, tu pourras faire ce que tu veux. Voilà. Déplacer les montagnes. Mais c'est le moment, si tu veux, de faire de tes jeux de mots, par exemple. Donc ça sera le magna plume. Ça demande d'être très créatif. Je vous propose de choisir d'ores et déjà, parmi les quatre archétypes, comme ça ne va pas rester 15 jours. Dans l'idée, je pense qu'entre le magicien poète et le voyageur du temps, c'est les deux qui m'intéressent en termes de mécanique. Par rapport au... Le chasseur de Pokémon, c'est quelque chose. Hein. Magicien poète, chasseur de Pokémon, c'est sympa, mais... Ouais. Le magicien poète, c'est dur, parce que c'est-à-dire qu'il faut que j'écrive quand même des trucs... Pire. Ouais. Il y a des situations où tu dois improviser à tout moment. Quoi. C'est un peu comme le bricolage. Je vais faire le magicien poète. Ça va être le magicien poète, voilà. Donc on en parlera la prochaine. Donc ce sera un personnage temporaire, et si
ils le veulent, ils le peuvent sauver Mimolin. Peut-être tu reviendras bien Mimolin. Enfin, Mimolin, il va pas ressortir indemne de ça parce que le truc, il va être lobotomisé, l'adolescent là. T'inquiète. Vous êtes en train de le faire brûler pour l'éternité de l'intérieur. Comme on a fait brûler. Si seulement Archibald avait bien défini la perle feu, tu vois. Bah, j'ai défini la perle feu. Mais tu savais très bien que cet homme, pour la dernière de la saison, il allait vouloir brûler un truc. Il allait brûler son compagnon. C'est du feu. Non, c'est pas toi qui brûle. Bon, c'est l'autre toi. C'était une bonne séance, vous avez apprécié. Voilà, c'était intense, ouais. C'est bien, merci en tout cas, et ça m'a fait très plaisir. À bientôt pour le troisième reroll du coup, Xavier. Alors, peut-être. Mais non, non, on va aller pécho. Putain, j'avais moins overboard quoi. On n'a pas de date pour le prochain Game of Thrones. Voilà. Aïe. Question de Gwyphis. Archibald va-t-il se lancer dans le commerce de Viagra? Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'artefacts. Il suffit juste d'avoir de la volonté. Oui, parfois la volonté ne suffit pas. Mais c'est une question d'angle. Suggestion de Clémec. Evie a des cobayes infinis pour la maranga avec la parturition. Oh là là, le monstre, on a craint. Non, mais vous me brûlez moins, mais en fait, le perso est immonde. Le perso, c'est chaotique, mauvais. Tu peux créer Evie avec quatre bras. MV, c'est fini. Nous demande Lycaon Omega. Tu ne regrettes pas de ne pas être entré dans le miroir? Je n'ai absolument pas envie de traîner avec ces gens. C'était la meilleure occasion pour moi de m'en sortir et avec un peu de chance que eux crèvent. Mais si on se retrouve, évidemment, on vivra quelques heures. Tu verras que nous, on n'est pas des bâtards, ok? Alors, le doublé vous rappelle que vous pouvez toujours défaire les perles pour faire quelque chose de plus intéressant. Oui, mais du coup, je défais les perles, je... Bah, t'as de l'eau, t'as des gouttes. Donc c'est quoi, je noie son âme? Bah, par exemple, oui. Ouais, c'est moi, c'est plus noyé pour l'éternité, voilà, c'est j'ai la sensation de noyer. Ah, c'est super. Le waterboarding permanent. Franchement, votre niveau de cruauté... Trio nous vous demande, mais pourquoi n'avoir pas récupéré la pierre dans l'œil de la statue qui se trouve dans le temple de la magie? Oui, c'est ce que j'ai pas dit, essayé de dire. C'est pas aussi simple que ça, il va pas y avoir un œil, une pierre dans l'œil de la statue qui se trouve dans le temple, enfin. Et moi, j'ai dit, peut-être que c'est écrit comme Resident Evil. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Saura-t-on? Donc, les gens aiment bien, et j'ai des compliments. Est-ce que la magie de la maranga est différente de la chimie? Alors, dans la Game of Thrones Mademoiselle, il y a une magie qui est la maranga, mais pour les animaux. Ah. Donc, mais ça s'appelle la magie de la chimère. Mais quand c'est des animaux, ça passe. Okay. Ah. Un peu comme dans notre société moderne. Animal testing, moins quand même. Est-il possible, alors il y a vraiment, les gens posent des questions, est-il possible de greffer quelqu'un qui a deux âmes ensemble avec la maranga? Je sens que ça va s'amuser. On va créer des trucs, ça va être un centre commercial des âmes. Aussi à moi. Non, je sais pas si les gens regardaient, je n'ai pas regardé mes notes ce soir. Oui. C'était bien ou pas? C'était très bien. C'était fluide. Voilà, l'idée que ce soit de plus en plus fluide. Pourquoi ne pas avoir one shot un garde avec la première dent de requin qui a 100% de chance de tuer? Mais t'as oublié ta dent de requin. Parce que non, mais j'ai absolument rien oublié. Mec, t'as 360 dents de requin autour de toi. Non mais là, attends, là, techniquement, je suis Belphégor dans ce palais. Personne sait que je suis là. Toi, de toute façon, t'es brillé. T'as quand même les quatre gardes qui continuent à me chercher. Et moi, avant de brûler de l'intérieur, j'ai lancé un avis de recherche en vous dans toute la ville. J'ai un fusil de sniper. Oui, mais le miroir, ils savent pas. Oui, j'ai un fusil de sniper à 70% plus des dents de requin qui kill. Donc, t'inquiète pas. Je leur ai fait des trucs de ouf. Et moi, mon overboard qui coule. Question de Dwin pour Mick. Mick, as-tu hésité un instant? Tu peux... Parle-nous. Est-ce que tu es tenté de briser le miroir quand Evie Archibald était dedans? Mais plein de fois, t'as proposé. En fait, s'il y avait eu que Evie, je l'aurais fait, je pense. Non. Mais non, mais c'est vrai, c'est RP, mais il a raison. En fait, le mec, il est pacifiste. Parce il que le personnage devient incontrôlable. Oui. Moi, je me dis, je poursuis Vernabul, qui est une psychopathe qui veut utiliser une forteresse pour tuer le monde. Et donc, laisser libre accès à ça. Ah, non, mais elle s'en servira pas. Mais non, mais elle est. Non, mais bien sûr que si. Moi, je sais plus. Moi, non, je mais sais elle, plus elle, tu sens qu'elle est beaucoup plus artisanale que. Non, parce que. Je l'ai vu protéger. Son but dans la vie, c'est la maranga. Son âme, un bouquin de charcuteur d'humains. Et elle est. Et surtout, Ahriman est toujours plus puissant dans son corps. Ensuite, Archibald, pour moi, n'est pas assez mauvais, donc je veux pas qu'on. Il est juste mauvais au lit. Moi, j'essaie juste de niquer. C'est juste un mauvais coup. Non, mais attendez, on met toujours la faute sur Archibald. Et excusez-moi. Vernabule, peut-être c'est pas ouf, hein, voilà. Gabi W nous dit Mimolin, en criant et brûlant, est-il immobilisé? Du coup, Archie et Evie peuvent récupérer sa perle. Mais bien sûr. Et le El Diablo Preto est-il près d'eux? La perle. Parce que sa double queue peut se révéler utile. Vous vous souvenez de ce que fait la double queue? Oui, c'est une chance critique, non? C'est pas ça? Ouais, une réussite critique. Mais encore une fois, je vous rappelle quand même que dans mon palais, dans ma nation, absolument tout le monde vous recherche. Donc si vous sortez de ce miroir. Mais tout le monde nous recherche, t'as fait.
T'as fait un APB de spi avec un script qui était terrifié. J'ai lancé un avis de recherche. Il va venir te revoir pour valider le truc. Tu vas faire « Ah !» J'ai lancé un avis de recherche. Vous avez déjà tué un sphinx, donc en fait, les gens vous ont vu. Mes gardes sont à votre recherche. Il y a encore trois gardes dans le palais. Un quatrième qui pense avoir tué Mick et qui va revenir au palais. Effectivement, c'est Sobek, ton ami crocodile géant, qui a tué le sphinx. Mais exactement. Si vous sortez du miroir, vous allez être repéré. J'y désire. Question pour vous arriver. Vous n'aurez pas la salle du trône comme ça. Hein. Alors, je le reformule un petit peu, mais c'est une question de aimer. Quel est le moment où tu as basculé et tu as dit mes amis sont des méchants et il faut que je m'en débarrasse? C'est vrai que j'étais un petit peu conciliant, alors que de base, je suis vraiment pacifiste, anti-mort, sauf cas de dernière nécessité. T'as vu beaucoup déjà, début de session, tu snaps le mec, là. Bon, ensuite, on voit que le mec est full possédé, mais bon, le mec, il se prend une gifle, il se fait traiter de puceau, et le mec, il snap le coup d'un mec. Je sais ce que c'est. Non, mais... Déjà, ça disqualifie un peu, tu vois. Je sais ce que c'est. Les masculins, c'est beaucoup de fragilité, beaucoup de violence, donc ça, voilà. Et genre, le bouquin que je veux détruire, finalement, encore une possession de plus, elle a trois pouvoirs démoniaques. C'est donc, ça commence à faire flipper un petit peu, quoi. Je vais changer d'orientation, je vais devenir le voleur au miroir. T'as une vie. C'est quoi le voleur au miroir? Tu installes le miroir. Pendant que les magasins sont ouverts, je mets le miroir sur un mur, je me cache dedans, j'attends la fermeture, je vole tout, je mets tout dans le miroir. N'importe qui pense que le miroir c'est un truc acheté, il le prend pour l'emmener sous le bras pour aller à la caisse, il le brise et t'es dans la salle du temps de Dragon. Et lui, il snipe des gens avec des fusils alimentés par des paysans. Donc j'ai quand même pimpé. T'as pimpé de ouf. Ouais, donc en fait, c'est un monstre aussi en fait. Mais pas du tout, moi je suis là à chaque fois pour faire le bien. Mick, il vient. C'est pas pour mon. Mais moi aussi. Non, mais à l'échelle du mal, ça va, c'est juste un escroc notoire. Attends, excusez-moi, le gorille requin, je l'aurais pas one shot. Peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient des membres en moins ici aujourd'hui. Oui, bah voilà, donc toi, t'es dangereux à l'échelle, on va dire, individuelle, moi à l'échelle nationale et puis à l'échelle cosmique. Exactement. Globalement. C'est un beau résumé. Alors, tout le monde a un focus sur moi qui voulais juste reprendre ma vie d'avant. Voilà. Suggestion de parasite, mettre Ariban dans le miroir et le casser. Mettre qui? Ah oui. Ariman. Tu te sépares d'Ariman. Deux, tu le mets dans le miroir. Trois, tu le casses. Mais moi, Ariman, ça ne me dérange pas. Non, mais le miroir, il y a tellement de choses à faire avec. Ouais. Bien sûr. Très puissant le miroir. Il va se péter. Je vous annonce que. Il va y avoir un drame. Hein. Il va y avoir. Comme tu as des armures en scénarium, là, tu vas avoir un drame en scénarium. Déjà, je l'ai nerfé. Déjà, tu l'as nerfé, magnifique. Je pense à la pierre de TP, bien sûr. Évidemment, Remember. Petit ange parti trop tôt. Alors, regarde, début de session prochaine, un chien passe, se cogne dans le miroir. Et du coup. C'est quand la prochaine session? Alors, il y a un point important. Alors, on n'a pas de. On n'a pas effectivement de vision claire de Senpai Darty partenaire, mais on a une réunion ce soir en fait. Je vous l'annonce aussi avant la Gozulteuf. La Gozul réunion. Fredo les bonnes affaires a un mot à nous dire et il m'a dit tout à l'heure. Fibre, ça va pas être la démocratie mes couilles comme tu fais. Je vais arriver et je vais leur dire les mots, tu vois. Ok. Fredo et bonnes affaires. Il a vraiment dit ça. En plus, on l'a pas sauvé ce soir. Il a pas dit les gens ont droit à un mot, tu vois. Donc on a une réunion et on n'a pas de vision claire sur le prochain Game of Thrones, sachant que il est possible qu'on fasse. En fait, on veut aussi glow up un peu l'émission. Donc genre des overlays, des petites choses, voilà. Il est possible qu'on fasse un break de cette émission là. Il y a aussi Game of Thrones, les deux tours, n'oubliez pas. Et peut-être qu'on va faire quelques épisodes d'un hors-série, dans un autre monde. Voilà. Donc, c'est des choses dont on va convenir ce soir. Voilà, peut-être vous demanderai à Mick, lors d'un de ses lives, comment ça s'est passé avec Fredo. Et voilà. Nous le saurons. En tout cas, nous aimons beaucoup Game of Thrones. Gozulting et Victor en particulier aiment beaucoup Game of Thrones. On va tout faire pour que l'émission continue le plus longtemps possible avec la meilleure qualité. Puis on a envie de savoir... le destin de Mick et de Mimolin. Et... Si tu survis, t'as quand même une bonne infection de la plaie, parce que t'as quand même une plaie béante dans des eaux de fleuves dégueulasses. Voilà. Alors, en plus, qu'est-ce que... Je te grefferai une petite nageoire de poisson. Qu'est-ce que Xanadu réveillé comment quelle est la chose incroyable et merveilleuse que Carlu Luberlu n'a pas pu consigner dans le livre parce que personne ne l'aurait cru, et c'est absolument extraordinaire. La commu est déjà au courant. La commu est au courant? Une partie de la commu est au courant. Il y a des jeux parallèles qui sont avec la commu, et voilà, c'est comme ça. Et n'hésitez pas à joindre le Discord. Est-ce que si depuis l'intérieur du miroir... Ah, putain. Je tire tu m'avais pensé toute la nuit, hein. Mais c'est incroyable. Est-ce que si je tire avec mon fusil depuis... Parce que je peux avoir un miroir qui tue les gens? Oui.
Mais tu vas pas tellement casser... de possibilités. Mais ça va pas casser le miroir si tu tires. Ben non. Non, le miroir on le casse dans l'autre sens. Ouais. Ah oui. Ah, par contre, si tu tires dans le miroir et ton fusil, tu pètes le miroir. Et imagine, mais... tu trouves deux miroirs et tu les colles. Ouais. Bref. Ouais, bah, ça c'est portal. Après. Voilà, c'est ce qu'on disait. Non, mais c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte de la. C'est à dire que tu pourrais avoir des gens qui opèrent des balistes ou des gatlings. Mais bien sûr. Et quelqu'un qui. Autant avoir une vraie baliste, parce que sinon les gens, s'ils tirent sur la baliste, elle meurt. Mais non, parce que. Oui, mais non, mais parce que du coup, t'opères un truc qui pèse 200 kilos et toi, tu pèses un truc qui pèse 2 kilos. Et en plus, les propriétés miroiriesques font que si jamais ça prend le soleil, ça peut éblouir l'ennemi. Ah, c'est incroyable. Le cheval de Troie, c'est assez fou. C'est-à-dire, on peut déplacer une ville entière. Ouais, et puis tu peux aussi enfermer pour l'éternité une ville entière dans un miroir. Exactement. Toi, tout de suite, tu penses au côté dark. Vous avez failli péter le miroir. Ah, non, mais le jour où il pètera, ça sera extraordinaire. C'est clair. Et alors, toi dedans, surtout. Avant de moi, ça ne me dérange pas. Si j'ai mis suffisamment de trucs de côté, je peux vivre dans le miroir, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire au revoir, mais il y a Alba qui a une très belle chanson pour vous. On l'a pas assez entendu. Ah oui, on a skippé une chanson. Donc, moi, je vous dis au revoir. Je vous laisse aussi dire au revoir à nos spectateurs. Merci d'avoir été nous pendant cette saison 6. Merci. Et merci d'avoir été. Merci. Ouais, j'ai peut-être un peu coupé mes cheveux. J'avais les pointes très abîmées. Je voulais couper 2 centimètres, mais j'ai oublié de m'arrêter. Ça arrive, non? Non. Bon, on n'est pas là pour m'en carrer. La saison 6 est terminée et je propose un petit résumé parce que j'ai pas eu d'autre idée. Vous avez sauvé au Melas un homme éléphant sous emprise. La prison à vie, c'est pas cool, même si on dit que ça dégrise. Vous l'avez fait Maharaja du Bharat à votre guise. À la place, il devrait déjà faire une bonne grosse psychanalyse. Parlons un peu de Mimolin et de sa grande évolution. Il nous a tous tant attendris avec sa belle déclaration. Il aimait tellement Serialized, il en était tellement épris qu'il a voulu mieux lui prouver en allant tremper son biscuit. On a aussi perdu un barde, mais on a gagné un ami. Il s'appelle Mick, il répare tout, et c'est un mec super gentil. Raoul est parti sur les mers avec une pirate de génie. Car comme le dit si bien Kouchner, la piraterie n'est jamais finie. Bon, il y a aussi eu des trucs moins drôles. Moi je note pas mal de décès, certains prévus, d'autres accidents. Mais dans tous les cas c'est marquant. Petite pensée pour tous les subs qui vivent moins longtemps qu'une souris. Archie qui empoisonne Roxas, ne faites pas ça à votre papy. Paix à l'âme du brave Jackass qui a aussi perdu la vie. Mais la palme revient à Evie et à son génocide fortuit. Bravo madame. Les belles rencontres comme Furia ou comme Fredo, les bonnes affaires. Finir encastré dans un mur, c'est pas très bon pour sa carrière. Et puis pas mal de découvertes, la prophétie des 4 rois, celle du Mazdar. Et puis aussi, Karchik brûle comme du petit bois. Mick est vraiment très mystérieux, on a vu tout ça dans ses yeux. Vernabule veut tout conquérir avec sa forteresse volante. Mimolin cède pour toujours et devient le pharaon sanglant. Et sinon un gorille requin, dites-moi, ça respire comment? Voilà, c'était une saison bien remplie. J'en profite pour passer un mot. C'est que quand Fibre demande par mail quel personnage vous voulez jouer, si jamais vous deviez crever, faut pas attendre 2 mois avant de lui répondre à ça, sinon il peut pas préparer l'émission. Et après il est stressé. Et si Fibre est trop stressé, alors Victor sera stressé. Et Tougosu sera stressé. Et MV Lydia et Lameda seront stressés. Et Wish aussi sera stressé. Et on sera mal maquillé. Et la commu sera stressée. Et si tout le monde est trop stressé, la peur en France va s'installer. Et quand faudra aller voter, bah les l'extrême droite va passer. Voilà, c'était une saison bien remplie.